Hop, voilà, si j'allume le micro, ça sera mieux. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode du 9-10, le 9e déjà. On, va on démarre le troisième mois euh, de, cette, de cette émission, de votre rendez-vous, euh, j'espère maintenant, devenu habituel, hein, du lundi soir, euh, où on va passer, euh, j'ai arrêté de dire une heure, on va passer au moins une heure et demie à parler des footballs de la, de la planète Hello. Ouais, c'est bon, Nico, je te vois sourire, mais c'est bon, j'ai. <laughs> J'ai arrêté de dire une heure, c'est bon, on a, on a arrêté de se mentir depuis quelques semaines. Euh, voilà, on va passer une heure et demie, un numéro euh, très particulier ce soir. Vous voyez déjà qu'il y a trois personnes à côté de moi. Il y en a aussi que vous, en, vous allez entendre, que vous ne voyez pas, mais que vous allez entendre euh, trois autres. Donc on va être bien, bien nombreux. Pourquoi parce que, euh, bah, parce que ce soir, grosse émission, euh, si vous êtes des habitués du 9-10, vous, vous allez voir qu'elle va être un petit peu spéciale, modifiée par rapport à d'habitude. Vous ne verrez pas les, les rubriques traditionnelles, non euh, ce soir, il va être question de Coupe du Monde. Euh, et euh, bah, tiens, je vais te laisser y aller. Je vais euh, déjà te saluer. Euh, celui qui va co-animer avec moi ce soir, euh, Monsieur Nico Delaruea. Salut Nico. Ouais, salut Nico, bonsoir à tous. Et euh, ouais, comme tu l'as dit, ce soir, émission spéciale Coupe du Monde 2022 suite au tirage. On est, on est comme beaucoup, très excités par cette Coupe du Monde euh, qui n'est que dans huit mois, mais on a quand même l'impression qu'elle qu arrive demain. Donc, euh, donc on va patienter, euh, on va patienter gentiment et, euh, et donc on va profiter de, de l'occasion du 9-10 pour, euh, pour faire le point un petit peu sur, sur nos sélections de la planète Hello. Euh, on va voyager donc, de, de confédération en confédération pour voir euh, d'abord comment le tirage a été perçu et, et puis faire un état des lieux à, à plusieurs mois avant, avant notre rendez-vous Qatari. Donc euh, c'est donc vraiment un, un petit point, un, un gros point même. Avant, avant l'arrivée de la Coupe du Monde, et, euh, et on terminera quand même. On a, on a bouleversé un petit peu les programmes. On, on terminera quand même par, par le Golasso hello histoire de, de, finir sur quelques Golasso. Ouais, quand même, on va. Il y, y a des traditions qu'on doit pas perdre. Hein. Puis il y, y a des votes. Il y a, y a <laughs> deux Golasso hello à, à, à élire cette semaine. Donc bon, quand même, on va pas. <laughs> C'est Des traditions quand même à entretenir dans cette émission. Voilà, vous voyez, il y a des gens qui sont à côté. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Hein. Vous, euh, vous les connaissez peut-être. Vous voyez Diego qui est tout en haut. Salut Diego. <laughs> et vous voyez Jérôme qui est au milieu avec, euh, avec son beau maillot. Maillot 2 Je ne vois pas bien le logo. C'est euh, euh, Progresso, non Alors, ça y est, on l'entend pas. Il a dû couper son micro. <laughs> Ton micro, Jérôme. Ton micro, Jérôme. Exact. Le eh, c'est je... la traditionnelle. <laughs> Bienvenue <au club>. euh... <laughs> et donc, oui, euh, voilà. Et donc, je disais euh, fièrement pendant deux minutes tout seul que non, c'est Vichy Espagnola, fier ah, club ayant oui. terminé dernier euh, du championnat de première division uruguayenne l'année dernière, euh, qui, sur le logo, a une petite balle de foot, mais aussi des gants de boxe, puisque c'est un fameux club de boxe en Uruguay. Et, et bonsoir à tous. Et bien voilà. Et ben voilà. voilà. Donc, t'as le micro qui marche, et fonctionne. Ben, on si tout le monde est prêt, vous verrez. On aura PM, on aura Farouk. On aura Antoine et Romain que vous entendrez, que vous ne verrez pas, vous les entendrez, on les saluera au fur et à mesure. Euh, là, je lance un salut collégial, mais euh, voilà, et on va pouvoir donc y aller, on va pouvoir se lancer dans ce dossier spécial, spécial Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Et justement, j'évoquais PM, on va débuter, euh, on va débuter avec l'Afrique et on va débuter avec l'Afrique subsaharienne, en particulier pas que, parce que vous allez voir, on va aller aussi au Maroc avec, euh, avec PM. Euh, Pierre-Marie, euh, salut déjà Pierre-Marie. Bah, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Eh ben écoute, ouais, hein, rendez-vous traditionnel avec PM. Euh... Ah, il y a des jingles, ouais, il ouais, y a des jingles. Attends, on, fait, on... on a une grosse production, hein, je vous raconte même pas. Il hein. y a une régie Non, il n'y a pas de régie, c'est Bibi qui gère. Euh, donc oui, je disais, on, on, on débute avec, euh, avec toi, avec l'Afrique. On va évoquer euh, Sénégal, Ghana et Cameroun. On ira après euh, discuter un petit peu du, du, côté, euh, du côté du Maroc. Euh... On va essayer de voir un petit peu comment le... En gros, le principe de l'émission va être simple pour chaque confédération. On l'a dit qu'on va aller de confédération en confédération, mais plus ou moins on va sur à peu près le même schéma. On va essayer de voir dans un premier temps comment le tirage a été perçu. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, on ira voir. Euh on ira voir justement euh, présenter un petit peu ces sélections, voir quelques angles intéressants autour de ces sélections. On ne va pas commencer, on va vous le dire directement, on ne va pas commencer par se lancer dans des prédictions, se lancer dans des comment on va aborder la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle est dans huit mois. Euh, y y beaucoup de choses vont se passer, vous allez voir. On va parler de certaines sélections où il y a des choses qui pourraient se passer euh, <laughs> d'ici euh, la Coupe du Monde. Je pense à celle de Diego. Qui... <laughs> Et euh, voilà, <laughs> exactement. On en reparlera on en parlera tout à l'heure. Donc voilà PM, on va, on va, on va commencer justement avec, avec, avec les subsahariens. On va commencer d'ailleurs avec le, bah, on va faire honneur, honneur à son rang avec, avec le, le champion d'Afrique, le Sénégal. Euh, J'imagine quand même que le tirage au Sénégal, il a, il a aiguisé il a aiguisé, aiguisé pardon quelques ambitions. Bah ouais, c'est sûr que au vu, de, bah, au vu des équipes qui vont devoir affronter, bah, on se dit qu'il y a de la place quoi. C ça semble jouable. Le Sénégal, c'est quand même le champion d'Afrique en titre, et c'est, je pense, avec peut-être le Maroc, l'équipe qui a le potentiel pour pouvoir aller le plus loin. c'est le Sénégal, on commence à connaître. C'est, sept ans avec Alioucissé. ça fait sept ans que Alioucissé est en place. Euh, C'est un coach qui a des résultats probants. 41 victoires, 14 nuls, 9 défaites. Donc euh, une finale de Cannes, une victoire à la Cannes. Euh, la participation à la Coupe du Monde 2018 où il y avait eu une victoire, un nul, une défaite. Mais euh, ce n'était pas, euh, pas sorti des poules, mais euh, à égalité avec le Japon. Je ne me souviens même plus pour quel critère c'était le, le Japon. Carton, qui était passé le carton jaune le carton, bah voilà, pourquoi un carton jaune. <laughs> Donc, pour vous dire, les équipes étaient vraiment à égalité euh, sur de nombreux paramètres. Donc, ça, c'était jouer à rien qui ne sortent pas de la poule. Là, bah, euh, deuxième Coupe du Monde consécutive, il euh, bah, y, a, y a cette fois-ci de vraies chances. Je pense que le groupe est aussi un petit peu plus abordable que la dernière fois. Et, euh, et l'équipe visait, je pense, euh, à un exploit comme elle avait su le faire en, en 2002. Et... Et voilà, c'est l'équipe africaine qui a le plus de continuité. Donc c'est logique qu'il soit le prétendant de la Confédération africaine le plus sérieux pour pouvoir ouais. faire quelque chose de bien dans cette Coupe du Monde. Justement, je le montre, le groupe pour ceux qui reviennent d'un séjour sur Jupiter. Euh... Le groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas. D'ailleurs, le Sénégal qui jouera le match d'ouverture, hein, PM1. Euh... Donc... Oui, il y a eu un changement de, ouais. de programme. Hein. Peut-être que <laughs> Qatar-Équateur, c'était... Peut-être pas une affiche assez intéressante pour Gianni. Ouais. Alors Gianni s'est dit Bon, quand même, allez, on va mettre le champion d'Afrique contre, contre les Pays-Bas et euh, ça va faire plus d'audience. D'ailleurs, on en reparlera parce que ça grogne beaucoup en Équateur à ce sujet, euh, le fait que l'Équateur ne soit pas le, le, le match d'ouverture. Euh, justement, tu disais, tu parlais du Sénégal, tu disais euh, Voilà, il y a la continuité à l'UCC. Euh, il y a quand même un statut très particulier. Ce Sénégal-là, maintenant, a un statut aussi à défendre, ce qui n'était pas forcément le cas en 2018. Bah oui c'est sûr que bah, depuis ils sont devenus champions d'Afrique quoi ça ça fait quand même toute une différence c'est gagner la canne c'est n'est pas facile euh, on est quand même sur une confédération à 54 euh, pays donc euh, ou 56 pays euh, Farouk j'espère que je n'ai pas d'une bêtise mais euh, c'est euh, non, c'est clair que le statut a changé. Il euh, y a euh, parmi les joueurs du Sénégal des lions de la Teranga. Il y, y a un potentiel euh, Ballon d'Or ou dans la course du Ballon d'Or avec Sadio Mané, même s'il n'y est jamais vraiment au bout, même si euh, on dit qu'il est dans l'ombre de Salah, etc. C'est quand même, euh, quand même un, un, le gratin du, du, football, euh, du football mondial. Et, euh, et puis je pense que Ouais, le, la victoire de la Cannes a, a donné un nouveau statut. Je pense que c'est surtout cette victoire-là qui a donné euh, ce, ce statut au, au Sénégal. Moi, je vois derrière davantage cette, euh, bah, cette continuité. Sept euh, ans en Afrique pour un sélectionneur, euh, bon, je pense qu'on ne doit pas être loin du record. <laughs> je, ouais. je dis ça sans, sans avoir vérifié de source ou quoi que ce soit, sans avoir vérifié. Euh, mais sincèrement, sept ans en Afrique, c'est très beau, encore plus pour un local et encore plus… Euh, ben, quand c'est un pays comme le Sénégal, qui était un pays qui s'est souvent tourné vers des entraîneurs étrangers, etc., les, les fameux sorciers blancs, on aura l'occasion d'y revenir un peu dessus. Et, et finalement, ben, ça a payé. À un moment où personne ne leur faisait confiance, ben, euh, voilà, la, la fédération sénégalaise a, a osé et ça paye. Et c'est encore plus beau que ben, ce soit sous ce format-là, avec ces hommes-là, que le Sénégal arrive à briller parce que. Euh, même s'il y a quelques binationaux dans l'équipe, on a énormément de joueurs qui sont formés au pays. Et c'est le résultat bah, de Jambas, de Génération Foot euh, et euh, de Sacré-Cœur, enfin d'une du, euh, immensité de centres de formation, d'académies qui ont pris le temps de, de former des joueurs qui aujourd'hui s'épanouissent en Europe et qui sont amenés par euh, bah, la star euh, Sadio Mané. Euh, Voilà. Et euh, on peut quand même rappeler que le Sénégal a sorti l'Égypte euh, au, au barrage. Comme je l'avais très bien senti, hein, vous vous souviendrez, vous pouvez réécouter l'émission précédente. Donc, du coup, bah, ça, ça ne fait que renforcer ce, le potentiel de cette équipe-là et, et ça ne fait que donner de la légitimité au peuple sénégalais de croire que son équipe peut refaire comme en 2002, où ils avaient également ouvert la Coupe du Monde, où ils avaient gagné d'entrée et où ils avaient réussi à sortir de leur poule. Nico Ouais, et, et, et les deux autres euh, subsahariens, euh, qui sont euh, Cameroun et, et Ghana, euh, partagent avec le Sénégal un point commun, euh, c'est celui de, de la revanche des locaux ouais, bah ouais c'était un petit peu le thème parce qu'on pourra rajouter la Tunisie, mais Farouk va, va pouvoir en parler, qui est elle aussi avec un, un entraîneur local. Euh, du coup, on a le. Je vais commencer euh, par. Je vais faire équipe par équipe pour pas trop m'embrouiller parce que j'ai quand même pris des notes contrairement à Farouk. <laughs> et, et du coup, le. le Ghana. Euh, donc c'est Otto Ado. Euh, le sélectionneur, c'est un. Ben, c'est un Ghanéen né en Allemagne mais euh, qui a quand même quelques sélections euh, avec les Black Stars et qui n'est que coach par intérim. Il euh, y a de fortes chances qu'après son exploit contre le Nigeria, il euh, soit confirmé euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, continuer son, son travail à la Coupe du Monde. Euh, voilà. bon, après, c'était pour faire le lien entre toutes ces équipes parce que, évidemment, le Ghana, Ghana d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Sénégal d'aujourd'hui. Euh, ils n'ont pas eu la même chance au tirage au sort. Euh, je te laisse <laughs> peut-être Nico mettre le. Ah, ben bah je le mets, voilà le groupe du Ghana. Voilà le groupe du Ghana, j'en vois un qui bah, commence à, à, à esquisser un sourire euh, dans la colonne là. <laughs> ouais, ça pique, il hein. euh, y, a, y, a y a quand même du niveau. Ouais. Euh, ce sera un groupe hyper intéressant parce que, euh, bon voilà, et, euh, la Corée. Euh, euh, L'Uruguay et le Portugal, même si ce ne sont pas les nations les plus phares de leur confédération, ce sont quand même. Oh, Quoique pour la Corée, euh, peut-être que je me trompe, mais c'est quand même. Euh, voilà des, des ah, nations tu veux te fâcher avec Baptiste. Là. Ouais, c'est pour ça, j'ai préféré <laughs> tout <ce qui> rectifier. <laughs> <pratiquer. rire> et euh, non, on se, on se retrouve vraiment avec un, un très beau groupe. Et puis le Ghana aura la chance, euh, bah, après euh, 2010, de pouvoir prendre sa revanche euh, sur la main de Suarez. Et qui sait quel scénario nous réservera ce match Parce que. Là, c'est sûr que les dieux du football, ils ont des comptes à régler. Justement, tiens, je, petite parenthèse par rapport à cela. Est-ce que tu sais si on en a beaucoup parlé du côté du Ghana de, de 2010 ouais. Alors, je n'ai pas eu accès à la presse ghanéenne, hein, vous m'excuserez. Mais euh, ça a tourné un petit peu sur euh, les réseaux sociaux, évidemment, sur Twitter notamment. Euh, bah, euh, ouais, c'est la, la revanche. Les équipes ne s'étaient pas affrontées depuis. Euh, la, ce sera la Coupe du Monde. Alors évidemment, en 2010, c'était un match autrement plus important comme match de poule. Euh, on pourra jamais racheter euh, euh, cette défaite au goût très très amer pour euh, des millions d'Africains, euh, mais, euh, mais voilà, ce sera l'occasion quand même d'avoir au moins une chance de prendre sa revanche. Et puis, euh, je pense que les Ghanéens, même s'ils sont peut-être pas au meilleur de leur forme, euh, ils auront à cœur s'ils ont un match à gagner, bah ce sera celui-là. Hein, on va pas se mentir. Ouais. Et justement, tu, tu dis euh, les Ghanéens s'ils sont pas au meilleur de leur forme, justement. on est... On va ça va nous permettre aussi d'évoquer le Cameroun, parce que voilà, on va évoquer aussi le Cameroun. Euh, Cameroun et Ghana sont quand même deux sélections qui arrivent dans des dynamiques ou, comment dirais-je, des ambitions bien différentes, hein, quand même, hein, pour, pour, pour cette Coupe du Monde. Euh, ouais déjà, loin de celle du Sénégal, euh, dites précédemment, qui arrive avec beaucoup de certitude. Euh, et puis, euh, les Ghanéens, ils sortent d'une canne hyper décevante où ils ne sont pas sortis de la poule. Euh, en 2022, le Ghana c'est 3 nuls et 3 défaites. Donc, il n'y a pas de victoire, rien. Euh, ils sont 60e au classement FIFA. C'est l'équipe la, la moins bien classée parmi les sélections africaines, euh, de loin derrière le Sénégal qui est 20e. Et euh, c'est pas forcément un classement habituel non plus pour les Black Stars, mais euh, mais bon, c'est le fruit aussi de. On arrive à la fin. En fait, on est à l'entre-deux générations. On arrive à la fin de la génération Andra Ayou. André Ayou, qui n'était pas rentré euh, en 2010, mais euh, qui est le dernier représentant, enfin, qui sera le seul représentant, enfin, je lui souhaite, il n'était pas des derniers matchs car suspendus, mais c'est le capitaine, donc il y a de fortes chances qu'il fasse partie du groupe. Et euh, bah, ce sera le lien, en fait, entre euh, ces générations. Il y, a, il y a donc la génération euh, des plus de 30 ans euh, bah, qui est euh, amenée par les frères Ayou, Jordan et, et donc euh, Dédé. Euh, les plus jeunes, euh, Mohamed Koudous, celui qui euh, le milieu de terrain, qui a signé à l'Ajax cet été, euh, qui a 21 ans. Il y a Abdul Fatou, qui a 18 ans, et puis il y a aussi le, le joueur rené euh, kamaldine Soulemana qui a 20 ans. Euh, voilà, c'est aussi le, le travail et je pense les, c'est le, justement le travail de Otto qui permet de faire le lien entre ces générations et qui a, je pense, permis à cette équipe là de résul, réaliser un exploit majuscule parce que aller éliminer le Ghana, euh, le Nigeria, pardon. Euh, euh, au Nigeria après avoir fait un match nul euh, à l'aller c'était quand même euh, voilà là aussi vous pouvez réécouter l'épisode précédent vous verrez que <laughs> <laughs> j'étais pile dans la bonne direction je la c'était quand même une Enfin, franchement tu le dis mais c'était quand même une vraie surprise et en plus par rapport à ce que tu expliquais sur les dynamiques même pendant la canne euh, on, on pensait vraiment que le Nigeria était, était au-dessus franchement et le Nigeria le perd tout seul hein, ça, la perd tout seul ça calife ouais 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 Bon, ouais, après euh, c'est quand même les Ghanais qui ont vers le score et tout ça. Ils ont quand même maîtrisé. En fait, ils se sont rendus le match facile. C'est ça. Et euh, les Nigériens n'ont pas réussi à... à surmonter. Il y a eu un but refusé en tout début de deuxième mi-temps, je crois, ou en toute fin de première mi-temps, je ne me souviens plus exactement. Mais euh, voilà, ça les a un peu cassés, ça a un peu coupé leur élan. Ils ont, jamais... ils ont eu des occasions, mais bon, ils étaient quand même loin de. Pour moi, ils étaient quand même loin de, de cette qualification. Alors que c'est vrai qu'au départ, euh, et après le match allé, moi je les voyais passer euh, voilà, de par la, la faiblesse, mais c'est vraiment avec des guillemets de cette équipe ghanéenne et, et puis cette équipe nigériane qui, quand même, marchait hyper bien. La dernière canne était intéressante. Enfin, Il voilà, n'y avait aucune raison. Il ne manquait pas non plus trop de joueurs. Il n'y avait pas de raison de, de s'attendre à, à une telle défection. Parce que pour moi, l'absence du Nigeria. Au mondial, c'est quand même une défection. C'est vraiment dommage. Ça fait partie des nations qui doivent y être à chaque fois. Euh, c'est pas la seule. Il n'y a que cinq places. Mais bon, voilà, ça fait partie Et, on du, sait de et, et de en la plus, on sait très des... bien que si le Nigeria avait été là, ils auraient été dans le groupe de l'Argentine. Donc euh, ouais, ça a ouais, faussé ouais, un ouais. peu le tirage quand même. Comme ouais. <laughs> toujours. Et, et on va, on va évoquer la, 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 le, le dernier des trois à euh, le Cameroun, euh, qui lui, donc, arrive quand même... Euh, bon, j'avais envie de dire arrive avec d'autres ambitions, mais quand tu vois le groupe du Cameroun... C'est brutal quand même. Euh, ouais, c'est bah, un petit peu comme, le, comme, pour, le, comme pour le, Ghana quoi. Euh, Après, contre, je sais pas, je sais pas trop qu'est-ce que la Serbie et la Suisse peuvent offrir comme euh, opposition au Cameroun, mais c'est clair que, euh, voilà, okay, et, hein. deux Européens et, et le Brésil euh, de base, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Euh, maintenant voilà, moi, euh, moi, vous pourrez écouter l'épisode précédent. Je l'avais bien senti aussi cette calife du Cameroun. <laughs> Heureusement que j'avais pas parlé du Maroc parce que sinon on n'était pas loin du sans fat <laughs> et, euh, et voilà, bah, en fait, on était là en train, enfin moi j'étais là en train de dire que avoir nommé Rigobertsong comme sélectionneur euh, à, juste après la canne alors que le, le Cameroun avait fini troisième. Alors certes ils avaient l'ambition de gagner la canne chez eux, mais en étant troisième, c'était voilà, quand même un résultat euh, intéressant. Donc, euh, je, disais, euh, alors, je disais tantôt que Rigo Bersang était peut-être euh, un bon choix, mais est-ce qu'il est arrivé au bon moment Point d'interrogation. Eh ben, oui. Euh... <laughs> en tout cas, il a, il a réussi la première mission qui lui a été confiée. Euh, il a plutôt bien réussi. Et pour tout vous dire, parce que je suivais le match, j'ai regardé ce match-là, et en fait, quand les Algériens ont marqué, bah, je me suis dit que c'était fini. Vu l'heure, euh, je, je il est temps de partir au lit, j'ai coupé. Et c'est le lendemain que j'ai <laughs> vu que le Cameroun avait gagné. Et que le Cameroun s'était qualifié. Mais juste, je vous jure, c'est vrai, je, pour moi, c'était... Enfin voilà, tu marques à la 120ème. Euh, c'est terminé quoi, on est à la maison, on plie bagages. Euh, euh, Bel retourne à la Coupe du Monde, et eh ben non, eh ben voilà, grosse surprise. Et euh, ça montre quand même quelque chose qui est hyper intéressant, c'est que cette équipe camerounaise, elle a un mental d'acier quoi, elle, elle va rien lâcher, à l'image de son entraîneur. Euh, ce sera une équipe qui euh, est peut-être pas la plus talentueuse, qui sera peut-être pas la plus intéressante à voir jouer. Peut-être, euh, ouais, voilà, hein, euh, sera, sera pas forcément les plus beaux matchs de la compétition. Euh, mais voilà, c'est une équipe qui ne va rien lâcher, ça c'est sûr. Euh, maintenant, voilà, le Cameroun a toujours été habitué euh, des grandes crises de primes euh, avant les, les mondiales. Euh, Est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci euh, On peut se poser la question parce que maintenant c'est Samuel Eto, le président de la, de la fédération de par son expérience et de par la proximité de son expérience, parce qu'il était quand même joueur il y a moins de dix ans, il était à la coupe du monde au brésil. donc euh, il y a huit ans. donc c'est voilà, je, je me demande si c'est un, un élément traditionnel du football africain, particulièrement camerounais, euh, par lequel on va être obligé de passer cette fameuse crise des primes. Euh, si on n'y passe pas sincèrement attention, euh, ça peut quand même faire un sacré euh, euh, une, un caillou dans la chaussure de la fin, dans le crampon de la Suisse, dans le crampon de la Serbie et même dans le crampon du Brésil parce que voilà, euh, euh, au Brésil, c'était... Les Brésiliens, s'en étaient sortis de peu, si je me souviens bien. enfin ça, ça avait pas été si facile que ça. Donc, non, ça euh, va. Franchement, les Brésiliens, ils ont bien... Enfin, ils ont joué deux fois le Cameroun, ils les ont cartonnés deux fois. Hein. Ouais, même, oui. euh, même en 2014, je sais plus pourquoi, j'ai le souvenir que ça avait un peu... Ok, autant. Je m'en souviens très bien de 4. Ils ont pris deux cartons, ils ont pris 3-0 en 1994, si j'ai bonne mémoire, et 4 en 2014. Mine de rien, on parle du Nigeria-Argentine comme étant un grand classique de la compétition parce qu'il y en a eu quatre. Ça va être le troisième brésil cameroun de l'histoire de la Coupe du Monde. Exactement. Et vous avez entendu de la voix de Farouk que l'on salue. Oui, bien sûr, je me suis permis de ah mais tu, peux, tu un peux. comme un cheveu sur la choupe. Euh, bonsoir Nicolas, bonsoir Nicolas. Et donc euh, PM, si tu as des problèmes avec ma méthodologie de travail, je t'invite à me contacter personnellement. Je ne prends pas de notes et je n'ai aucun problème avec ça. Et tu es probablement plus performant que certains qui prennent des notes. Donc euh, voilà. <laughs> Donc voilà bah, non, justement voilà, en fait, ouais, ouais, pour, pour cette équipe camerounaise voilà euh, c'est euh, pas la meilleure génération du Cameroun euh, la star c'est Vincent Aboubacar euh, enfin voilà ça ça fait pas forcément hyper rêver mais justement c'est peut-être en étant euh, un petit peu euh, ben, euh, en, est, en, en pouvant être l'outsider, la surprise que le Cameroun va réussir à, à, à briller, quoi, hein, euh, même si bon, voilà, je ne mettrai pas non plus toutes mes économies dessus. Donc vous pouvez miser maintenant que PM a dit ça, vous pouvez miser sur le Cameroun <laughs> au moins en quart de finale. <laughs> Donc, Et, meilleur euh, euh, <laughs> Et meilleur représentant africain. Et meilleur représentant africain, justement, tu vas voir. Et franchement, art de la transition, parce que. Voilà, je vais déclencher l'effet LO, mais pour moi, il arrive. Le meilleur représentant africain, on va aller vers eux. Euh, justement, ce représentant-là, c'est le Maroc. Euh, et justement, on va faire un petit peu aussi la transition vers les, vers les Nord-Africains. On parlait d'entraîneurs de, de, et de joueurs où on joue sur le, le local de l'étape, hein, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément le cas euh, au Maroc, euh, parce qu'on a coach Vaïd. Enfin, pour l'instant, on a Vaïd. On va voir s'il ira à la Coupe du Monde. <laughs> on sait jamais avec Ali Lodzic euh, On est dans un cas très particulier, hein, PM pour, 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 pour le Maroc hein, avec Vahid qui a pris des décisions aussi assez fortes. Ouais, mais c'est ouais, c'est le seul entraîneur donc du coup non local euh, parmi les cinq équipes qualifiées pour l'instant parce que comme tu dis euh, voilà d'ici d'ici cet <laughs> hiver euh, peut-être que ce sera un local à la tête de l'équipe ce serait pas voilà on sait jamais. Maintenant euh, vu le travail qu'il a fait moi je trouverais ça un petit peu dur. Euh... Le football marocain va très bien en ce moment, va plutôt bien en termes de résultats, euh, même s'il si, euh, a fallu traverser la crise du Covid et l'absence de revenus, euh, euh, notamment euh, liés lié au stade vide. Euh, il y a quand même le Wydad le et le Raja sont euh, qualifiés en quart de Ligue des Champions. Euh, Berkane est qualifié en quart de la Coupe de la Confédération. Euh, C'est une habitude récurrente depuis de nombreuses années. Donc euh, déjà, le football local se porte très bien. Et euh, par dessus ça, coach Vaid, euh, voilà, Vaid, on le connaît avec euh, ses méthodes qui sont euh, souvent des méthodes euh, qui peuvent paraître brutales pour euh, les nouvelles générations. Euh, mais il n'a pas hésité à se séparer de son meilleur joueur, euh, Hakim Ziyech, euh, qui est, euh, voilà, qui était la star, euh, le joueur qui, le joueur marocain qui joue dans le plus à Chelsea. Euh, voilà, il y a peut être Hakimi aussi qui est l'autre grande star du du Maroc, mais euh, c'est pas un joueur offensif. Alors forcément, c'est c'était un peu sur Ziyech que, que le plus d'espoir était, euh, était posé. Et, euh, et ben, il, a, il, a, il, a, il lui a dit non. Il lui a dit écoute, si tu ne veux pas rentrer dans mon cadre, euh, ben, tu ne viendras pas. Notons, le, après, notons que, que, peuple... que Ziyech euh, euh, Renard avait déjà quelques soucis avec lui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, C'est voilà. pas le premier joueur qui, qui se sent plus fort que son pays. Ça. Tu sais, on met les euh, trois petits points de suspension derrière. Les... <laughs> Ouais, c'est un binational en plus, donc souvent c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'ils se croient arriver un peu tout permis euh, avec leur ego démesuré, et puis ils se sentent plus forts que tous les autres, quoi. Donc euh, voilà, bon, il a moi moi je trouve ça, franchement je trouve ça très courageux. C'est bien que les résultats lui donnent raison. Et j'espère qu'il va avoir le courage d'aller jusqu'à la Coupe du monde sans sa star. Et ce serait euh, bah, euh, ce serait mieux, je pense, de toute façon, pour le groupe. Euh, ils ont commencé comme ça, donc autant qu'ils finissent comme ça. Et, euh, et voilà. Donc euh... et, et justement, tu parles d'aller à la Coupe du Monde sans sa star On a, on a, on a euh, euh, monsieur Yass dans le chat qui, euh, qui justement évoque le match de, de la Cannes face à l'Égypte, qui a montré, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler des limites du Maroc, mais bon, voilà, ils se sont cassés les dents sur, euh, sur, euh, sur l'Égypte, ils se sont fait piéger par l'Égypte. Euh, qui a justement peur que ça puisse être révélé le, le véritable niveau du Maroc? On va, je l'ai affiché, hein, on rappelle le groupe du Maroc qui est un groupe de fous, hein, mais vraiment, c'est je sais pas vous les gars ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le groupe qui me hype le plus en termes de jeu. Euh, Belgique, Canada, Maroc, Croatie, ça euh, voilà, <laughs> va falloir s'asseoir et regarder je suis du football. Euh, je suis juste, justement, euh, tu, tu les vois comment toi, ces Marocains? Euh, en admettant que la dynamique reste, reste la même, -ce, ce Maroc là, est-ce que pour toi il a les armes pour, pour vraiment lutter dans ce groupe ouais, c'est sûr que en termes de tirage au sort, c'est pas le, enfin, euh, voilà, encore deux Européens, euh, c'est pas c'est pas l'idéal. Euh, surtout ceux-là enfin, je veux dire la Belgique c'est euh, une des meilleures équipes euro européennes la Croatie euh, bon ben euh, ils, ont, ils étaient en finale <laughs> l'année la dernière voilà. mondiale donc euh, <laughs> voilà maintenant le Maroc c'est comme le Sénégal c'est leur deuxième Coupe du Monde consécutive donc à partir de là quand même euh, contrairement à la Belgique la Croatie qui elle participe à la Coupe du Monde pratiquement à chaque fois ben, le Maroc il avait peut-être besoin de cette expérience de 2018 pour pouvoir faire quelque chose en, en 2022. Moi, j'ai envie d'y croire, euh, surtout que la Croatie est quand même un peu vieillissante. Euh, alors, voilà, il y a toujours des joueurs fabuleux. Modric, il nous a montré, euh, enfin, il a surtout montré aux Parisiens qu'il en avait encore dans les souliers. Mais. Euh, moi, je veux y croire avec les méthodes de, euh, de Valide. Ça passe ou ça casse. Ouais, parce que... Euh, si parce monde... que 2000... Je te coupe deux secondes, mais 2018, ils avaient quand même déjà un groupe super sévère. Hein. Ils avaient Espagne, Portugal, Iran. Euh, et franchement, c'est pas passé loin. Hein. Bon, au classement, ouais, ils finissent dernier du groupe, mais on sait pourquoi aussi, hein, sur certains éléments de match. Euh, voilà, quoi. Ouais, c'était pas passé loin, effectivement, mais... Euh il y avait il y avait un petit peu la, y avait, euh, Hervé Renard qui était un peu le, le il, il avait Noura avec lui quoi il, il dégage, fin, je sais pas je pense qu'il a il apporté quelque chose en plus au groupe comme s'il était joueur un petit peu il, il, voilà en Afrique il a, il a réussi à créer ça quoi il dégage un truc qui fait que même s'il n'est pas sur le terrain enfin il est sur le terrain mais même s'il n'est pas dans l'air de jeu ben il, il y était quand même quoi Vaid, il a pas ça il est différent mais Vaid, il a un truc qui est euh, qui est que euh, L'équipe, elle va aller tête baissée, ils vont tous aller au même endroit, ils vont pas batailler, ils vont y aller soudés. ils vont y aller tous ensemble. Et pour moi, ça peut faire la différence parce que là où Hervé Renard peut encore laisser un petit peu d'espace pour les solistes, un petit peu de, de liberté à droite à gauche, Coach Vaïd, lui, il n'y en a pas, la liberté, elle est cadrée. quoi. Donc, même si tu as l'impression d'être libre, tu l'es pas vraiment. Donc, c'est je me dis, c'est peut-être un, un élément qui fait que le Maroc va pouvoir aller encore plus loin. Et les joueurs, ils ont acquis cette expérience de 2018. Donc, c'est possible, sincèrement, c'est possible. Il euh, y a beaucoup de Marocains en Belgique. C'est un élément qu'il y a à prendre en compte. Les, les communautés euh, marocaines en Belgique et au Canada sont hyper importantes. Et euh, je suis sûr que bah, ça va jouer. quoi, Parce que euh, même dans l'équipe de Belgique, il y a des Marocains de naissance. Ouais. Même dans, dans l'équipe canadienne, il y aura probablement des Marocains de naissance. Donc euh, voilà, c'est pour moi des. Je sais pas, je le sens, je le sens bien quand j'ai vu le tirage. Et j'ai putain, Belgique et Canada, quand même, c'est marrant quoi, parce que c'est. voilà. Ouais, le quand sens même, du symbole euh... est assez fort. Hein. Ouais, 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 vraiment. Et, et d'un autre côté, c'est cool parce que bah, pour les Canadiens d'origine marocaine, euh, ou les. Enfin, euh, pour les. Pardon, pour, oui, si pour les Canadiens d'origine marocaine ou les Belges d'origine marocaine, bah, dans tous les cas, ils ont, euh, allez, deux chances de sortir de la poule. Donc, euh, ça, ça, ça maximise les possibilités. Mais euh, non, sincèrement, moi, moi j'y crois. Franchement, moi. Je pense que, enfin voilà, je veux pas non plus encore faire l'oiseau de mauvais augure, mais je crois que le, ce Maroc-là, il, il dégage un truc, il dégage une solidité et puis il dégage une solidarité qu'il n'y a pas souvent dans les équipes africaines et ça peut faire mal. Ouais. Nico, est-ce qu'il m'entend Je crois qu'on a perdu, Nico. Attends, micro. Facile, évidemment, voilà. bah micro. Ah oui, micro. micro. <laughs> on va tout se <laughs> passer. Le prochain le c'est Diego. Hein, on l'annonce. <laughs> C'est une question de temps, toi, désolé. Et, et donc oui, on, on, on va rester euh, au bord de la Méditerranée et, et aller voir euh, du côté du, du groupe de la France avec, euh, avec une, une certaine Tunisie, chère à Afarouk. Euh, que peut espérer la Tunisie et, et comment a été perçu ce tirage en tombant, en tombant dans le groupe de la France? Alors, euh, il y avait une euphorie qui était importante en 2018 parce que la Tunisie s'était qualifiée après avoir raté les coupes du monde 2010 et 2014. Euh, donc, une, il y avait une, quand même une euphorie importante en 2018. Là, il y a eu une belle liesse populaire. Le, la Tunisie s'est qualifiée en faisant un match nul contre le Mali 0-0. Match retour 1-0 à l'aller à Bamako dans un stade de Rades plein. Donc, il y avait une belle célébration, une liesse populaire. Euh, qui a vite, pour une petite partie de l'opinion publique du foot en Tunisie, laissé la place à des interrogations qui sont bien retranscrites par certains éditos dans les journaux. Certes, se qualifier en Coupe du Monde, c'est une chose, mais avec quelle intention de jeu Qu'est-ce qu'on peut y proposer pour enfin passer le cap du premier tour et aller en huitième Et est-ce que les qualités actuelles de l'équipe, qui sont un collectif solide, des qualités défensives qui ont été montrés un peu à la canne, et aussi lors des 180 minutes contre le Mali. Ça, ça peut t'embarquer vers le dernier carré d'une canne, mais euh, pour briller en Coupe du Monde, est-ce qu'il faut pas plus Est-ce qu'il faut pas une métamorphose Est-ce qu'il faut pas casser un petit peu cet équilibre et essayer d'aller prendre plus de risques, euh, et au moins être euh, un peu plus joueuse et tout aussi joueuse que la Tunisie 2018, qui avait proposé quand même deux matchs bien plus débridés euh, contre la Belgique et le Panama. Euh, C'est un petit peu ça qui fait débat actuellement. C'est-à-dire y aller est une belle ne doit pas être qu'une finalité. C'est un exploit. C'est la sixième participation. Mais euh, comment euh, être plus offensif pour espérer quelque chose ouais. Et concernant le tirage, ah, Ce qui est c'est ce que c'est dur. <laughs> Ça ne va pas ouais, être du gâteau. Je suis en train de montrer je montre, je montre quelques-unes hein, de la presse euh... que tu me fais. Euh, ce ne sera pas du gâteau. <laughs> Donc euh, voilà, on rappelle ah bah, oui, hein, oui, ils sont oui, dans le groupe sûr. de la France avec, euh, le, avec du le Danemark. Titre. Voilà, champion du monde en titre, le Danemark, et euh, on en reparlera après, euh, le vainqueur du, euh, du double barrage, euh, soit le Pérou, soit les Émirats arabes, soit l'Australie. Voilà, vous voyez les, les unes. Euh, voilà, le message général de la presse tunisienne, euh, voilà, c'est que ça va être coton. Euh, tu le disais, Farouk, justement, par rapport à cela, et tu on évoquait le Maroc il y a un instant, où il y a aussi une solidité euh, défensive côté du Maroc, mais il y a beaucoup plus de, de solutions offensives et beaucoup plus de créativité et de puissance offensive. Justement, ça fait partie de ces chantiers pour la Tunisie. Euh, J'ai dit les chantiers parce que à t'écouter pour en avoir <laughs> quelques échanges, il y en a beaucoup. Euh, l'un des gros éléments, de, l'un des principaux chantiers pour toi, c'est vraiment devant, euh, no, notamment par exemple autour de l'avant-centre ou des choses comme ça C'est devant et c'est aussi pouvoir faire en sorte que le milieu de terrain... Euh comporte un élément créatif qui puisse apporter du lien avec les trois de devant, si on joue dans un 4-3-3. Euh, en fait, ce qu'on a vu contre le Nigeria à la Cannes et contre le Mali au barrage, c'est que la Tunisie peut embarquer n'importe qui dans un bras de fer, ou s'il décide de fermer la porte, la porte est fermée. Euh, sans s'en rendre compte, le Nigeria et le Mali se sont enfoncés dans une euh, stratégie stérile qui facilitait de passer dans les couloirs et on s'entrait vers des, des surfaces euh, verrouillées. Euh, il faut à la fois que, je pense, le troisième milieu de terrain qui va accompagner Lydoni Eskiri au milieu puisse faire en sorte euh, de bien faire le lien avec les trois de devant. Euh, ça peut être, bah, parmi les options, soit les deux milieux de l'Espérance de Tunis, Chalali et, et Ben Romdan, qui ont des qualités différentes. Il y en a un qui est plutôt box-to-box, -box, un qui est plutôt une bonne capacité de, de garder le ballon et qui a une bonne qualité de jeu long. Euh, Le jeune Anis Ben Slimane, il peut aussi apporter une touche plus technique. Il va falloir décider qui c'est qui, qui, qui accompagne Skiri et Leidoni au milieu de terrain. Et, au de, et devant, bah, en fait, euh, il y a, ils sont trois pour deux places entre Sliti, Kazri et Msakni. Et au poste de neuf, bah, ça fait des années que la Tunisie attend de pouvoir imposer un joueur euh, sur la durée. Là, actuellement, les options, bah, les, options les plus viables, c'est euh, l'attaquant qui a commencé titulaire contre le Mali, euh, Seyfidine Jaziri du, du Zamalek, qui est euh, très actif, un très bon premier défenseur qui aime bien partir de loin, mais une débauche d'énergie qui peut parfois être un petit peu au détriment de l'efficacité. Mais bon, pour, euh, pour, être, pour avoir un attaquant premier, euh, premier presseur, c'est ce qu'il faut. Et sinon, c'est l'attaquant qui a été euh, titulaire à la Cannes 2019, qui est ici, mais qui sort de neuf mois de suspension et qui joue au Koweït. Donc, on ne sait pas trop dans quel rythme et est-ce qu'il peut pouvoir euh, enchaîner les matchs. Euh, ouais, depuis des années, le poste de neuf ouais. est un chantier important. Et justement, il y, y a un message dans le chat, euh, de, 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 de chat de la Moutarde qui nous dit que... Euh... Enfin, qui tire le, le, un constat similaire pour la Tunisie et la Croatie euh, sur une, une équipe vieillissante, tu le tires aussi ce, ce constat euh, Vieillissante. Euh, pas vraiment parce que euh, sur certains secteurs, il y a le potentiel pour que des personnes s'imposent. Alors en particulier, on pense à Hannibal Mejbri euh, de Manchester. Mais pour le coup, il est qui... un peu jeune, lui. Qui est, qui est un petit peu très jeune et qui a gagné sa place avec une bonne participation à la Coupe arabe avec les Prime, euh, mais qui, du coup, doit pouvoir essayer d'enchaîner en pro, euh, en club, pour pouvoir vraiment prétendre à une place de titulaire. Anis Ben Slimane est jeune aussi. Il, il, il s'épanouit bien au Danemark et si on lui donne sa chance, je pense qu'il peut pouvoir, euh, pouvoir euh, s'imposer et... Euh, et euh, certes, dans certains secteurs, bah, le rock de la défense centrale, montez c'est 23 ans. Ouais. Donc, euh, dans certains secteurs, oui, on voit quand même beaucoup de cadres qui sont là depuis longtemps, mais la matière pouvant contribuer à un jeunissement, elle est là. Mais il faut pouvoir favoriser son intronisation. Ah, et puis, il va falloir, euh, tu vois, tu parlais d'Anibal Mejri, il va falloir aussi lui laisser le temps au gamin, parce que lui, il se prend une grosse pression. Hein, euh dont on l'a vu à la coupe arabe quand tu voyais les réactions sur les réseaux sociaux notamment et dans la presse de manière générale il y a quand même une très très grosse pression autour du gamin oui mais qui est un petit peu retombée euh, parce que les attentes médiatiques euh, se sont beaucoup plus centrées sur l'équipe en tant que collectif à partir de on va dire du deuxième ou troisième match de la Cannes. il n'y avait pas vraiment de concentration sur ses prestations dans le détail, euh, qu'est-ce qu'il a fait, pas fait, toujours le, les gros points de vue de tous les médias, qu'ils soient les médias principaux les médias alternatifs en Tunisie, bah ça c'est un peu calmé. Et je pense que c'est une bonne chose et ça peut lui permettre de prendre le temps euh, dans le but de pouvoir s'imposer à terme. Mais la pression est retombée quand même. OK. Et dernière petite question sur la, sur la Tunisie. Euh, on évoquait euh, la possibilité euh, non, nég non négligeable, je ne sais pas, mais… Euh... La possibilité peut-être que Vaïd ne soit pas à la Coupe du Monde. Euh, au niveau du sélectionneur en Tunisie, euh, ça va aller jusqu'à la Coupe du Monde ou pas sûr <laughs> Le sélectionneur adjoint à la Cannes, Jalel Kadri, qui a pris le relais du coup de Munder Kabayer, euh, est resté plutôt dans le même style. Euh, on voit quand même une aisance euh, dans la communication, que ce soit en conférence de presse. En conférence de presse, c'était lui qui a fait la... La conf avant le Nigeria, et puis il avait montré une capacité à dire Bon, ben voilà, on respecte beaucoup le Nigeria, mais on n'est pas. Euh, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Euh, là, il y a eu un discours aussi plutôt positif euh, sur la présence au mondial en disant bah ben, On va quand même jouer notre carte, et maintenant qu'on on y est, on mérite, et puis on va jouer le coup à fond. Le... Il transparaît que c'est aussi un meneur d'homme quand même, euh, en pouvant être garant de ce de cet état d'esprit et de cette solidité collective. Après, est-ce que euh, effectivement il va continuer le projet jusqu'à la fin de l'année Il est possible qu'on puisse euh, qu'on puisse avoir d'autres options, mais euh, euh, effectivement depuis Giresse, euh, les options sont plutôt allées sur des sélectionneurs locaux. Et à date, même s'il y a des questions sur est-ce que ce sera vraiment le sélectionneur qu'il faut pour faire changer le jeu de la Tunisie, pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Ok, bah écoute, on verra qu'il qu 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 puisse euh, qu'il puisse changer. Ouais, mais écoute, euh, on verra, euh, on verra ce qu'il en... ont. Qu en... Comment la Tunisie va évoluer On sait, euh, c'est la toute dernière. On, on, on a le programme en termes de matchs amicaux pour la Tunisie. C'est arrêté ou pas Il y en a, il y en a beaucoup ou pas, pas trop pour se mettre en jambe Si avant, je dis, euh... si je dis pas de bêtises, il va y en avoir trois ou quatre. Mais le le programme n'est pas encore connu. Ouais, euh, mais ce, ce sera. Euh, ce sera au cours du, de la fin du printemps, que ce sera un peu, plus, un peu plus précis, mais à date c'est plutôt trois ou quatre programmés. On ne sait pas encore les adresses. Ok. Et ben, on verra. On rappelle hein, la Tunisie qui est dans le groupe donc de la France, du Danemark et euh, bah, d'un barragiste de d'un vainqueur de double barrage. Justement, ça va nous permettre euh, de faire je la. Je me comb... permets. Ouais Je me permets juste un dernier petit point. Euh, alors certes, Vaid euh, n'est pas. Enfin c'est le seul nom local parmi les. Parmi les qualifiés, mais Vaïd a lancé sa carrière d'entraîneur en menant le Raja -Cas Casablanca la, au triomphe en Ligue des Champions africaine 97. Donc, on va dire que le Maroc, il le connaît. C'est une terre que, quoi. Voilà. Et donc, au fond, quand même, le côté. Il n'est pas à 100% non local. En fait. Oui, oui, on n'est on est pas, pas dans le sorcier blanc qui a été euh, posé sur, un, sur une sélection africaine. C'est ça. Bah non, parce que ces années, au Asin Blanca, ouais. c'est elles qui ont lancé sa carrière d'entraîneur. Voilà, bon ben bah voilà, bah, écoutez, voilà, on va on, on rester ici sur, euh, sur la partie africaine euh, de cette Coupe du Monde. On rappelle hein, les, cinq, euh, les cinq candidats africains Sénégal, Ghana, Cameroun, Maroc et Tunisie. On, on aura le temps hein, dans les mois à venir de suivre euh, justement leur évolution jusqu'à la Coupe du Monde et de voir, euh, bah, justement, de voir si ça évolue aussi pour certains, parce qu'on vous l'avait vu, il y en a certains où il y a quelques chantiers. Euh, donc on suivra ça. On va partir euh, sur l'Asie. On était sur le groupe justement de la Tunisie. Et euh, eh bien on va y rester dans ce groupe, euh, dans ce groupe euh, D, groupe aussi de la France, puisque euh, on va ouvrir nos asiatiques, notre parti asiatique avec euh, avec le barragiste. On va... En fait on va ouvrir avec peut-être l'un des, celui qui n'ira pas. Hein comme ça, ça va faire plaisir d'entrer. C'est une façon gentille d'accueillir Antoine. Euh, on va ouvrir avec l'Australie, donc euh, avec, avec Antoine Blanchet-Kerin. salut Antoine. Salut à vous deux, au de Nico et bonjour à tous. Et euh, oui, c'est vrai que c'est pas fameux. Ça risque, on risque deux, mais. Euh... On va en parler un petit peu, ouais. Et on va en parler un petit peu, vous voyez, déjà dans, son, dans, dans, son, dans le ton, dans l'intonation dans de la voix, il y croit à mort, Antoine, <laughs> sur l'Australie. Justement, il oui, euh, ouais, faut, hein, faut y croire. faut y croire. L'Australie qui va passer par un premier barrage face aux Émirats arabes unis. Euh, L'Australie, justement, euh, Antoine, ça a été vécu comment le, le tirage au sort de la Coupe du Monde Est-ce qu'on arrive à se projeter euh, sur cette Coupe du Monde ou pas véritablement encore euh, en Australie mmh. Je pense que ouais, c'est un peu le côté. Euh, on peut y être, et c'est euh, sur certains titres de presse, on, on évoque le, le déjà vu euh, parce que c'est le de même groupe. Donc euh, ouais, non mais je, <laughs> je l'ai tenu, je, je me suis répété un peu. <laughs> et il a tout donné sur l'accent. <laughs> et voilà. Et c'était la sûr, présentation toi. de l'Australie. <laughs> non mais euh, après c'est différent parce que oui, ils ont présenté de. Disant qu'ils voilà, avaient, ils avaient, avaient le potentiel de, de réaffronter la France, de réaffronter le, le Danemark. Mais ben, le problème, c'est qu'avant d'y arriver, ça va être très, très compliqué, puisque, comme tu l'as précisé tout à l'heure, ils vont jouer un barrage contre les Émirats arabes unis, donc le 7 juin. Et en cas de qualification euh, à, cette, à ce match, ce sera contre le Pérou. Donc le Pérou, qui avait aussi été un un opposant euh, dans le groupe en 2018 euh, dans le mondial russe mais euh, ça va être très compliqué parce que l'Australie depuis, euh, depuis, depuis 4 ans c'est vraiment euh, affaibli et on ne sait pas euh, on ne peut absolument pas prévoir ce qu'il y aura en juin parce qu'il n'y a pas d'équipe type il y a quelques joueurs qui ont été utilisés et par exemple sur les quatre derniers matchs j'ai compté 30 jou quasiment 30 joueurs utilisés et, donc, et justement, euh... tu évoques, tu évoques, tu évoques l'effectif le, le, australien, Tu évoques. on parlait de chantier avec des postes euh, à renforcer peut-être, des secteurs à renforcer, par exemple avec la Tunisie ou la grande question offensive. Euh, c'est vrai. Si je dois faire simple, oui. euh, avec l'Australie, c'est un peu tout euh, où, qui est un chantier, hein, j'ai l'impression, sur cette sélection qui a pas franchement convaincu grand monde dans son dernier tour de, de, de qualification. Bah, C'était un peu en trompe-l'œil parce que euh, donc le deuxième tour a été euh, clairement... Euh, Hyper facile parce que c'était des nations, euh, euh, le Népal, il y a ouais. le. Alors, je, je, tu vas me corriger sur la prononciation, mais c'est le chinois Taipei, c'est ça Ouais, on n'a pas, euh, ouais, pas le droit de dire Taïwan. Ouais, c'est ça, on n'a pas le droit de dire <laughs> Taïwan. <laughs> hein. Mais, mais en, en quelque sorte, ouais, Graham Arnold, qui a, qui, a, qui, a a euh, qui a été mis juste après, euh, juste après le, le mondial russe, euh, il s'est surtout basé sur des individualités et le problème, c'est que bon, bah, face à des petites nations asiatiques, ça l'a fait. Il y a eu le fameux record, euh, je crois, euh, on va dire, du, du, un record du monde, dans le sens où ils ont gagné 11 matchs de rang. Et euh, bah, il y a le problème, c'est qu'arrivé au dernier tour, où là, tout, bon, la presse et tout le monde, même moi, je, je pensais que oui, ça allait le faire. Peut-être pas sur le Japon, mais peut-être être plus en bataille avec euh, l'Arabie Saoudite. Et au final, ça, ils n'ont pas gagné un seul match, ni contre le Japon, parce qu'ils ont perdu leurs deux, leur deux oppositions. Et contre l'Arabie Saoudite, ils font un match nul et, et ils perdent là sur les deux sur le dernier match. Parce qu'à savoir que sur cette dernière campagne de qualification, l'Australie avait clairement la capacité de, de se qualifier directement pour la pour la Coupe du Monde, puisque les deux derniers matchs qu'il restaient donc qui se sont joués là en mars dernièrement, c'était contre le Japon à la maison pour le retour des matchs à domicile, puisque avec le Covid et les restrictions sanitaires en Australie, qui étaient plus que Oh, je ne sais même pas quel objectif ouais. donner. Mais euh... <laughs> ouais, c'était les, les restrictions. Que... C'était vraiment des restrictions. C'était. Ouais, même... c'était vraiment les restrictions où ben, ils euh... il jouait. au Koweït, Enfin, il joue au Moyen Orient quand il joue à domicile. Et puis, et, et, euh... puis, et, puis, et puis pour composer le groupe. Euh, tu l'as déjà expliqué, par exemple sur sur quelques articles sur Hello, mais. À la décharge de Graham Arnold, le sélectionneur, je vois oui. Chad qui dans le chat nous dit 30 joueurs c'est plus un chantier, c'est un bordel. Ben, le problème c'est qu'il n'a pas vraiment pu tout le temps construire aussi, parce que certains joueurs, avec les contraintes euh, sanitaires, euh, juste ne pouvaient pas aller en sélection euh, par moment. Ça a été aussi enfin ça a été extrêmement contraignant les, les deux dernières années pour l'Australie. Ça n'a pas aidé. Ben non, clairement pas. Après, voilà, nous, com comme on l'a écrit sur, sur l'Ukarno posé, Graham Arnold a, a ses défauts tactiques où il ben, y a des, beaucoup d'incompréhension en fonction des de joueurs qu'il utilise. Il les met dans des positions qui ne sont pas du tout euh, conformes à, à ce qu'ils aiment ou à ce qu'ils sont le plus aptes à, à apporter. Et euh, comme tu le disais, voilà, par exemple, Aaron Moy, qui est peut-être un des joueurs euh, importants du milieu de terrain en Australie, il est joueur de Shanghai c'était quasiment enfin euh, c'était mission pas. impossible de le faire sortir de, de la Chine euh, par exemple il y avait le cas de Ryan grand qui est un latéral qui joue en FC pour qu'il puisse être en sélection il avait envoyé plusieurs mois à Édimbourg en Écosse pour qu'il puisse euh, bah, s'entretenir et pouvoir rester euh, pour jouer euh, la... mais pour jouer, on va dire les... des matchs internationaux et en fait c'était ça c'était si un joueur euh, du championnat local était appelé pour jouer euh, on va dire, des matchs internationaux. Euh, derrière, c'était euh, des quatorzaines obligatoires. Et c'était des joueurs qui, déjà, euh, entre les États de, du pays, qui est l'Australie, qui est un État fédéral, il y a déjà des quatorzaines obligatoires en fonction de quand vous changez d'État. Donc, quand vous partez d'un pays, vous revenez, vous faites 14 jours, vous restez dans un hôtel, vous pouvez voir mi-famille. Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment... Un... Donc, enfermé. du coup, voilà, Graham Arnold a ses défauts, mais il a aussi dû composer avec... Bah, voilà, presque 30 joueurs différents. Il y a très peu de titulaires qui sortent. Sur les quatre derniers joueurs, j'ai noté. Euh, alors j'ai noté ça. Il y avait donc Matthew, Matthew Ryan qui est bah, capitaine, euh, qui, 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 est, qui ne bouge pas de sa ligne de but. Il y a Trent Sainsbury qui est toujours à la défense centrale. On peut inclure Martin Boyle qui n'était pas au Mondial russe, qui a, qu a joué les, les, les quatre derniers matchs, euh, qui joue en Écosse et qui a qui a n'a qu pas déménagé mais qui a été transféré, transféré au Moyen-Orient et euh, ces trois jours-là ont joué les quatre matchs titulaires donc après qu'est-ce qu'est-ce qui on peut pas se dire qui peut prendre les postes ailleurs puisque tout le monde à peu près joué était titulaire ou est ouais, y en, train pas de en jeu, jeu. Y mais c'est de... les quatre joueurs voilà c est, c est, chose à retenir c'est voilà, pour l'Australie, si on me demande les 11 titulaires, je peux en donner que trois, <laughs> puisque théoriquement, théoriquement ces 3-là devraient être contre les Émirats arabes unis et on l'espère peut-être contre, contre le Pérou. Et justement, pour reprendre la question de Nostromo dans le chat, euh, on sait que ce 3, dernier tour d'éliminatoire n'a pas, a, a pas été une franche réussite. Bon, l'Australie va en barrage, ok. Euh, Est-ce que... Euh, ce barrage, ce premier barrage face aux Émirats Arabes Unis, ça va être, il va y avoir aussi la notion de, de devoir se racheter. Euh, et donc, voilà, comment est-ce que du côté de l'Australie, on l'aborde ce barrage Est-ce qu'on se sent supérieur aux Émirats Arabes Unis ou est-ce qu'on commence quand même à douter un petit peu Ouais, est-ce qu'on se projette coupé. directement sur le Pérou en se disant c'est bon, le premier, le premier barrage, c'est une affaire. C'est une affaire réglée. Franchement ils, sont, franchement, ils sont au fond du trou parce que la, la communication nationale, il faut se dire que, que l'Australie, je, je mesure mes mots, n'avait plus joué à la maison pendant presque deux ans avec le Covid. Euh, ils reçoivent le Japon. C'était la mission euh, de match, de victoire, direction le Qatar. Il y avait, euh, le stade était là, les gens pouvaient venir au stade pas, sans être masqués. Il n'y avait pas de limitation de... Il n'y avait pas de, de restrictions au niveau des, des places dans le stade. Euh, tout était là, on, ils devaient gagner. Euh, et en gros, dans, quand moi j'ai vu les matchs, c'est vrai qu'on a, on a le sentiment qu'ils ont subi une élimination en fait de la, de la Coupe du Monde. Après, on s'est dit bon, bah, le match qui compte pour du qui était contre l'Arabie Saoudite, on va essayer de faire quelque chose. Ils reperdent. Mais il y a perdre et perdre, c'est vraiment perdre parce qu'ils n'étaient pas du tout au niveau. Et donc là, être face à les, aux Émirats arabes unis qui, en plus de ça, si on prend euh, à la dernière coupe euh, d'Asie, c'est eux qui les avaient éliminés euh, 1-0 dans un match euh, qui ne devait même pas perdre l'Australie. Ils ont perdu 1-0 en quart de finale. Donc je pense que l'aspect psychologique euh, va être hyper important. Puis en plus, c'est un match... Euh, euh, d'une seule rencontre qui sera ni à l'extérieur ni à domicile, parce que c est, c est, je, je crois bien c'est au Qatar que ça ouais, joue. c'est au Qatar. Donc euh, je pense que là ça va être, ça, ça va être très long jusqu'en juin, je pense, et j'aimerais pas être à la place de Graham Arnold, qui a été maintenu jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, mais euh, bon, elle peut, elle peut s'arrêter en juin comme elle peut s'arrêter... En décembre. Ouais, c'est ça. Et justement, ben euh, justement je vois Romain qui en plus dans le chat. Romain, ton, le, ton potentiel futur adversaire qui commence déjà à chambrer hein, avec les joueurs qui planifient leur mariage pendant les barrages. <laughs> mais c'était oui, déjà pas euh, suffisamment oui, compliqué pour oui, l'Australie. Oui, bah, ça ouais. voilà Il <laughs> y, a, y a cet aspect-là aussi où, alors pour ce joueur-là, c'est Jamie McLaren qui, euh, qui fait partie de ce. Des joueurs qui on avait beaucoup d'espérance parce que l'après Kyle n'existe pas en fait d'ailleurs euh, depuis Team Kyle il n'y a aucun attaquant qui, euh, qui s'est imposé on va pouvoir citer mais oh, je, je peux citer des noms euh, Mitchell Duke on va voir euh, 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 Rukavitsia il y a Jimmy McLaren il y a Adam Taggart il y en a des, des diz... enfin, presque des dizaines il y en a pas un qui s'est imposé et en plus de ça récemment ils ont naturalisé Bruno Fornaroli qui est un Uruguayen de 34 ans, ils l'ont naturalisé, et eh ben, vous savez quoi Pas de bol, il s'est peut-être fait les ligaments croisés. <rire> <rire> voilà, avec ça, s'il arrive ouais, à la Coupe du Monde, ça il sera il, un miracle. Il, arrivé, <laughs> il, ouais, il aurait émis des doutes quant à une rupture des ligaments croisés, il aurait reçu un coup d'air le genou. Enfin, euh, c'est. Je, je plains. Il ouais, n'y a pas d'avant-centre, en fait. De, Ouais, on, voit, là, on, voit, on voit, voit qu'il y a des chantiers absolument, euh, absolument. Il y a des chantiers absolument partout. Il n'y a que trois joueurs qui sont oui qui seront là. Le reste c'est inconnu. Il a essayé plein de jeunes tout ça, mais c'est des joueurs qui se cherchent. Euh, le seul match qui a été abouti c'est contre le Vietnam, mais bon ça a été facile. On pouvait mettre n'importe qui, ça passait plus ou moins. Mais euh, contre le Japon, contre l'Arabie Saoudite, ils savaient pas se trouver, ça pas les mêmes automatismes et tout ça, donc euh, on, on risque de voir l'Australie. Euh, on risque fort de voir l'Australie hors de la Coupe du Monde, et ce que l'on n'a plus vu depuis 2006, puisque était, euh, elle était toujours là. Et ce serait une hécatombe pour le sport national. Donc euh... ouais, très triste, franchement très triste pour, euh, de, pour ce qu'est devenu le, le football national australien. Et, et du coup, si, euh, si ton Australie est out, euh, quelles sont les chances euh, pour l'Asie de, de manière générale dans cette Coupe du Monde ah déjà, il va falloir qu'il passe les Émirats. Hein. <laughs> euh, et quand euh, les Émirats Arabes Unis, bon, euh, vous avez l'article hein, sur Hello où on en parle. Euh, <laughs> Boris, Boris parle des Émirats Arabes Unis comme d'un miracle permanent. Euh, voilà, je vous laisse aller voir l'article sur le site. Je ne vais, je vais pas le, 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 le reprendre, le citer euh, complètement. Euh, voilà, c'est une équipe où il y a essentiellement un joueur, Ali Mapkout. Le reste, voilà. C'est un miracle permanent. Euh, ils étaient quand même dans un groupe extrêmement faible. On peut le dire, hein. tu vois, c'est pareil, Antoine, pour, pour pondérer un petit peu euh, le, groupe, le groupe B, euh, le groupe d'éliminatoire de l'Australie. En comparaison, le groupe A, avait, il n'y avait vraiment que Iran et Corée du Sud. Derrière, il n'y avait pas grand-chose. C'est aussi ce qui peut laisser des espoirs à l'Australie pour le premier barrage, quand même. On l'a perdu. Antoine. Oh, pardon, j'ai eu un... Antoine n'est plus là. J'ai eu un saut de, <laughs> de, de connexion, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Non, j'ai eu, eu très peur parce que j'ai cru que c'était comme la semaine dernière ou la semaine d'avant. Non, ça, non, ça marche nickel, c'est ça. Non, ça marche nickel. Euh, oui, c'est un groupe faible. Et euh... Mais en fait, je ne sais même pas... Enfin, je, pour moi, ça peut être, euh, ils peuvent rouler dessus. Là-dessus, j'ai aucune vision. Euh. Ah, C'est ça, est, est ça qui est rude, hein, C'est qu ça, ça qui est compliqué. Parce que, même que Oman, normalement, les... même Oman pouvait, pouvait rouler sur l'Australie. Oman, qui est, qui est le sultan d'Oman, euh, a fait une plutôt jolie euh, compétition par rapport à ce qu'ils sont. Euh, ils ont tenu tête à l'Australie. Donc je me dis, euh, pff, un Émirat arabe Uni peut claquer un 2-0 euh, sans <laughs> forcer à l'Australie. Euh... Bah, oui, mais ce serait énorme, mais regarde. Même toi, ça ne te surprendrait pas de... Pas à 100%, mais bon, quand de, même, de, de euh, voir, ils, de parte, ils partent de loin, euh, les, les Émirats. Mais bon, voilà. Donc on verra pour l'Australie. Euh, il va falloir passer euh, ce miracle permanent que sont les Émirats arabes unis. Je vous invite à aller voir sur le site euh, l'article, puisque c'est le potentiel groupe de la France. Donc on a publié ça samedi, où on vous a fait un petit peu le portrait des Émirats arabes unis. Nico euh, nous avait embrayé sur, sur les chances asiatiques Alors, ouais, on a, on a pas les autres... un peu rapide ah ouais, pas grave. on n'a pas les autres asiatiques avec nous donc on ne va pas forcément parler euh, tout le temps euh, à, à, à leur place on va juste essayer de faire un petit, euh, un petit bilan général, justement l'Australie elle a croisé la route du Japon, elle a croisé la route des, des, de l'Arabie Saoudite il euh, y a des chantiers aussi hein, euh, du, 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 côté, euh, du côté du Japon on va commencer avec l'Arabie Saoudite qui a, qui, a, qui, est passé, qui a fini deuxième hein, du groupe, si j'ai bonne mémoire tu me corriges si je me trompe Antoine une, euh, euh, une Arabie Saoudite avec Hervé Renard donc ouais. on re revient sur la notion d'aura, Hervé Renard qui est en train de construire quelque chose avec cette Arabie Saoudite ils arrivent peut-être dans d'autres dispositions euh, euh, tu les avais affrontés Jérôme l'Arabie Saoudite en 2018, hein, on est d'accord hein Oui, tout à fait, un magnifique 1-0 à Rostov <laughs> pas à très très loin de l'Ukraine un, un une très jolie ville ouais. Donc voilà, donc on, est dans des, <laughs> on est dans des circonstances un petit peu différentes euh, pour l'Arabie la, pour Saoudite puisqu'il y a quand même euh, pas mal, pas mal de... Si, si vous, de... vous voulez un malaise, n'hésitez pas à m'appeler. <laughs> <laughs> euh, oui, donc je disais, euh, on est dans une, dans une, autre, une autre, euh, un autre style avec une équipe qui est en train de, de se reconstruire, de progresser avec quelques jeunes. On va voir ce que ça peut donner sur un barrage, euh, sur un barrage, sur son groupe. Alors, j'ai plus le groupe de l'Arabie Saoudite, c'est le groupe, euh, si quelqu'un peut m'aider, j'ai eu un trou de mémoire, c'est le groupe, le groupe du Mexique, hein, c'est ça Argentine-Mexique-Pologne. Voilà, donc un groupe absolument un parfait petit... pour apprendre. Hein. <laughs> euh, D'ailleurs, je ne sais pas, messieurs, on parlera de vos sélections après. Ils en, ils ont, ils ont, ils ont, ils en ont dit quelque chose de l'Arabie saoudite Ils en savent quelque chose, que ce soit les Mexicains ou les Argentins J'imagine que les Argentins s'en foutent total. Euh, donc, carrément. Voilà. Les Mexicains, pareil, ils s'en foutent aussi, je pense, Diego. Bah, C'est le troisième match du Mexique, l'Arabie saoudite. Donc, on ne parle pas du match de l'Arabie saoudite. On parle des deux premiers et puis il euh, faudra prendre les trois points sur le dernier match. Donc en fait, c'est ouais. pas du tout euh, un sujet de discussion. Ouais, c'est l'Argentine qui commence par l'Arabie Saoudite et, et clairement euh, là ça, ça, ça parle du Mexique surtout et, euh, et de, de la Pologne évidemment aussi. Voilà donc les chances vous le voyez, sont assez réduites. Il faut dire que le groupe, il est quand même rude, hein, parce qu'il y a quand même la Pologne aussi assez farcière derrière. La grande question, d'ailleurs, hein, pour, pour l'Arabie saoudite, ça va être de comment ils vont résister à la pression physique. Euh, ça a été un petit peu, un petit peu, la, la... Un petit peu leur souci hein, aux, aux, aux Saoudiens. Euh, euh, le message que m'a laissé Boris à ce sujet, c'est un peu ça. Même si on les a vus, quand même, justement, résister aux, aux Australiens. On va voir. Euh, et on parlait d'Asiatiques qui ne sont pas franchement vernis. Euh, les Japonais ne le sont pas plus. Euh, parce que eux se mangent un groupe euh, assez brutal aussi. On évoquera euh, le, le, le potentiel barrage euh, Costa Rica Nouvelle-Zélande. On va aborder la Nouvelle-Zélande dans un instant, euh, mais il y a quand même Espagne et Allemagne à se farcir euh, pour euh, pour le Japon. Euh, un Japon qui, pareil, a quelques comment dirais-je quelques chantiers à, à... devant lui euh, et qui a Prévu d'organiser une série de matchs amicaux. Ils, vont, ils, ils ont annoncé qu'ils allaient chercher des, des matchs amicaux assez relevés. Ça va être très compliqué de trouver des Européens. Ça a été souligné par le président de la fédération, dont je viens d'oublier le nom, mais voilà, euh, qui justement voulait affronter un Européen, mais avec la Nations League qui va démarrer, ça va être très compliqué. Euh, voilà. Ça va être un gros problème hein, pour beaucoup de nations euh, hors Europe de trouver un adversaire européen pour préparer la Coupe du Monde. On sait qu'habituellement, euh, ça fait partie de la phase de, de préparation. Il y a des choses intéressantes à voir du côté de ce Japon-là. Euh, oui, effectivement, Nostromo, c'est très solide le groupe. Il y a des choses intéressantes à voir. Euh, on va, ils ont des chantiers euh, offensivement, euh, on pense notamment euh, en pointe, hein, on va voir si Ueda va pouvoir s'installer euh, au poste d'avant-centre. Tout le monde pense à Minamino, mais euh, voilà, on va voir si Minamino s'installera véritablement. Il y, a, il, y a, il y a un potentiel offensif assez intéressant. Il y a un milieu assez intéressant. Où on vous fera le portrait en, en date et en heure voulu. On en parlera aussi avec Gaël quand on aura l'occasion d'être avec lui. Mais effectivement, le, la, chance Austral... la chance japonaise dans son groupe, voilà, elle paraît assez difficile. Et pour conclure sur l'Asie, avant d'embrayer de, avec Antoine sur la, sur la Nouvelle-Zélande pour revenir sur ce groupe-là, il va rester la Corée du Sud de Baptiste. Euh... <coughs> Euh, comment, dire, de, pour, comment remplacer Baptiste sans euh, envoyer euh, trois insultes envers Paolo Bento <laughs> euh, eh pour, pour, pour le citer, citer il avait dit que la Corée du Sud ne sortirait d'aucun groupe quel que soit le titre. <laughs> oui, c'est vrai, il avait dit ça... On va voir, on va voir. Euh, ils ont aussi quelques soucis. Alors le, le problème en fait c'est que c'est un peu ce qu'on peut aborder et c'est un parallèle qu'on peut faire entre la Corée du Sud et l'Iran. C'est qu'ils étaient dans un groupe extrêmement faible l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune concurrence et il n'y avait que deux matchs en gros à gérer. C'était bah, l'aller-retour Corée du Sud-Iran. Et justement ça fait partie des questions qu'on pose pour l'Iran parce que l'Iran n'a pas su les gérer ces matchs-là alors que la Corée du Sud a très bien, les, les a très bien gérés. Euh on attend de les voir face à quelque chose de plus solide. Là, ils vont être servis. On hein. voyait le groupe Portugal, Ghana, Uruguay. Euh, Paulo Bento, je, je le dis en rigolant par rapport à Baptiste, mais c'est de manière générale, ne convainc pas grand monde en Corée du Sud. On a un problème avec l'avant-centre. Et désolé pour les amis girondins avec, avec Wang Wangui Jo qui fait voilà, qui est pas forcément extraordinaire. La Corée du Sud parle pas vraiment encore de la Coupe du Monde hein, pour pour reprendre ce que, ce que Baptiste euh, m'a envoyé euh, si je retrouve mes notes. Voilà. Euh, mais on... Alors, je, je, je vous cite Baptiste, euh, les médias trouvent que le tirage n'est pas si mal, n'est pas si mauvais. Bon, très bien, on est assez, euh, assez ambitieux. Et en gros, ils se disent qu'ils auraient pu avoir pire hein, en regardant par exemple ce qu'a ce qu eu, qu eu le Japon. Et donc forcément, tout le monde en Corée du Sud ne parle que d'un duel, hein, le duel entre Son et euh, Cristiano Ronaldo. Bon. Euh, ouais, 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 c'est dommage. Mais Baptiste, euh, Baptiste reviendra euh, d'ici quelques temps, on aura l'occasion de, de, de bien le chauffer là-dessus. On va, voir, on va voir ce que ça peut donner pour la Corée du Sud. Il y a quand même pas mal de travail. Euh, elle était dans un groupe très faible. On attend de les voir face à quelque chose de, de supérieur. C'est le même constat qu'on peut faire avec l'Iran. L'Iran est moins ennuyeux qu'à l'époque de Carlos Queros. c'est pas très compliqué d'être moins ennuyeux que quand tu est entraîné par Carlos Queros, mais on peut faire la bise à pierre avec la Colombie. <laughs> mais, euh, mais bon, voilà. On attend de les voir face à plus fort. Et là, pour le coup, il va falloir un petit peu, un petit peu se mouiller la nuque. Donc, bon, ça semble, ça semble compliqué hein, quand même pour les Asiatiques qui, habituellement, font quand même un parcours pas trop mauvais en hein, Coupe du Monde. Hein. Ils arrivent quand même à s'en sortir généralement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, qui allez croiser quelques Asiates. Ça semble compliqué cette année quand même. Hein. Ouais, ouais c'est surtout que les, les, les meilleures nations tombent dans des groupes assez relevés. Où, donc les meilleures nations euh, asiatiques et où finalement ben ben ça va être compliqué même pour eux de, de, de sortir leur épingle du jeu donc euh, donc ouais, ça reste ça risque de piquer pour les asiatiques euh, cette année ouais, ça risque d'être compliqué et justement euh, on parlait d'asiatiques on va descendre vers l'océanie euh, rapport au message laissé par quelqu'un que je ne citerai pas mais qui est avec nous sur euh, l'Australie qui devrait être en Océanie euh, on, va parler... <laughs> on va parler de l'océanien. Euh, Antoine, on va revenir avec toi un instant sur, sur la Nouvelle-Zélande. Bon, on parlait de... C'est difficile de jauger le niveau de la Nouvelle-Zélande qui a pas beaucoup joué en 2020, toujours les histoires de restrictions, qui est tombée sur euh, des éliminatoires qui se sont disputés uniquement au Qatar, et qui va devoir se farcir un barrage toujours au Qatar face au Costa Rica. Euh, avant d'espérer, envisager, euh, rejoindre euh, le groupe le plus sympa pour les nations hors Europe, euh, le groupe euh, Espagne-Allemagne. Euh, Espagne oui, c'est ça. Après, je pense que la Nouvelle-Zélande peut aisément croire qu'elle va sortir du groupe. Je pense à un match nul contre l'Allemagne, une victoire à 0 contre l'Espagne, et puis le Japon en troisième. Enfin voilà, facile. Non, bah, la Nouvelle-Zélande, eux, c'est... Euh... Enfin, c'est les rois du monde pour le moment. Ils sont hyper heureux. D'ailleurs, ils croient, Alors, ils croient, pardon, excusez-moi, ils croient. Euh, oh. cas, une qualification clairement que les Australiens. Enfin, il y a plus d'espoir beaucoup... pour la Nouvelle-Zélande de battre la ouais. Costa Rica que l'Australie peut en avoir à jouer ces deux barrages. Alors, je me suis, beau, je me suis beaucoup calmé sur euh, la Nouvelle-Zélande parce que je les surcotais euh, très fortement euh, <laughs> parce que je les voyais pas jouer en fait. Donc, euh, comme ils jouaient pas en fait, je me disais, euh, je m'imaginais un truc. Fou, en fait, avec la génération qu'ils avaient. Ils ont une, une petite génération qui s'exporte qui bien, qui va en Europe, qui, qui est d'ailleurs... D'ailleurs, si les, les Néo-Zélandais jouent dans des championnats d'élite, euh, enfin, il y a Chris Wood qui joue à Newcastle, qui est le buteur, qui est devenu meilleur buteur de la sélection. Et on a Liberato Cacassé, qui, est, euh, qui a fait toutes ses gammes, qui est passé du de Wellington Phoenix, qui est allé à Saint-Tron en Belgique et qui est maintenant à Empoli. Donc, il a le, il a le double passeport. Euh, il, a il est italiano néo-zélandais. Mais il euh, croit très fortement. Pour eux, c'est la meilleure année de se qualifier contre le Costa Rica. Alors, alors oui, très oui, le Costa Rica, c'est n'importe qui, de toute façon, est au-dessus de la, la Nouvelle-Zélande en, en termes de barragistes. Mais ils y croient. Ils y croient fortement, puisque de toute façon, pour eux, Costa Rica, c'est assez marrant, parce que dans, dans le New Zealand Herald, il parlait que, que d'un joueur, c'est euh, Kyler Navas. Le reste. Euh, Connaissent pas, non, peu importe. Ils y vont, ils y vont clairement pour gagner. Euh, après, voilà, comme tu disais, les qualifications. Euh, bon, bah, ils les ont fait facilement. Euh, ça a écrasé la Nouvelle-Calédonie 7-0. Ils ont eu, eu un petit peu de mal contre Tahiti. Ils ont un petit peu lâché du l'Est, mais après, voilà, ils ont ils ont ils ont, ils ont déroulé. Ça a été plutôt, plutôt facile. Ils ont beaucoup fait de tourner avec Danny Hyde, donc qui est le, le sélectionneur national a, a beaucoup fait de tourner. Il a fait rentrer beaucoup de jeunes qui étaient euh, aux Jeux Olympiques, qui sont montés euh, d'un cran, du coup. Euh, donc c'est pareil. Qui sera euh, en juin Chris Wood, forcément en, en attaquant. Le reste, aucune idée, parce qu'il bah, manquait plein de joueurs avec le Covid, etc. etc. Et puis, comme tu disais. Euh, Bon, passer sur euh, la qualification d'Océanie, c'est assez facile, mais eux croient réellement à la Coupe du Monde parce qu'ils euh, ont une superbe génération. Et pour eux, financièrement parlant, euh, je me suis noté ça, mais donc, ils toucherait, enfin, un club, un, une nation touche 2,5 millions de dollars à partir du moment où ils jouent un match de, de Coupe du Monde, qu'ils soient qualifiés. Et les revenus de la fédération néo-zélandaise, Néo c'est 13 millions de dollars. Donc, pour eux, c'est une poule aux œufs d'or. Ah il va falloir passer. Hein. De, de croire. Mais ils y croient, ils y croient vraiment. Ils y croient vraiment qu'ils qu passent. J'ai lu, j'essaie de lire autre chose peut-être. Mais non, ils y croient parce qu'ils se disent... Euh, ils sont jeunes, ils ont que ça euh, et, euh, et ils vont jouer en mode euh, on, on les attendait pas et peut-être le dernier but à la dernière seconde parce que en fait pour eux euh, j'ai lu pas mal là-dessus contre le pérou, ils pouvaient le faire parce qu'ils ont fait 0-0, ils ont perdu 2-0 là-bas et pour eux il y a une sorte de machination avec les avions de chasse qui passent au-dessus de l'hôtel, euh, le car qui tombe en panne sous le, forcément ah, le euh, sous le pont machin tout ça et, et euh, ils étaient dans l'article, c'était un peu frustré. Et euh, je pense qu'ils y, bah, y croient. Ils ont une belle génération. Mais voilà, après, c'est en juin. Il peut se passer d'innombrables choses. S'il y a un cas à Auckland et un cas à Wellington, euh, je pense qu'ils déclareront forfait. Comme ils sont euh, très... Euh... Enfin, les restrictions en Nouvelle-Zélande, c'est pareil. C'est quelque chose de très... Il n'y a même pas d'adjectif. Hein, de... Tellement c'est n'importe quoi. Mais euh, non, ils y croient. Et puis, euh, pourquoi pas et eux de toute façon. Alors par contre eux c'est assez marrant parce qu'ils comparent ça à... À, amis, à... à leur toute première. Je crois qu'on l'a perdu. On a perdu Antoine. Ah, on a perdu Antoine. Oh, ah là, oui, perdu. puis il a sauté, sauté là. Ah ouais, il est parti, il a grillé un fusible. <laughs> Et, et, et ce qu'on qu n'a pas trop évoqué, c'est quand même que ouais. tous ces barrages vont avoir lieu au, au Qatar. Et, ouais. et le Qatar en juin, bah, pas, on ne sait pas trop comment chaque euh, sélection va, va appréhender ce, ce rendez-vous euh, fatidique quand même. Bah c'est surtout que c'est ouais, ça, on va, on va enchaîner. Hein, on, a perdu, on a perdu Antoine, on va enchaîner. On va... Il, il est là, un... il est là. Ah, il est là Tu es de retour Antoine ou pas oh. Ouais, mais on n'entend plus. Euh, alors attends, je vais essayer de faire un truc. Je suis pas sûr qu'on Attends, Antoine, Antoine, Antoine je, je, crois, je crois que tu parles qu'à qu moi là. <laughs> Il me semble que Nico ne t'entend pas... On l'entend à nouveau. Antoine Vous entendez Ouais, on non, je, vais juste, je conclue juste bon. en disant que voilà, ils sont hyper positifs, ils y croient énormément, et puis nous, on ne peut que leur souhaiter de passer sur le Costa Rica. Eh bien justement, on va faire la transition. <laughs> on va voir. Tu vas voir, on va la faire la transition. On va aller voir Diego au Costa Rica, parce qu'il y a ouais. pas mal de choses à dire sur le Costa Rica. Et on va aborder, on va commencer Beaucoup par plaisir. ce point que tu viens de soulever, Nico, sur la notion de... Déjà, c'est un barrage au Qatar en juin. Voilà. Donc, avec tout ce que ça veut dire au niveau météo. Euh, et c'est surtout un match sec. C'est-à-dire que c'est typiquement des matchs à accident. On va faire la bise aux Italiens. Euh, c'est typiquement des matchs qui peuvent générer de véritables accidents. Euh, Diego, on va commencer. On va, on va partir hein, sur la zone CONCOACAF. Vous l'avez bien compris. On va justement commencer par le Costa Rica qui est le barragiste. Euh, comment. Euh, Comment on l'aborde au Costa Rica, ce, ce barrage Est-ce qu'on est qu a peur de la Nouvelle-Zélande Est-ce qu'on peur est-ce qu'on évoque, parce qu'on verra tout à l'heure avec Romain au Pérou, est-ce qu'on évoque le fait de le jouer sur un match sec au Qatar Alors oui, il y a ce que dit Nico qui est très très important et sur ce format d'éliminatoire, c'est que c'est sur un match sec et c'est au Qatar. Donc déjà, comment les équipes vont appréhender le voyage Comment va se dérouler, enfin, sous quelles conditions climatiques va se dérouler ce match-là que les Néo-Zélandais y croient, euh, c'est cool, enfin c'est bien. Je pense que euh... Merci. Non, Yves. Non, mais en fait, en fait j'ai pas trop compris, compris quelles étaient les points forts en fait, de, de la sélection ouais. mais euh, sur un match sexe, c'est bien normal d'y croire, beaucoup plus que sur un match aller-retour. Euh, surtout que en ce moment, euh, le Costa Rica, la particularité de cette équipe, c'est que elle a vraiment montré un double visage lors de ses qualifications. Il y a vraiment un Costa Rica de l'automne, donc je prends les, les, les saisons en Europe, mais l'automne 2021 et l'hiver et le printemps 2022. Le Costa Rica, c'est la meilleure équipe de la CONCACAF sur la phase retour des qualifications. C'est six victoires et un nul. Ils avaient pris six malheureux points sur la phase aller en perdant contre des équipes assez faibles. Ils étaient derrière la Jamaïque. Euh, à un moment, et le Panama, et ils ont fait une remontada assez exceptionnelle en gagnant tous leurs matchs, à la fois contre le Canada, à la fois contre les États-Unis, et le seul nul, c'est un nul 0-0 à l'Azteca finalement. Donc on peut dire que le Costa Rica est une équipe vraiment en forme à, à l'heure actuelle. Euh, c'est aussi une équipe un peu difficile à comprendre parce que c'est une, une, une équipe très défensive. Euh, J'ai pas envie de parler de Kyler Nav Navas FC, presque. Tu peux, je pense. Hein. Où, mais ah, parce que je trouve en a c'est sa défense une... à 5. Il y a une bonne défense à 5. Quoi, oh faut le dire. Euh, Fuller, euh, Chacon, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant au Costa Rica, et ce... ce que je trouve dommage avec ce tirage, c'est que le Costa Rica n'aura pas beaucoup euh, l'occasion de montrer euh, de quoi la jeune génération est capable, puisqu'il faut jouer contre l'Allemagne, l'Espagne et le Japon. Mais il y a un espèce de trou générationnel au Costa Rica entre les 27-28 ans et 22-21 ans. Au milieu, il n'y a presque aucun joueur. Donc, en fait, pendant très longtemps, on considérait que c'était qu'une équipe de vieux, ce qui est le cas. Les Brian Ruiz, euh, dont les Uruguayens se rappellent, je vois qu'ils partent, mais euh, dont les, les Uruguayens se rappellent, euh, Joel Campbell… Ça l'a euh, fait fuir, Brian Ruiz, tu vois, ça rappelle de mauvais souvenirs. La souvenir. sélection de 2014 est encore là, en fait, à ouais. moitié. il y a Keylor, il y a Joel Campbell qui jouait l'attaquant de Monterey, qui avait marqué contre l'Uruguay. Il y a Brian Ruiz qui avait marqué contre l'Italie, Celso Borges, et… Euh, en défense, euh, euh, on a toujours, euh, enfin, au milieu, on a toujours Brian Oviedo, euh, toujours qui joue en défense au milieu, Kendall Watson. Et entre-temps, il n'y a pas beaucoup de, de joueurs, mais sur les derniers matchs, sur les tout derniers matchs, et notamment le match contre les États-Unis, on a des joueurs de 21 ans, de 20 ans, euh, même de 18, de 18 ans, qui se sont montrés et qui ont montré un niveau technique, surtout, assez, assez, assez bon. Donc, en fait, est-ce qu'ils vont avoir le niveau euh, face... Euh, euh, aux équipes euh, euh, présentes dans le groupe E, ça c'est très dur de le dire, parce que l'équipe va jouer la défense, parce que c'est son fort, mais il y a quand même quelques talents euh, au milieu et devant, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'on pourra les voir probablement euh, lors, de ce, lors de ce barrage euh, au mois de juin. Après s'ils si se qualifient, euh, je pense qu'ils ont largement les moyens, et ils partent favoris face à la Nouvelle-Zélande, mais ils ont largement les moyens de montrer cela. Et s'il y avait une qualification par la suite, ce serait quand même très compliqué. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu du tirage aussi. Ouais, parce, parce que c'est ce en fait, difficile de montrer ça en fait. Un, en fait, c'est un peu le risque, parce que tu parlais de ce, de ce Costa Rica un petit peu ambivalent. Euh, pour pondérer un petit peu les six victoires, euh, contre le Canada, ils gagnent 11 contre 10 en jouant une heure, ils prennent trois poteaux, ils sont dominés ouais. tout le match. Ouais. Euh, un un hold-up hold euh, contre Panama, c'est pas très loin du hold-up non plus. Là, ils ont le en fait, leur seul vrai match qui donne un petit peu d'espoir, c'est ce match face aux États-Unis euh, qui a pour le coup été assez surprenant dans le jeu parce qu'on a, on a rigolé. Hein, tu disais le FC Kellor Navas, euh, la défense à 5, enfin, franchement, c'était ça jusqu'ici. Et justement, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Je trouve que c'est le pire groupe pour eux en termes de euh, euh, sur cette ambivalence là. En plus, on, on sait que Luis Fernando Suarez. Euh, les gens s'en rappellent peut-être, c'était le sélectionneur du Honduras quand le Honduras est tombé contre l'équipe de France en 2014. Il n'a fait que bétonner à la Coupe du Monde, il n'a absolument rien montré avec le Honduras, il était dans un, un petit peu le même type de, 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 de comment dirais-je d'équipe, c'est-à-dire qu'il avait une équipe qui était capable de produire du jeu, mais lui n'en produisait pas. J'ai un peu peur, je ne sais pas ce que tu en penses, que justement on se retrouve avec ce bloc, cette défense à 5, cette équipe qui est très forte sur les coups de pied arrêtés, dans les airs, sur les corners. Si vous concédez un corner ou un coup franc, bon courage parce qu'ils sont très forts là-dessus et ils gagnent leur match là-dessus concrètement. Euh, C'est pas le groupe qui aide le plus à voir le, le, le Costa Rica qu'on a vu face aux États-Unis quand même. Ouais c'est ça. Après, euh, j'ai pas envie de manquer de respect à la Nouvelle-Zélande et j'ai pas envie de parler non. déjà de comment ça va <laughs> se passer euh, euh, face à l'Allemagne et à l'Espagne. Mais c'est vrai que ce match contre les États-Unis, c'est vraiment un match complètement lunaire. Le, le Costa Rica B a baladé les États-Unis A. Euh, mais c'était une balade. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases de, de possession de deux minutes, euh, des gamins de 18-19 ans euh, qui mettaient euh, la misère aux États-Unis. Et comme tu dis, c'est une équipe censée être défensive qui a décidé de jouer sur ce match. Donc en fait, tout dépendra de ce que va faire euh, le coach. Tu, comme tu le dis, je pense que la, face à la Nouvelle-Zélande, tu ne peux pas arriver et dire non. que tu vas bétonner. Surtout sur un euh, match sec. Sur un match sec surtout. Je pense que ça dépendra beaucoup de tes latéraux. Euh, Peut-être que euh, si tu commences à, à mettre des, euh, des milieux euh, excentrés euh, et les excentrer sur les côtés euh, pour euh, développer du jeu, est-ce que tu vas miser sur euh, ta vieille garde comme d'habitude ou mettre un Brandon Aguilera qui m'a complètement euh, bluffé? Euh, euh, au milieu de terrain euh, 18 ans hein, hein, c'est ça hein. 18 ans mais c'était enfin, exceptionnel on a vu un match euh, et euh, du coup euh, c'est un gamin qui est traité par euh, à la Huelense euh, dans un club dans euh, un village quoi. le terrain euh, j'ai regardé du coup pour me c'est un petit club de D1 costaricienne Enfin, euh, c'est ce gamin, c'est incroyable. Euh, je pense que je le vois bien faire une grande carrière. Mais en tout cas, c'est un exemple parmi d'autres, parce qu'il y avait, il euh, euh, y a aussi, euh, euh, comment il s'appelle, Jay qui est ouais. à qui a 17 ans. 17 ans. Et, euh, pareil, <laughs> c'est assez exceptionnel le match contre les, contre le, contre les États-Unis. Donc, on verra bien contre la Nouvelle-Zélande. Euh, je pense quand même qu'il va vouloir développer du jeu, parce que ce match contre les contre les États-Unis, ça peut être le match référence du Costa Rica pour les 15 prochaines années dans le sens où tu peux décider de construire à partir de ça, de ces gamins qui ne qui sont pas encore majeurs ou à peine, euh, et qui, euh, qui ont complètement changé en fait, l'idée de ce qu'on pouvait avoir de, du Costa Rica. Ouais, à, à, après, s'ils si, 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 si arrivent quand même à, à sortir la Nouvelle-Zélande ouais. en jouant. Euh, dans le groupe E, il y a des chances quand même qu'ils retournent sur ses, des fondamentaux de, de, de FC Navas et de bétonner vrai, pour ne pas, pas se faire trop allumer par l'Espagne et par l'Allemagne. En tout cas, le Japon, j'en sais rien, mais en mmh. tout cas, face aux Européens, il y a des chances qu'ils qu se protègent et qu'ils espèrent après un, un peu un coup du sort ou quelque chose. Il y a deux, il y a deux choses particulières. Bon, il y en a une, c'est le mondial en 2026. Je pense qu'en fait, beaucoup d'équipes de la CONCACAF se disent qu'il faut bien figurer en 2022 parce que celle qui compte vraiment, c'est celle qui se déroule dans trois ans et demi. Mine de rien, ça va, ça va aller vite, vu qu'on a un, un mondial euh, en hiver. C'est un peu comme pour l'euro, euh, voilà, où il y aura un, seulement trois ans. Donc déjà, le Costa Rica, s'ils font une victoire contre le Japon, ils seront contents et ils pourront déjà se regarder pour, dans, dans quatre ans, comment ça va se dérouler. Mais il y a autre chose dont on parle énormément au Costa Rica, c'est groupe compliqué Ok il y a huit ans, c'était un groupe très compliqué aussi. C'était l'Uruguay, c'était l'Angleterre, euh, et c'était l'Italie. Et euh, ça commence avec une victoire euh, assez impressionnante contre l'Uruguay. es de retour, euh, <laughs> oui, je, 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 je me prépare. Euh... Une non, je, voulais, je, voulais, je, voulais, je voulais redire l'Italie quand tu l'as commencé, mais oui. Ouais, non. Mais non. Mais ils étaient très, très impressionnants à l'époque aussi. C'était un super match, hein, même l'Uruguay, je me souviens. Ouais. Euh, ils, ils font un bon match et ils se prennent... Euh... Enfin, c'est un super match. Mais le ouais. deuxième match, c'est une victoire contre l'Italie où le Costa Rica se fait voler euh, euh, deux pénalties en première mi-temps et où Brian Ruiz euh, marque avant la mi-temps et, et ensuite tu bétonne mais tu as six points en six matchs et ensuite où tu finis premier de la poule euh, et où tu passes quand même à un tir au but d'être en demi-finale de la Coupe du Monde et de jouer vrai. contre l'Argentine euh, à la place des Pays-Bas. Euh, donc il euh, y, y a cette mystique-là. Évidemment que tout le monde sait que ce serait quasi impossible, mais il y a cette mystique sur... Groupe difficile, mais euh, venez, enfin, on joue quoi. Et puis, tu parles de Mystique, il y a, y a cette fameuse Coupe du Monde d'il y a 8 ans. On peut même remonter sur celle de 90 où déjà on, personne personnes les attend et ils font une belle Coupe du Monde en, en Italie. Voilà, c'est important. Hein. On, le, on parle souvent, quand on parle de club, d'ADN continental, il y a un ADN Coupe du Monde pour le Costa Rica quand même, il faut le dire. Oui, oui, puis, euh, oui, je suis complètement d'accord. Même pour la zone, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes oui. d'Asie ou d'Afrique qui seraient très contents d'avoir le passif en Coupe du Monde du Costa Rica qui n'existe que depuis les années 90, en oui. réalité, euh, sur, la, sur la place internationale. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ils arrivent, ils arrivent à partir des années 90 avec la création de la Gold Cup ensuite et tout et tout. Voilà, mais mais voilà, mais on va pas lancer. Bon, je, je suis pas sûr qu'on ait envie de lancer le débat sur la Concacaf qui est la, la zone qui a les meilleurs résultats en Coupe du Monde, même si on devrait peut-être un jour. <laughs> euh, par rapport, moi, au... moi, je pense qu'il faudrait juste se dire qu'il y a un peu plus de respect parce que ça. critiquer le fait que la Concacaf ait trois places ennemies et, et dire qu'il faudrait en retirer une, regardant les résultats en Coupe du Monde, je pense que il y a pas mal de confédérations qui se voient un peu plus belles que la pomme c'est ça exactement Et ben justement tu vois on va on va, on va embrayer sur, sur des habitués euh, l'un est devenu un habitué l'autre est un vrai habitué euh, mais on va commencer on va on va peut-être commencer par euh, est-ce que je commence par celui qui fâche ou est-ce que je commence par euh, <laughs> par le ouais, pire. chauffe le Chauve, ouais, je vais euh, le chauffer. Euh... Allez, on va commencer alors par le véritable habitué. On va, on va, va aller sur le Mexique. On va, on va y aller. On va. Il a son maillot mexicain, Diego. Donc voilà, on va commencer par chauffer le, le Diego sur le Mexique. Euh, voilà, le Mexique s'est encore qualifié. Avec, j'ai envie de dire... Un classement final pour ceux justement qui n'ont pas l'habitude de regarder les matchs ou qui ne regardent juste pas les matchs et qui se contentent de regarder les statistiques, ils vont se dire Ouais, bah, le Mexique finit premier ex -aequo avec euh, avec euh, le Canada, euh, donc ils ont fait une bonne campagne d'éliminatoire. Euh, on peut dire les choses clairement ils ont fait une horrible campagne d'éliminatoire. Une horrible campagne d'éliminatoire dans le jeu, mais finalement, tu n'as jamais été réellement en danger non plus. C'est vrai. Donc ça, il faut le dire il faut ne pas, faut, pas, faut, pas, faut pas le nier. À chaque fois, le Mexique a été entre la première et la troisième place constamment. Euh, et il y a surtout un horrible hiver, euh, un horrible mois d'octobre, euh, qui a plongé euh, le Mexique dans la crise euh, de jeu, euh, de résultats aussi, même si euh, finalement, comme je le disais, il n'y a pas eu vraiment de problème euh, au niveau du classement. À aucun moment, on s'est dit que le Mexique allait devoir passer par les barrages, hein, réellement. Ouais, il, fallait, fait, il, une... il fallait un truc fou, il fallait qu'ils perdent chez eux. Au moins 2-0 de, de face au Salvador au dernier match que le Costa Rica cartonne les États-Unis, enfin c'était improbable. Mais même déjà avant, parce qu'en fait il y avait le calendrier qui avait été très compliqué pour le Mexique, puisque sur la première phase, tu te déplaçais chez tout le monde, oui. enfin euh, chez, chez le Costa Rica, chez les États-Unis, chez le Canada. Euh, et tu avais une dernière phase de Calife où tu avais la plupart de tes matchs importants à domicile, et surtout où tu finissais par vraiment des matchs plutôt faciles, alors que par exemple les États-Unis euh, avaient un calendrier beaucoup plus abordable au début, du coup ils ont été premiers et qui à la fin finalement bah, finissent à égalité de points avec le Costa Rica. Euh, donc pour revenir au Mexique, on parle d'un jeu horrible. Euh, si on prend d'abord les joueurs, il y a des joueurs qui ont vraiment un niveau assez méconnaissable par rapport à leur niveau en club. Euh, je pense à Hector Herrera au milieu de terrain qui euh, est devenu euh, titulaire euh, assez indiscutable avec l'Atlético de Madrid euh, qui euh, a fait une double confrontation contre Manchester United assez incroyable et qui venait jouer contre l'onduras sous la Jamaïque et qui était complètement méconnaissable et il y a pas mal d'individualités comme ça qui ont montré euh, des, des limites et un niveau assez, euh, assez inquiétant après je pense qu'on peut clairement se tourner vers le banc et se demander pourquoi l'équipe joue aussi mal euh, pourquoi pendant très longtemps là ça va un petit peu mieux mais pourquoi pendant très longtemps les meilleurs n'étaient pas alignés pourquoi pendant très longtemps on voyait des joueurs qui n'avaient rien à faire sur le terrain euh, et euh, on peut, donc du coup ce qui se Passe très, très énormément au pays, c'est qu'il le, le coach Tata Martino, l'Argentin, qui a déjà dirigé en Coupe du Monde. Il a dirigé le Paraguay euh, en 2010, il me semble. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Euh, il, il est arrivé en quart de finale avec un jeu très défensif. Ouais. Mais et euh, il n'est pas, hein. pas loin de sortir l'Espagne. Il n'est pas loin de sortir l'Espagne parce qu'il y a un penalty de Cardoso qui a qui le met, qui a retiré. Ouais. Et finalement, Iker Casillas l'arrête. Ouais. Euh, bravo l'Espagne hein, pour la Coupe du Monde. <laughs> euh, parce que il n'est jamais à retirer ce penalty. Jamais. Il n'est jamais à retirer ce penalty. Et, si, et, et, et l'Espagne ne gagne pas vole. sur un penalty aussi Si, il me semble que c'est un penalty. Il me semble c'est un pénalty pour l'Espagne. un, un, un pénalty pour l'Espagne. Enfin, c'est un scandale ce match. Euh, mais comme c'est le Paraguay, bon, ça passe. Voilà. Euh, et El Tata, il est quand même très critiqué parce qu'il y a quand même un, un manque. Euh, il faut le dire, il y a un manque de travail du Tata. Euh, c'est un mec qui vit aux États-Unis, qui vit à Miami, qui se rend très peu au Mexique. On le voit dans aucun match de championnat. Euh, euh, local, il pourrait se rendre. Euh, il, y a, il y a trois clubs de la capitale euh, qui jouent à Mexico, il pourrait se rendre au moins dans un de ces matchs-là par week-end. Et euh, il y a vraiment un problème au niveau du jeu également. Alors, il a des soucis de santé. C'est un des problèmes de santé qui l'ont empêché d'aller jouer au Honduras euh, la semaine dernière. Donc, il faut savoir est-ce qu'il est capable de diriger cette équipe ou pas Est-ce qu'il a envie ou pas Parce que quelques exemples euh, le Mexique perd aux États-Unis et euh, il explique que c'est pas grave. Et il te dit que oui, je comprends que les Mexicains, pour eux, ça leur fasse du mal de battre contre les États-Unis, mais hein, je trouve que ces réactions, en fait, euh, ont longtemps été euh, complètement à contre-courant de ce qu'il faut. Euh, ce soit... En fait, il s'est désolidari carrément désolidarisé du Mexique. Tu viens entraîner un pays, tu embrasses un petit peu les codes, ou tu essaies, en fait, de te sentir et de faire connexion avec euh, les gens. Euh, je pense, On peut prendre Gareka en exemple avec le Pérou, par exemple. Et Tata a toujours montré cette euh, cette distance et en lui ex en expliquant que pour lui c'était pas grave de perdre contre les États-Unis parce que ce qui comptait c'était la qualification. Et on rappelle Mexique, on rappelle que 2021 il se fait taper trois fois par les États-Unis quand même Gold Cup, Nations League, ouais. éliminatoire. Ouais Nations League euh, un vol. Euh, oui et après, mais tu ce vois. Deux, euh, deux défaites euh, importantes sur les stats. Et, euh, voilà, sur les stades, ça ne le fait pas du tout. Après, on est, on est d'accord. Euh... Il y a des matchs que normalement, ils doivent pas perdre. Je veux dire, bon, voilà. Et, et puis, il a fait des choix. Et donc, il perd le trois matchs face au Gringo du Nord. Donc, euh, voilà. Euh, il a Canada fait des aussi, choix. Bien. Par exemple, le Funes Mori en 9. Je vois dans le chat, dans le chat euh, que ça parle de Chicharito. Euh, J'ai vu passer le message, je ne sais plus où il est. Mais, euh, mais, mais Voilà. Euh, il y a quand même un problème sur le choix de l'avant-centre, il y a des problèmes sur le positionnement des joueurs, tu l'as dit. On a vu des joueurs, il y a certains joueurs de cette sélection, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de remonter à des décennies, hein. il suffit de voir la performance de certains aux Jeux Olympiques. Il y a du matos au Mexique. Bah justement, sur les derniers matchs, il a été quasiment contraint euh, par euh, la fédération, par même la Liga MX, parce que y a, la Liga MX euh, a, a une certaine influence sur euh, les décisions euh, à la. Euh, sur la sélection, il a été contraint d'aligner certains joueurs et, ah comme par hasard, ça fonctionne. Le Mexique a pris aucun but quand même sur les cinq derniers matchs euh, avec la défense des JO qui a terminé troisième euh, euh, l'été dernier au mois d'août, qui aurait pu même aller en finale sans une euh, séance de tir au but perdu face au Brésil. Et donc, euh, tu as une moyenne d'âge quand même de 23 à 24 ans. Donc, j'entendais parler de, de euh, génération, un creux générationnel. C'est pas assez faux. Il y a quand même des joueurs de 22, 23, 24 ans qui aspirent totalement à une place de titulaire. Et tu parles du neuf. Le problème du neuf, c'est euh, que Raúl Jiménez, qui est revenu d'une blessure d'un an où il a quand même failli il euh, laissé sa vie, il a eu euh, un traumatisme crânien avec Wolverhampton et il revient euh, presque logiquement titulaire. Et en fait, il a un niveau très euh, en ça Même à, à Wolverhampton, il n'est pas tout le temps titulaire en ce moment. Donc, euh, il y a cette espèce de, de, de... Problème de joueurs où en fait il y a certains joueurs qui ont fait toutes les éliminatoires mais qui n'iront pas au mondial. Je pense à Henry Martin, je pense à Chaka Rodriguez, je pense à Hector Moreno, même si je s'il sera quand même dans le groupe pour l'expérience, mais il sera pas titulaire. Et euh, donc voilà, après, il euh, va y avoir d'énormes. Il, il était sur la sellette il y a encore une semaine. Finalement, il semble quand même qu'ils vont le, le laisser euh, diriger l'équipe euh, jusqu'au jusqu mondial. Euh, finalement, ce mondial, comme pour le Costa Rica, c'est ce que j'expliquais, si le Mexique perd en huitième, euh, ce ne sera pas scandaleux, ce ne sera pas euh, la catastrophe, parce qu'il y a 2026 à la maison euh, qu'il faut préparer. Euh, donc euh, voilà, Tata a la pression, euh, les clubs lui mettent la pression, la FED lui met moyennement la pression, et le public euh, lui est carrément hostile. Donc il faut voir ce qu'il est capable de faire. Le Mexique, comme à chaque Coupe du Monde, aura énormément de matchs de préparation. Euh, ouais, C'est parce... une des équipes qui se, qui se prépare le plus à chaque Coupe du Monde. Euh, et il euh, y a aussi la Nations League qui arrive en juin euh, avec euh, des équipes type Curaçao, euh, Salvador, euh, Martinique même. Et il a été euh, annoncé il y a quelques jours, euh, le jour de la, de la, du tirage de sort, qu'il y aura uniquement des jeunes du championnat mexicain qui seront convoqués. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait quand même un grand chambardement déjà au niveau des idées. C'est-à-dire qu'on explique à Martino qu'il est obligé de changer des choses parce que le Mexique, même si c'est des résultats moyens moyen de plus en Coupe du Monde, ça a toujours été une équipe qui jouait au foot quand même. Euh, donc euh, voilà, il y aura à la fois au niveau des idées, au niveau de la philosophie, euh, une remise en question de ce qu'a fait tata Martino et aussi au niveau des joueurs. Mais justement, et, et du tu... coup, au pays, ça se, ça se voit bien euh, sortir des poules euh, tranquillement euh, pour être dans les, pre... dans les deux premiers euh, avec l'Argentine, j'imagine Pas forcément. Alors, avec l'Argentine, oui. Hein, L'Argentine est la grande favorite de la poule. De, de la, de la, poule, il y a de la compétition, on peut le dire. De la compétition. <laughs> Toute objectivité. <laughs> euh, tout, tout le monde parle du match contre la Pologne, en réalité, qui est le, ouais, match, euh, le premier match. À... Alors, il y a à la fois. Il faut savoir qu'au Mexique, euh, il y a à la fois un public qui est très acquis à la cause de la sélection. C'est une... un des meilleurs publics, je pense, de sélection, avec l'Argentine, par exemple, avec les Pays-Bas. Donc, il y a un énorme public à la cause de de la sélection, mais il y a aussi un énorme partie du public qui est carrément, qui souhaitait l'élimination du Mexique, qui souhaite euh, le, voir le Mexique perdre euh, à la Coupe du Monde parce que ça ne fonctionne pas, parce que c'est une sélection qui ne donne pas de plaisir à voir jouer. Euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui, qui gonflent un peu le niveau de la Pologne dans le but en fait, finalement de, de dire que le Mexique va pas y arriver. Ce qui se dit beaucoup, c'est que du coup, c'est euh, Messi et Lewandowski dans la poule. C'est ouais. un peu. Voilà, ce qui... Ça me semble être une erreur de dire ça, notamment pour l'Argentine, mmh. euh, qui est beaucoup plus un collectif que, un, que, un, que, que la Pologne, qui, je pense, repose beaucoup plus sur, sur les Mais ce qui se dit, c'est le match inaugural, c'est le match le plus important. Alors là, on mise un peu sur l'expérience Coupe du Monde, euh, dans la mesure où la Pologne se rétame sur chacune de ses compétitions. Il faut quand même le dire. Il... L'euro, tu perds contre la la tu perds contre la, la Slovaquie, perds contre la Suède. La dernière coupe du monde, la Pologne ne gagne ni contre le Japon ni contre la Colombie. J'oublie le quatrième de la poule, le Sénégal mm. finit quand même quatrième d'une poule homogène mais accessible. Mm. Euh, et tu, le Mexique mise sur le fait que euh, le premier match de poule de coupe du monde est toujours réussi par le Mexique. Euh, la plupart du temps, c'est une victoire. Depuis 1990, c'est à chaque fois une victoire, sauf en 2010, où c'est euh, un nul face au, face au pays organisateur lors du match inaugural contre l'Afrique du Sud, mais tu te rattrapes ensuite par la France. Ça. Mais voilà, en fait tu te dis il faut réussir ce match-là, et si tu le gagnes, tu te, tu, te, euh, tu te simplifies la tâche pour la suite. Euh, le match contre l'Argentine restera un match bonus, c'est-à-dire que si tu le perds, c'est logique. Si tu fais nul, c'est déjà une performance plutôt bonne. Et euh, mais voilà, ce qui se dit également, c'est que mieux vaut terminer premier sur un concours de circonstances. Tu sais, les deux équipes euh, les deux équipes qui finissent à 7 points avec une meilleure différence de but. C'est ce qui avait failli se passer quand même dans la dans la poule avec le Brésil en 2014, où le Mexique aura, a failli terminer premier de la poule, euh, pour ne pas rencontrer la France. Parce qu'en fait, euh, ce qui se dit, c'est que si tu termines deuxième de la poule, c'est fini en huitième bah, et, 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 et et, et, et... de la France. Mais par contre, tu t'es pas dans la poule. On pas dans la... Je te coupe deux secondes, on n'est donc pas pour l'instant dans la même communication qu'Osorio euh, en 2018 qui disait que l'objectif c'était le cinquième match. Euh, on n'y est pas encore complètement, on n'est pas déjà en train de se... Tu vois, euh, en 2018, quand ils abordent la compète, ils ont déjà l'objectif du quart de finale. Là, dans la com, on n'a pas l'air d'y être. Non, non, on n'y est pas du tout. Dans la com, on est plutôt dans... Euh, Est-ce que à, à, quoi, à quoi bon aller à une Coupe du Monde si c'est pour pas y jouer euh, À quoi bon euh, prendre une sélection si c'est pour... Euh ne pas l'amener à un niveau qui... Je pense qu'il y a un énorme problème entre, de communication entre la fédération et Tata Martino. J'ai l'impression qu'il n'a pas été euh, briefé, on lui a pas expliqué pourquoi il venait, euh, devenait, il venait à la tête de la sélection du Mexique. Mais pour lui, terminer troisième de la zone Concacaf, c'était acceptable puisque tu te qualifiais. Sauf que le Mexique, c'est plus que ça. Et euh, je pense qu'il y a eu ce problème-là. Et j'ai quand même l'impression qu'au niveau de la com, bah, on va lui expliquer en fait que euh, le Mexique, c'est plus qu'un faire valoir en Coupe du Monde. Ouais, parce Donc, que là, moi je me plus souviens, plus je plus me plus souviens qu'en 2018, Osorio, quand il avait avant la Coupe du Monde euh, juste passé son temps à rappeler que le seul objectif, le premier, le principal objectif, c'était la Quinto Partido, c'était le cinquième match, euh, ça lui était déjà tombé dessus. Alors Martino euh, qui <laughs> fixe le niveau d'exigence encore plus bas et qui en plus a le jeu qui va avec son niveau d'exigence pour l'instant. Euh, tu disais il y a énormément de matchs, il y a la Nations League qui va qui va arriver ils ont quoi, une dizaine de matchs à jouer hein, d'ici la Coupe du Monde euh, Il y en a 11. 11, il a 11 et après Plus moi, les problèmes vraiment... de santé que tu as évoqués sur le côté, parce que j'ai ouais. vu passer quelques articles où il y, y en a qui commencent à se dire, mais attendez, euh, s'il ne peut prendre, pas prendre l'avion pour aller au Honduras, comment il va aller au Qatar euh, Voilà. Euh, ouais. Il peut vraiment rester, il peut vraiment résister jusqu'à novembre, Martino J'ai l'impression que la semaine dernière a tourné dans son sens. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a su que les... Les présidents de clubs allaient se réunir pour lui mettre un espèce d'ultimatum. Et en fait, le nom du, remplaçant, du possible remplaçant était, était déjà sorti. Donc, c'était Miguel Herrera, l'actuel coach des Tigres, <laughs> celui qui a été coach de l'América pendant des années, et celui, ouais, du, et celui qui a été coach du Mexique en 2014, euh, qui est le Mexique qui a été le plus à même, je pense, de, de passer au quinto partido, euh, en plus du Mexique de 2002, peut-être. Mais. Euh, voilà, ça reste un coach qui, euh, qui, je pense, est capable de mettre de l'ordre euh, dans une sélection ou dans une équipe, euh, quel que soit le, ce, qu est, qu est, qu est, quoi, qu'on qu pense du personnage en fait. Ouais, parce qu'au final, quoi qu'on pense du personnage, tu vois, on en souriait. Nico dit, il faut arrêter. Mine de rien, même, même, avec Tigres où tout le monde se disait, ça va, ça va, ça va voler en éclats rapidement. Euh, ça commence à fonctionner quand même. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à emmener les gens dans, son, dans, sa, dans sa locomotive. Euh, donc euh, voilà, mais pour l'instant il faut pas en parler parce que je pense que c'est pas forcément dans les, c'est plus dans les tuyaux. Euh, il, il, Miguel Herrera a été critiqué énormément parce qu'il s'est carrément exprimé dans les médias sur le, la possibilité de remplacer le Tata. Il a même remis en cause la santé du Tata et finalement ça, ça, a, mis, euh, ça a redonné un peu de crédit à Tata qui on l'a senti un peu se, se faire attaquer. Mais voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Le Mexique peut changer énormément de choses euh, d'ici à six mois. De toute façon, le Mexique ne peut pas aussi mal jouer et ne peut pas avoir des résultats aussi médiocres. Enfin, ça ne peut, ça peut pas ça, ça peut pas, Tu ne peux pas bah tomber aussi bas. Fa... De toute, bas toute façon, s'ils jouent autres. aussi mal, ils ne passeront pas à le groupe, hein, c'est clair. Voilà. Donc. Bah, Tu peux, parce que le Pologne, il me semble que ce n'est pas une équipe qui joue non plus euh, non, correctement. Fait. Non, c'est pas non. En fait, j'ai l'impression que, comme à chaque Coupe du Monde, euh, le Mexique est. Alors, en, en Europe, en France, on a tous vu hein, sur Twitter les, les prédictions, etc. Comme à chaque Coupe du Monde, le Mexique est annoncé perdant de sa poule. Il y a en 2014, c'était le Cameroun ou la Croatie. Bon, finalement, c'est deux tartes. 2018, tu ne dois pas sortir de la poule, et finalement, le Mexique sort de la poule. 2010 également, c'est l'Uruguay, la France ou l'Afrique du Sud. Et donc, ben, finalement, j'ai quand même l'impression que la poule est, est l'une des moins compliquées depuis euh, au moins 2006 pour le Mexique. Donc, euh, tout dépend de, du Mexique de ces six prochains mois. Euh, je pense que c'est très compliqué de faire des pronostics il faut plutôt oui. expliquer. Que va faire le Mexique dès le mois de juin Et en fonction de ça, moi, je te dirais quelles sont les chances du pays. Mais euh, je trouve quand même qu'on est très alarmiste. C'est euh, le seul mot que je dirais. Ok. Eh bien, écoute, on va, on va suivre ça. On va enchaîner avec euh, les deux autres, euh, les deux derniers larrons. On va les mettre un peu en parallèle parce qu'ils sont dans le même objectif. Tu as beaucoup parlé de 2026, par exemple, pour. Euh, euh, pour, euh, pour la projection qu'ont la plupart des oui. équipes de la CONCACAF. Euh, beaucoup visent 2026, on en a parlé pour le Costa Rica. Là, pour le coup, il y en a deux qui ont clairement affiché que 2026 était le principal objectif. Oui. Euh, c'est le Canada et ce sont les États-Unis, hein, vous nous voyez venir. Euh, donc, ils ont tous les deux affiché ça. Ils sont tous les deux là. J'ai envie de te dire, il y en a quand même un qui est largement plus séduisant que l'autre, peut-être parce qu'il est un peu plus âgé, et parce qu'on voit très clairement ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est le Canada. On a plus d'interrogations oui. sur, euh, sur les États-Unis. Tu, tu le vois comment, toi, pour, pour, pour ces deux équipes-là tu, tu les analyses comment leur, leur, leur parcours Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je, je commence par les États-Unis. Si ouais. Vas-y, pour, Vas faire le pour pareil, les États-Unis, parce, parce que c'est ceux où il y a le plus de débats, je pense. Parce qu'il me semble que c'est assez similaire au Mexique, dans le sens où quand même les États-Unis font une campagne assez décevante, mais que ça passe tranquille. J'ai quand même l'impression que, évidemment, que Berhalter, donc le sélectionneur, est remis en cause. Mais pour une génération euh, qu'on qu qu surnomme dorée, pour une génération qui possède des joueurs à Chelsea, au Barça, au Borussia, je trouve ça, je trouve que c'est une sélection assez décevante. Il y a la victoire en Nations League et en Concacaf, mais euh, c'était l'été dernier et il me semble que ça reste. Euh, Finalement, tu gagnes ces tournois parce que tu gagnes ces tournois sur un match unique contre le Mexique, où à chaque fois les finales de toutes ces compétitions se déroulent aux États-Unis mmh. euh, dans l'État le plus éloigné <laughs> du Mexique par moins 15. Euh, donc, euh, en fait, enfin, je veux dire, les États-Unis, finalement, c'est, je pense, l'équipe là, peut-être moins décevante que le Mexique, mais je trouve que au moins au Mexique il y a cette remise en cause qui n'existe pas forcément. Euh, la chance des États-Unis, je dirais, hein, c'est peut-être de tomber dans une poule plus abordable que le Mexique. Euh, euh, mais ça, j'en suis pas si sûr, en fait, avec le temps, quand j'y quand pense. Il me semble que l'Iran reste une sélection qui, qui est beaucoup plus joueuse ou beaucoup plus. Euh, euh, comment dire bah, Qui a plus de potentiel, en fait, finalement, que l'Arabie Saoudite. Euh, et tu as une tête de série qui est aussi très compliquée. Je ne suis pas sûr que les États-Unis se rendent compte qu'ils sont quand même dans une. faudra quand même batailler contre l'Iran et contre le potentiel européen qui va arriver, qui peut-être. L'Ukraine, ou si c'est le pays légal, moi je ne mets pas forcément les États-Unis favoris. Donc euh, c'est assez, euh, assez décevant les États-Unis, même s'il y a des joueurs euh, frissons euh, dans l'équipe. Et j'ai l'impression qu'on va beaucoup moins euh, chambouler tout, contrairement au Mexique. Donc tu vas quand même arriver avec une sélection qui a des très belles individualités, qui a un collectif où je trouve qu'il y a quand même une défense qui, qui fonctionne, mais, euh, mais tu sais pas trop où ça va. Et j'ai l'impression qu'aux aux États-Unis, en fait, on attend que les jeunes joueurs partent en Europe, qu'ils explosent, et que du coup, une fois de retour en sélection, bah, ils aient le niveau qu'on attend d'eux de par leur statut euh, de joueur euh, européen. c'est vrai Donc, que voilà. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Il y a ce côté. -là, ouais, il a ce côté euh, bah, on peut on peut citer par exemple Pulisic ou Dest quand ils jouent ou, euh, ou Weston McKinney, mais. Il y a aussi le souci euh, qui est posé par Berhalter, c'est qu'en fait, ces États-Unis-là, on ne sait pas comment ils jouent en fait. Euh, tactiquement, on ne sait pas d'un match à l'autre. Tu parlais du match référence tout à l'heure du Costa Rica face aux États-Unis, mais d'un autre côté, a si on match. le regarde sur ah, le côté oui. américain, c'est encore un match complètement raté par les Américains qui euh, trois jours avant ont roulé sur Panama, euh, qui ont été très très bons la, euh, contre le Mexique euh, à l'Azteca. Euh, mais d'un match à l'autre, et même parfois d'une mi-temps à l'autre, on les reconnaît pas. Les, les États-Unis se sont fait rouler dessus par le Canada. Euh, et ils ont, ils ont euh, à l'Azteca ils sont très bons face au Mexique donc tu vois il y a aussi ça on sait pas trop il y a des joueurs on ne sait pas trop quel poste on, euh, ils veut les faire jouer euh, on a, on a du mal à voir alors après les joueurs, ouais. après les la différence peut-être avec euh, le Mexique oui. c'est qu'ils sont extrêmement jeunes euh, pour beaucoup euh, et ils s'en remettent à des pépites tu vois euh, je sais pas euh, Boussio il a 19 ans euh, Ricardo Pepi qui pourrait être l'avant-centre parce qu'ils ont un souci d'avant-centre savent pas qui mettre mais il a 19 ans aussi oui. Euh, Dest, il, il, a, il a quoi il a 21 entre... ans Ou ah, il a 22 ans Un truc comme ça. Donc, c'est ouais, très jeune, quand même. Oui, c'est ça. C'est très jeune. Euh, c'est très jeune. Donc, vraiment, il y a des joueurs euh, qui font plaisir à avoir joué. Et c'est quand même des joueurs qui, quand tu regardes les clubs dans lesquels ils jouent, euh, ah, oui. il y a de quoi se dire que c'est vraiment une, une sélection euh, dangereuse. Mais comme tu dis, il y a un problème d'attaquant. Euh, un coup, c'est euh, Ricardo Pepi qui joue, euh, de 19 ans donc. Mais un coup, c'est euh, Zardes, un vieux de la vieille, qui est euh, titularisé. Euh, et. Qui, euh, qui voilà qui n'aura jamais euh, vraiment euh, confirmé son, son statut d'attaquant de, de la sélection. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même solide en défense mine de rien où il y a quand même un peu plus d'expérience même si on ne trouve pas forcément des joueurs euh, dans des grandes sélections. Je pense à Miles Robinson, euh, Long, euh, Zimmerman qui euh, jouent presque. Euh, bah, ils jouent tous aux États-Unis en fait. Ouais. Euh, donc euh, mais euh, finalement c'est euh, sur les joueurs euh, sur ces joueurs là que que c'est assez euh, que c'est assez solide. Donc finalement, comme tu le dis, et finalement c'est un peu comme, comme pour le Mexique, je veux dire, le Mexique, si, si je reviens vite, faire une petite phrase, si c'est la, la Coupe du Monde où finalement le résultat importe moins que, que le processus. Et ben Pour les États-Unis, ça va être ça aussi, euh, même si évidemment tu as envie d'aller loin, tu as envie de faire un huitième ou un quart, euh, et que tu te dis que la poule, elle est largement abordable, donc je rappelle la poule Angleterre-Iran. Euh, et ensuite une équipe européenne qui sera repêchée, donc Pays de Galles, Ukraine ou Écosse, où tu dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais, euh, mais en réalité, ce qui compte, c'est que ces joueurs euh, acquièrent de l'expérience, ouais. et que euh, pour 2026, à la maison, tu te retrouves avec une sélection euh, compétitive pour euh, un peu plus briller. C'est exactement ça. On attend des États-Unis qui sont bons en 2026. On va quand même rappeler que pas mal de joueurs de cette, de cette sélection qui sont jeunes, donc... Ont quand même eu des perfs en U20. Alors, il y a eu l'échec pour la qualif aux Jeux Olympiques, puisqu'ils se sont fait taper euh, par le Honduras. Honduras. Qui... <laughs> voilà, au terme d'un match, mais euh, voilà. Je sais pas si tu as vu le match, mais euh, bon, Je ils se prennent deux contre et derrière, ils font n'importe quoi. Mais bon, bref, ouais. ils se sont fait taper par le Honduras. Ils ne sont pas allés à Tokyo. Mais par contre, plusieurs joueurs de cette, généras... de, de cette équipe-là, quand ils étaient U20, ils sont quart de finaliste mondiaux. C'était en 2015, en 2017 et en 2019. Ils sont toujours allés en quart de finale de les... des Coupes du Monde de ces catégories, ce qui veut dire que voilà, il y a quand même un réservoir intéressant sur cette, sur cette nouvelle génération américaine, mais on est d'accord, elle est taillée pour 2026. Et justement, c'est le parallèle qu'on va faire avec le Canada. Canada qui aussi, normalement, va venir à cette Coupe du Monde-là. Alors, c'est un peu une récompense. On y voit une récompense. On se dit, le Canada arrive pour apprendre en vue de 2026. Mais au final, ce que l'on en ressort, c'est que c'est peut-être l'une des équipes qui a été la plus régulière et la plus... Je, vais, je sais pas si impressionnant, c'est. Faut, faut toujours faire attention avec les mots, mais la plus oui. intéressante dans le jeu sur ces, cette campagne d'éliminatoire. Oui, c'est la, la plus intéressante, dans le jeu, même si je trouve que sur certains matchs, il y a pas mal de d'éléments favorables qui sont arrivés, euh, qui ont permis au, au Canada d'être là où ils sont. Mais il y a aussi surtout un énorme travail. Euh, enfin, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été, enfin, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens qui ont été mis pour que le Canada arrive euh, en 2022 pour organiser l'expérience pour 2026. Alors ils, pour l'instant, ils sont carrément dans les clous, euh, Ils sont carré... mais même plus que dans les clous, puisqu'ils ont terminé premier de cette phase de qualification. Euh, comme tu dis, impressionnant, c'est quand même difficile à dire. Ouais. Ils tapent le Mexique au meilleur moment, c'est-à-dire au mois d'octobre, où le Puis Mexique est, moins 15. Est, est, est complètement dégueulasse. Et Ils, ils ont déplacé tous leurs matchs. Voilà, c'est que la plupart de leurs matchs euh, se sont déroulés euh, euh, dans les villes les plus euh, polaires, on va dire. Euh, ça a été très dur. Enfin, je me souviens que c'est la meilleure équipe à domicile. Hein. Euh, ils ont battu à peu près euh, tout le monde euh, à la maison. La chaîne, on regarder. Canada-Jamaïque, euh, c'était la semaine dernière. Il faisait moins 15, bah, 4-0. Euh, quand et je dis moins 15, c'est pas une exagération. Il hein. vraiment moins 15. Ah oui, oui, c'est vraiment euh, moins 15. Voilà. Euh, Canada-États-Unis, pareil. Alors là, c'était un super match. Ils ont vraiment bien joué contre les États-Unis. Euh, Canada-Mexique, c'était un bon match. Pareil, ils devaient faire moins moins 19, il me semble, sur ce match-là. voilà, c'est mais ils jouent avec leur ils jouent avec leur avec leur force. Hein. C'est comme voilà, c'est comme, comme on va la pas qui joue la critiquer passe. la Bolivie de jouer à la passe, complètement. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, du coup, c'est quand même l'équipe la plus cohérente en termes de collectif. On découvre des joueurs qui ont vraiment affiché un, un super niveau. Moi, je pense surtout à Jonathan Osorio qui joue à Toronto, d'ailleurs. Euh, Kaylerin qui finit meilleur buteur de, de, des éliminatoires alors qu'on pensait que plutôt à un Jonathan David euh, donc euh, voilà c est, c est, euh, Buchanan aussi. John Buchanan John Buchanan euh, oui, c'est vraiment je pense la révélation enfin, ouais. si on, on, savait, on savait un petit peu hein, mais euh, c'est vraiment l'une des bah, on de l'avait la vu très bon en MLS oui ouais, ouais. euh, donc voilà ça, ça reste l'équipe la plus cohérente qui est le plus en avance euh, quand, quand on parle d'être dans les clous euh, parce que si on revient vite fait aux États-Unis, euh, moi je me dis parfois qu'il faudra peut-être réfléchir à qui dirige cette équipe pour faire jouer des jeunes. Bah, au Canada, on parle quand même d'un sélectionneur qui a déjà une expérience en Coupe du Monde, mais avec les femmes. Euh, John Herman, qui avait été sélectionneur de l'équipe féminine euh, en Coupe du Monde, et euh, qui euh, visiblement sait bien faire jouer les jeunes, et euh, qui a donc du coup développé euh, le meilleur jeu de ses éliminatoires. Finalement, ils finissent avec le même nombre de points que le Mexique. Donc, euh, donc euh, voilà, avec 28 points et euh, malheureusement j'ai envie de dire, la poule me semble quand même un peu compliquée, même si elle est très homogène, mais elle me semble, elle me semble quand même assez compliquée donc si on rappelle, la poule euh, du Canada c'est euh, Belgique, c'est Maroc, et c'est euh, Croatie, Croatie. Ouais. donc il faudra espérer une victoire contre le Maroc, je pense sinon tu passes jamais, et il faudra espérer que la Croatie finalement, ce soit, ce soit bien l'équipe de, de vieux briscards qui, dont, mmh. dont on n'attend plus rien Ouais. Mais euh, voilà, on est là pour emmagasiner de l'expérience. Je trouve que c'est une très belle poule euh, ouais. en okay. termes de jeu ou en termes de révélation. Je pense que moi, j'ai envie de me poser devant un Canada-Maroc, j'ai envie de me poser devant un, devant un Canada-Croatie. Euh, voilà. Et euh, une victoire euh, sera suffisante à leur bonheur, je pense, parce qu'honnêtement, euh, elle est compliquée. Plus, euh, bah. Pourquoi pas rêver plus? Et surtout ce qui compte, comme on a dit, c'est 2026. Exactement. Et euh, tu parlais de John Herdman, voilà, Nostromo dans le chat qui a. Il nous dit qu'il faut le féliciter puisqu'il a parfaitement réussi la transition entre les féminines et les masculins, exactement. Euh, oui, oui, moins 15, c'est la température en été, hein, nous, dit, nous dit Chad dans le chat. Les Américains ont fait pire, hein. ils, ont, ils ont reçu, euh, c'était le Honduras, je crois, avec des conditions où normalement la Fédération américaine interdit de jouer. Il y a eu deux joueurs confinés à l'hôpital euh, côté hondurien. Enfin, c'était absolument incroyable ces éliminatoires nord-américains. Euh, et Gringo nous dit que pour lui, le Canada sera la surprise de cette Coupe du Monde. On verra. Il va, il va y avoir aussi la gestion émotionnelle. Euh, on, va, on, va, on va transiter vers le sud. Et justement, ça fera la transition parce que le Canada est de retour en Coupe du Monde après 36 ans d'attente. Il va falloir gérer ça aussi émotionnellement parlant, de jouer une Coupe du Monde face à des équipes qui, on parle de la Belgique, on parle de la Croatie, même le Maroc qui commence à avoir une belle expérience, sont habitués à jouer ces phases finales et qui donc savent gérer ces événements. Oui, parce que finalement, après cette... Euh... Après ce, ce constat-là qu'on a fait sur le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica et le Canada, quelle est l'équipe qui a le plus de chances de, de jouer le huitièmes enfin, Finalement, on en revient toujours à, à ah, la oui. même chose, c'est l'expérience, mmh. l'expérience qu'au bout du monde. Voilà, mais euh, tu peux très bien te retrouver aussi avec trois euh, trois Concacaf en, en e comme zéro. Enfin, voilà. Ouais, exactement. Bah voilà, voilà pour la pour la Concacaf. Euh, très intéressante hein, cette zone et justement très intéressante aussi pour la perspective 2026 et vous le voyez avec des constructions qui ne sont pas forcément encore au même état d'avancement mais qui, justement, euh, mérite d'être vraiment regardé avec attention. Il euh, y a pas mal de sélections dans cette zone. Ça bouge pas mal, franchement, ça bouge pas mal, parce que même Panama qui n'est pas passé, il y a eu des choses extrêmement intéressantes durant la campagne. Donc, euh, voilà, surveillez bien la CONCACAF, et surtout, bah, voilà, j'en profite parce que Diego est là, mais euh, arrêtez de dénigrer cette zone. Euh, venez la voir et vous allez voir que c'est quand même assez, euh, assez solide. C'est la troisième zone, la troisième zone euh, continentale, enfin, c'est le troisième continent en termes de résultats en Coupe du Monde. Et voilà. oh, puis, puis même juste arrêter de critiquer des zones, quoi. Aussi. Quelles qu'elles soient. <laughs> c'est <laughs> pas mal. Et quelle soit, en fait. C'est pas mal. Mais c'est vrai que, par exemple, mal. Diego parlait à l'instant des moyens. C'est une zone où euh, on. Là, on vient de parler des États-Unis et du Canada. Très franchement, on peut même parler du Mexique. Il y a des moyens, et euh, États-Unis et Canada le montrent. Ils ont mis les moyens. C'est pareil. Euh, on en profite qu'on conclut là-dessus. Euh, arrêter de voir la MLS comme un, un championnat en développement. C'est bon, hein. il est développé le championnat. <laughs> Faut arrêter. C'est plus un championnat émergent. La MLS, elle est installée. Regardez les, les politiques de recrutement. On en parlera un autre jour, mais voilà. Arrêtez de voir cette zone comme une zone en développement. Euh, très clairement, elle ne l'est pas. Elle est développée et euh, elle se prépare très fort pour 2026, où elle risque d'être assez redoutable parce que ils seront chacun sur leurs conditions à eux, sur leur sol. Euh, quand vous allez devoir jouer les Mexicains à l'Azteca, bon courage hein, <laughs> en 2026. <laughs> Donc voilà, on va, on, on va enchaîner avec la Conmebol, On parlait euh, 36 ans d'attente. Euh, ben justement, une équipe qui a mis fin à 36 ans, on va, on va voir si elle, euh, elle enchaînera une deuxième Coupe du Monde. Euh, C'est le Pérou de Romain. Euh, salut Romain. Je sais pas s'il est là. On l'a perdu ouais, Il parti sur ouais. un ceviche, quoi. Il disait ah, sur Discord qu'il ne t'entendait pas, qu'il entendait tout le monde à part toi, Nico. Il ne m'entend ah. pas. Euh... Mais nous, on ne t'entend pas, de Romain, non Alors, plus. Attends, je vais changer ça et on va voir s'il m'entend. Est-ce que tu est m'entends, Romain En fait, je n'entends pas le... le Big Boss. Est-ce que tu m'entends Je t'entends Nico et Diego, mais pas... Donc nous on l'entend, a priori, Nico, sauf toi. Non, et moi je l'entends pas non plus. Moi je l'entends, hein, Romain. Ah, bah, lui ne t'entend pas. Et eh bien bah, écoute, je vais te laisser euh, oh, voir avec lui. Ça va pas être facile. Si, si <laughs> c'est Nico qui va gérer, je te laisse gérer Nico. Ah, mais, ok, bah, si, si, si <laughs> tout le monde l'entend, c'est l'essentiel. Euh, toi on s'en fiche un peu. <rire> et <rire> et donc euh, <laughs> on, va faire, on va faire comme pour, euh, pour l'Asie. Et euh... Et donc, euh, quelles sont, quelles ont été les, les, les réactions au Pérou euh, suite à cette qualification et, et avant ce barrage bah, euh, bah déjà pour le euh, bon, pour le Pérou vu qu'il forcément il y a le bah, il y a le barrage avant, euh, bah, ça fait bizarre comme sensation parce qu'évidemment avec l'affichage des, des groupes, le tirage au sort, bah, on, on, on se sent euh, on se sent mondial forcément, mais c'est un peu comme une pub pour le loto tu sais. C euh, et si c'était vous en fait à qui hein. Du coup, on n'est pas encore sûr euh, euh, d'y aller, donc c'est dur de, de se projeter. Euh, bah, la, la fédération n'a même pas communiqué dessus, par exemple. Il euh, n'y a, a rien qui est sorti sur un, voilà, les probables adversaires euh, du Pérou. Euh, bah, ils se focalisent sur, sur les barrages. Euh, là, il y a le gérant de la sélection et le chef de presse qui sont allés au Qatar pour euh, repérer euh, les, les stades pour, euh, pour les barrages. Mais euh, voilà, il n'y a, y a rien de plus. Quoi. Ouais, eh ben, tu, tu dis qu'au Pérou... Euh... En tout cas, les médias officiels euh, ne, ne communiquent pas trop là-dessus. Euh, la Comenbol, quand même, euh, communique là-dessus hein, sur les affichages. Il euh, y a bien, il bien le représentation, enfin le, le représentant oui. bon, pardon du, du Pérou, euh, sur, sur tous les habillages qui ont été faits. Et c'est plutôt rigolo de, de, de voir que pour eux, ben fin, finalement, la qualif euh, est proche. Oui, bah oui, 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 Déjà au moins, ça va. On est, on est, on est quand même, On se sent un petit peu inclus. Euh, on est soutenu par la par la fédération, donc tant mieux. Euh, mais euh, bon, après, euh, c'est vrai que dans les médias, euh, les médias n'en parlent, parlent pas trop, euh, mais après, au niveau de la population, en fait, il y, euh, y a surtout deux sentiments en fait, qui, se, qui se dégagent euh, quand on voit le groupe. On va dire, bon, on va parler au conditionnel, euh, ça va être un peu difficile jusqu'à juin, mais bon, on va faire avec. Mais euh, voilà, donc, bah, dans le groupe, on a, on a la France et le, et le Danemark, euh, donc forcément, il y a, y a quand même un sentiment aussi de. De revanche par rapport à 2018, euh, parce avec la France, parce qu'on a vu en 2018 que le Pérou a presque fait jeu égal euh, avec la France et a donné pas mal de, pas mal de, de soucis à, à Deschamps. Euh, et le Danemark, forcément, avec le, le penalty raté de, de Christian Cueva euh, je crois que là, ça va être. C'est vraiment le Pérou-Danemark, ça va être. <laughs> oui, mais il en a raté aussi depuis. Hein. <laughs> <laughs> il en a raté d'autres, mais bon, c'est vrai qu'il a, un... bah, a fait un énorme, énorme boulot pendant ses qualifications. En fait, euh, c'était le joueur clé en fait, du, du Pérou. Donc, pour le coup, il est, il est à moitié pardonné, on va dire. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est vrai que s'il y a un Pérou-Danemark, euh, ça va être le feu. C'est un gros, gros sentiment de, de revanche. Euh, mais après, à côté de ça, c'est vrai que. Euh, il y a quand même une partie de la population, je pense, qui est un peu déçue de retrouver les mêmes têtes, en fait. Comme, comme l'avait dit Antoine, c'est le, le déjà-vu, euh, et c'est vrai que quand, quand on va à un mondial, on a envie de, un peu de, de matchs inédits, euh, ce qui va être le cas d'ailleurs contre la, contre la Tunisie, par exemple, euh, ce Pérou-Tunisie, ça, ça sera vraiment euh, inédit. Donc euh, voilà en gros les deux, les deux gros sentiments qui se, qui se dégagent, quoi. Et il y, y a aussi une question autour de ce, de ce barrage qui, qui fait débat et qui ne, qui ne plaît pas trop au, au pays. Et oui, parce que euh, bah déjà le, faire le barrage en juin euh, au Qatar, alors qu'on avait déplacé euh, bah, toute la Coupe du Monde au, sur les mois de novembre-décembre, euh, bon, bah là, ça va être les barragistes qui vont se payer la, la chaleur euh, étouffante. Euh, et puis il y a le fait aussi qu'on va, va jouer aussi contre, euh, bah, en, dans la confédération asiatique, contre un, contre un Asiatique, donc que ce soit les Émirats ou l'Australie. Donc voilà, bon, c'est un peu ce qui ressort euh, au, au Pérou. Donc après, est-ce que ça va vraiment jouer? Euh, par contre, je pense qu'il peut jouer, c'est vu que c'est un match sec. Euh, forcément ça ne sera pas comme bah, comme l'a dit Antoine avec les... quand on a bien accueilli nos, nos chers euh, néo-zélandais euh... <laughs> là on ne pourra plus le faire <laughs> on ne pourra pas envoyer le feu d'artifice et les avions de chasse sur les hôtels des adversaires donc euh... bon <laughs> mais bon, bon quand même on arrive à gagner sans ça quand même on verra ouais, donc vous n'êtes quand même pas trop mal confiant sur, euh, sur, sur cette calife et sur, sur ce barrage qui euh... Qui euh, vous offre un adversaire a priori à, à votre portée. On, on, on sent la, le Peru quand même euh, solide, voire même plus solide euh, peut-être qu'en 2018. Oui, forcément, il y, y a un coup à jouer. Même si euh, je le répète encore, c'est un match sec. Tout, tout peut se passer. Peut-être qu'au dernier moment, ils seront un petit peu, euh, ils auront les jambes qui tremblent, euh, les joueurs. Donc, euh, on ne sait pas, mais après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a quand même euh, une expérience aussi du, du groupe, il y a un collectif qui est fort, et je pense que là, euh, Ricardo Gareca va, va commencer à créer une bulle, euh, et ils vont, ils vont partir en mission pour se qualifier euh, pour la deuxième euh, la deuxième coupe du monde d'affilée. Donc, ça serait une super performance, rien que de Ricardo Gareca, c'est un travail énorme, rien que là de se qualifier au barrage, euh, c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Il faudrait faire une émission spéciale sur les sélectionneurs argentins qui qualifient euh, <laughs> les, les, le tiers des participants au mondial quand même. <laughs> Exactement, ouais, on, pourra les, on pourra les remercier quand même, ces argentins un petit peu. <laughs> ouais, ouais, donc on, on aura la... On, a... <laughs> la seule on chance ont ont aura... C'est moche ça, Nico. C'est moche. <laughs> J'ai pas entendu, donc... j'entends pas. C'est ah, de... ouais, le, moyen... le seul moyen quand les argentins pour essayer de la gagner. Ah ouais, bon, après mais avec le je... Pérou je suis pas sûr <laughs> ouais non mais déjà ça serait un bel exploit de, de, de qualifier le Pérou euh, pour deux éditions consécutives pour, pour le Tigre ça, ça, ça serait quand même costaud donc on, on aura la réponse en juin pour voir si euh, si euh... Oui. Attends, je regarde le chat en même temps mais j'ai du mal attends donc il y a Nostromo qui, qui te demande est-ce que le parcours du Pérou peut conditionner l'avenir de Gareca à la tête du Pérou bah, je pense, bah, après, de toute façon, il a son, son contrat qui, euh, qui court jusqu'à la, la fin de l'année, 2022, donc euh, pour après le mondial. Et euh, forcément, oui, un, un beau parcours, ça peut, être, euh, bah, ça, ça peut le faire prolonger. Et, mais après, de toute façon, il n'y aura pas vraiment de déception. Il n'y aura, aura pas un mauvais parcours du Pérou. Parce que déjà, le fait d'être au mondial, c'est une belle. Euh, voilà, quoi, c'est beau. Donc euh, après, je pense qu'ils ne feront pas non plus un parcours catastrophique. Je ne sais pas si, même s'ils ne passent pas les, 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 les groupes, euh, euh, s'ils arrivent à décrocher une victoire, euh, bon, voilà, ils se contenteront de ça, ouais. même si forcément l'objectif, ça reste quand même les huitièmes. M même s'ils euh, si ne passent pas le barrage Non, là, bon, par contre, ça, ça serait décevant. Et là, oui, on pourra se poser la question sur, sur la continuité de Garica, même si forcément, on sait très bien que ce ne sera pas de sa faute. Hein. Lui, il a, il a déjà beaucoup œuvré pour, pour le football péruvien. Ouais. Et il euh, y, y a débat aussi au pays euh, par rapport au, au prix, par rapport euh, pour le peuple péruvien, justement, pour euh, poursuivre pour cette compète Je pense, oui, que ça va être, euh, ça va être très, très difficile. Euh, bah, je sais pas, on a, on, a, on a vu passer des, des messages rien que de, de supporters français qui avaient, qui avaient du mal par rapport au prix, donc on imagine dans, dans, dans les autres pays. Et au Pérou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de gens euh, qui sont allés en Russie. Pour le mondial en 2018, et qui ont carrément enfin, vendu leur voiture, vendu leur maison euh, pour pouvoir y aller. Donc là, un deuxième mondial de suite, pour le coup, ce n'est pas un cadeau euh, pour, les, pour les supporters qui veulent se déplacer. Ils sont Donc, pas habitués. Euh, ouais, bah ouais c'est ça ça. Euh, ça. ça risque d'être un peu, un peu cher, même s'il si y aura des Péruviens, forcément. Euh. Ils seront là. Il ouais, y, y aura du rouge et blanc. On et, espère. Euh... Et, et, et justement, on, on parlait d'entraîneurs de, argentins qui, euh, qui brillent avec leur sélection en, en, en Amérique du Sud. Euh, on, va, on va changer peut-être de, de pays avec euh, ce qui pourrait être, selon, selon beaucoup de suiveurs sud-américains, une, une belle surprise euh, dans, ce, dans ce mondial euh, avec l'Équateur Nico qui, euh, qui fait quand même du très très bon boulot. Quoi. Ouais, qui fait du très très bon boulot. Euh, voilà, on est en train de remonter au classement. <laughs> Ils se sont fait doubler sur la dernière journée euh, par de terribles Uruguayens. Je le vois, l'autre qui sourit là-haut là. -haut, là. <laughs> le poids levé. Non, mais effectivement, euh, c'est euh, euh, probablement l'équipe. Euh... Je vais faire un parallèle un petit peu avec euh, 2026 qu'on a pas mal évoqué pour la CONCACAF. C'est peut-être l'équipe qu'on attend un petit peu plus du côté de 2026, l'Équateur. Euh, pas parce qu'ils accueilleront la Coupe du Monde, ça vous l'avez bien compris, mais, euh, mais parce qu'ils sont encore extrêmement jeunes. C'était, euh, Il faut le rappeler, c'était l'équipe la plus jeune de la campagne éliminatoire euh, de la zone sud-américaine, euh, qui a longtemps été troisième, euh, qui, a, on peut dire les choses aussi clairement, n'a jamais été en danger euh, pour la qualif. Euh, ça n'a jamais hésité. Les scénarios de fin de, de fin de campagne, ils pouvaient même se qualifier en perdant tous leurs matchs. Donc, euh, ouais. donc voilà c'est l'équipe la plus jeune c'est une équipe qui s'appuie sur une enfin on peut donner quelques exemples hein. Pierrot capier qui est défenseur central il a 20 ans il est titulaire de la sélection et, euh, et quand je disais 25 ans de moyenne d'âge c'est quand euh, on met Hernan Galindez dans les buts hein, qui, a, qui en a 35 donc <laughs> si on commence à mettre moïse Ramírez, qui a 21 ans euh, blam on descend encore un peu plus il y a quelques anciens mais il y a surtout une jeune génération et puis après c'est pas à vous que je vais l'apprendre messieurs c'est euh, une dynamique euh, général au niveau, du, au niveau du, du pays, on le voit au niveau des clubs. Euh, les équatoriens sont à peu près les seuls qui, pour l'instant, résistent, euh, enfin résistent, font des parcours continentaux euh, derrière les argentins et, et, et les brésiliens qui sont intouchables. Mais les équatoriens, avec zéro moyen euh, comparé aux autres, euh, font des parcours. Barcelona était en demi-finale de la dernière Libertadores, euh, Independiente del Valle a gagné la Sudamericana en 2019. Ils étaient en finale de la Libertadores en 2016. Et euh, voilà, cette école-là, on la connaît. Euh, ceux qui suivent Lucarno-Posé ont l'habitude de suivre cette, cette, cette école-là euh, équatorienne. Euh, euh, savent que enfin, euh, cette équipe-là, elle s'est bâtie notamment grâce aux politiques qui ont été menées chez les jeunes. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'ils sont dans le groupe A, le groupe du Qatar. Et c'est un modèle pour eux, le Qatar, avec la Spire Academy. Euh, ça a pas mal inspiré une euh, des Valle par exemple. Il y a des liens entre les euh, entre le club et la Spire Academy. Donc c'est un peu la Spire ICO, hein, le, le match. <laughs> le match, euh, voilà. Alors évidemment, euh, on va voir, on va monter d'un cran après quand on va arriver à l'Uruguay, quand on va arriver à l'Argentine, quand on arrive au Brésil. On est sur les géants traditionnels. On parlait tout à l'heure d'expérience, euh, d'expérience mondiale là. Euh, quand on va commencer, déjà rien que quand on va arriver sur l'Uruguay, euh, bon voilà. <laughs> Euh, on va rentrer, on va passer sur une autre dimension. On ne va jamais dire que l'Équateur sera champion du monde. Il hein. ne faut, faut pas abuser non plus. Euh, on va juste quand même rappeler que, parce qu'on l'a vu, je l'ai beaucoup vu, euh, oh, l'Équateur, c'est une surprise, c'est une surprise. Euh, c'est leur quatrième Coupe du monde au 21e siècle. Euh, C'est-à-dire que c'est Colombie plus Chili en termes de participation aux phases finales. <laughs> Non mais il faut le dire, fait... il y a un moment où il faut non, aussi rappeler... On peut envoyer l'extrait à Pierre. Non, non, on, mais, on, fait... peut on peut tacler les Chiliens donc, c'est bien. Bah, écoute, <laughs> euh, voilà, c'est-à-dire que c'est deux fois la Colombie, deux fois le Chili. Euh, sur les six dernières Coupes du Monde, ils en ont fait quatre. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut dire. Avec un pays qui est clairement pas connu pour être un pays qui a des moyens disproportionnés, et qui a un pouvoir d'attractivité financier pour développer son championnat fou on va pas se mentir euh, Jérôme tu connais bien le contexte uruguayen euh, qui est pas élevé en termes de budget pour attirer des joueurs ou des choses comme ça ou même pour les retenir l'équateur c'est encore pire hein. donc euh, voilà c'est non l'indépendantité euh, d'El Valle c'est un budget de 6 millions d'euros voilà euh, Peñarol National c'est quoi c'est 20 c'est ça à peu près hein. Un petit vin, ouais, voilà. Petit 20. On est à 6 pour Independiente de la Vaillée. Je ne sais pas si vous mesurez le truc quand tu joues Flamengo qui a un budget à 4... À, je ne sais plus, ils sont à 200, je crois. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de moyens. Mais comme on disait euh, dans les années 70 pour les plus vieux, il y a des idées. Et les idées sont, idées sont très très bien développées. Euh, on va voir ce que peut faire cet équateur-là dans le groupe A. Euh, mais vraiment, gardez en tête que c'est tout sauf une surprise de les voir à la Coupe du Monde. Et c'est plutôt euh, essayer de les voir sur une... Euh, une comme une, une curiosité, et en, comme États-Unis et, et Canada, en vous projetant sur ce que cela peut donner dans 4 ans, quand ces gars-là, euh, quand c'est Incapier 20 ans, quand c'est euh, Diego Palacios 22 ans, Byron Castillo 23 ans, euh, euh, Poroso 21 ans, enfin euh, voilà, Gonzalo Plata 21 ans, enfin c'est des U23 hein, l'équateur hein, pour, pour les, 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 la plupart, quand ils commenceront à être à, à, à maturité, Moïse Caicedo Sky aussi, enfin voilà. Projetez-vous, on va voir comment ils vont apprendre. Et en plus, ils ont leur chance dans ce groupe. Euh, donc voilà, à suivre avec attention euh, cet équateur. Et, et, et co comment ça, ça, ça a été perçu euh, en Équateur, le fait de, de, de voir ben, le, le match un petit peu phare euh, pour se montrer, pour, euh, pour un match de prestige euh, qui leur passe un petit peu sous le nez avec ce match d'ouverture qui a été euh, déprogrammé du coup ah ben C'est carrément ça, c'est-à-dire qu'au le, 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 moment du tirage, ils sont hyper heureux d'être euh, face au Qatar match d'ouverture, donc euh, vitrine mondiale absolue, parce que match d'ouverture, on sait à quel point c'est suivi dans le monde. Et puis ça a été déprogrammé pour Sénégal-Pays-Bas. Ils sont juste furax. Euh, ils, sont, ils sont vraiment furieux par rapport à ça. Euh, ça crie au grand complot, ça crie aux, aux magouilles commerciales de la FIFA. Enfin, voilà, voilà. Euh, c'est vrai que, voilà, j'évoquais je, je, à l'instant la notion de euh, c'est une curiosité. Regardez bien cet Équateur-là avec un œil curieux, un regard sur l'avenir. Ils n'auront pas cette vitrine du premier match parce que, très clairement, on va, ne on va pas se mentir, je pense que le Qatar-Équateur qui va arriver après le match d'ouverture sera moins suivi. Euh, c'est une, une certitude, donc euh, voilà. Ils sont, ils sont juste ouais, euh, vraiment, vraiment furieux, ouais. Et, et, et du coup, ils, ils ont la possibilité quand même de, de, de faire un, un parcours, ce, que, ce qui serait déjà une réussite pour eux euh, au-delà de sortir de la poule euh, parce que ça sera déjà un petit peu chaud. Mais, euh, mais, mais, mais c'est quoi ils ont, Il y a un objectif réel qui est, qui est fixé par, euh, par la FEDE il n'y a pas vraiment d'objectif qui a été fixé en termes de performance. Euh, après, on, on a vu ce qu'ils ont donné sur la zone, sur la zone Conmebol. On a vu qu'ils étaient performants. On les a vus bouger le Brésil, mais vraiment bouger le Brésil. Ils auraient dû battre le Brésil s'il y avait eu un, un bon arbitrage. Faut dire les choses clairement aussi. Euh, ils ont bien bougé l'Argentine, même si c'était le dernier match, donc c'est un contexte différent. Ils ont mis un carton à l'Uruguay, ils ont mis un carton à la, à la Colombie. Euh, ils ont été très solides. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Carton à l'Uruguay. Bah, 4-2, non Oui, mais il y a aussi le 1-0 au retour pour l'Uruguay. 1-0. Au... Oui. oui. Hum. Okay. Carton <laughs> me crée un peu fort. C'est la seule chose que je dis. Je dis juste Son... ça. Il bah, n'y a, mis... a que deux équipes qui ont mis 4 buts à l'Uruguay. Oui, avec le Brésil, mais, mais encore une fois, c'était juste, je ne reviens pas sur le score, c'était juste l'expression carton qui me paraissait forte pour un 4-2-0-1, enfin hein, un 0 dans l'autre sens. Bref, je te laisse euh, développer. C'est <laughs> <cordes sensibles, rire> regarde. <rire> Tout à l'heure, je vais le brancher sur les deux matchs sur et chili tu vas voir. Pas bah surtout sur l'allée. Euh, non, non, mais voilà. Donc voilà, non. Il euh, y a pas, il a pas de véritable objectif. Euh, on va quand même rappeler qu'ils étaient en, euh, bon. Ils ont franchi la phase de groupe des trois dernières Copa Américains, même s'ils ont du mal à gagner les matchs en, en, en groupe. Euh, on va rappeler qu'ils, ils ont fait, euh, ils ont fait match nul face aux Bleus à la dernière Coupe du Monde, si j'ai bonne mémoire, en, ont à laquelle ils ont participé. C'était 2014. Euh, qu'ils avaient perdu de, de peu face à la Suisse alors qu'ils menaient au score et qu'ils avaient battu le Honduras. Évidemment, on pense qu'ils vont être derrière les Pays-Bas, mais après, c'est ouvert. C'est un, un peu un groupe. Je pense que Jérôme dira à peu près pareil c'est un groupe où il n'y a qu'un seul européen. Et donc, à partir du moment où il n'y a qu'un seul européen, ça ouvre un petit peu plus les perspectives euh, pour les autres nations. Euh, donc, euh, voilà, euh, on, on va voir. Euh, on ne va pas en faire un champion du monde, il ne faut pas abuser, mais euh, ça serait déjà pas mal de les voir en huitième de finale. Et on les attend surtout pour 2026. Ouais. Bah, bah, tu tu, tu m'as lancé la transition, on va, on va enchaîner avec, avec l'ami Jérôme. Et, et, et donc, son, son Uruguay qui, qui s'est longtemps fait un petit peu peur en devant batailler avec bon nombre de sélections, qui a fini par virer le Maestro Tabares et euh, qui finalement bah, se, se qualifie tranquillement avec une troisième place et qui, euh, qui hérite du groupe H. Oui, alors sur la qualification, il y a le, le, le tranquillement est vraiment en trompe-l'œil parce qu'en effet, il y a eu des, des vagues successives pendant les éliminatoires où ça ne s'est pas trop trop mal passé au début. Jusqu'à mi-éliminatoire, l'Uruguay était qualifié assez tranquillement et puis il y a eu, suite au changement à cause du Covid, une série de matchs compliqués qui ont fait qu'en effet, Tabarès a été viré euh, après 15 ans. Donc ça fait quand même un bail euh, à la tête de la sélection. Il y avait d'autres choses qui étaient un peu cassées dans le processus. Donc c'était une évolution qui... voilà C'était quelque chose qui devait être fait, euh, qu'on qu soit d'accord ou pas. Euh, Diego Alonso a été nommé euh, alors qu'il restait 4 matchs et que l'Uruguay devait en gagner 3, grosso modo. C'est-à-dire on savait quand il était nommé que si l'Uruguay gagnait 3 matchs sur 4, Lurigo a était qualifié. Euh, il a créé, quelques, il a créé une, quelques surprises, mais dans une certaine forme de continuité, parce que la majorité des cadres ont quand même été reconduits. Il n'a pas remis en cause tout le groupe, mais il a apporté quelques touches très personnelles, euh, dont Pellistri sur le côté droit, qui était la vraie grosse surprise que personne ne s'attendait, et qui a très bien marché, notamment le premier match contre le Paraguay, qui était l'un des plus durs à gagner, alors moins rétrospectivement, parce que le Paraguay s'est un peu viandé euh, en fin d'éliminatoire. Euh, mais 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 à l'instant on va y jouer. C'était on était on avait presque ouais. on avait un ou deux points de plus que le Paraguay. C'était vraiment le match qui déterminait lequel des deux continuerait dans la course. Quoi. Donc aller gagner au Paraguay à était vraiment euh, le, le gros résultat. Et après la la, la logique a prévalu. C'est-à-dire la victoire sur le Venezuela à domicile était logique. La victoire sur le Pérou euh, elle, elle, elle était très compliquée parce que le Pérou était parce que le parce que le le Pérou était non, elle n'est pas logique, mais le, le Pérou arrivait en disant, euh, qu'eux, ils avaient le match suivant qui était le plus simple, qui a été le plus simple parce qu'ils ont battu le Paraguay, donc ils étaient dit en disant que le match nul nous arrange très bien, donc euh, on va jouer un peu plus, on va moins prendre de risques. On, ils regardaient les Uruguayens en train de dire c'est à vous de prendre les risques. Ils avaient raison, c'est-à-dire que l'Uruguay dans le même sens l'aurait fait, euh, l'aurait fait de la même façon. Et donc c'est un match très difficile à jouer parce que les, les, le Pérou est une très bonne équipe, donc forcément quand ils sont euh, bien en place et qu'ils n'ont pas voilà qui, qui sont bien en place et qu'ils avaient juste à attendre ça a mis du temps à, à se décanter et l'Uruguay l'a quand même emporté 1-0 l'a emporté un 1-0 euh, et s'est qualifié ce soir-là hein, d'ailleurs <laughs> c'était le 3 match on dit rien et on le dit match... rien <laughs> la bise à l'Uruguay en... voilà voilà <laughs> Mais euh, après, je, je, je sais pas quoi répondre d'autre. Le, 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 le VAR dit que le ballon est pas rentré. Le VAR est dans l'angle très exact et on voit à peu près, c'est très limite, mais ça on fait partie. T'as pas vu ça le 9-10 pas... de la semaine dernière Ça fait pas. T'as <laughs> pas vu la reconstruction fait... 3D qui a été faite <laughs> Oui, mais il faut y aller la reconstruction 3D. Il y a aussi des images, c'est très rigolo, parce que je crois que c'est Guerrero qui avait. Il y a beaucoup d'images qui ont circulé qui étaient des fakes, c'est-à-dire que les gens s'étaient amusés à repeindre le deuxième poteau en vert. Bah après, la, euh... la reconstruction 3D est faite sur l'image du match. Hein. Là, pour le coup, c'est pas... Voilà. Et, oui, Et ça fait, fait partie des occasions. Alors après, on peut, on peut en débattre pendant des, 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 des années. Ça fait partie des actions où ça peut être sifflé, ça peut pas être sifflé but. Voilà, c'est impossible. Euh, on était contre le VAR au départ parce qu'on disait qu'il y avait toujours une partie de subjectivité dans le football. C'est pas pour commencer à discuter les actions qui, même au VAR, restent subjectives. Sinon, on perd la boule. Bah, en ouais. fait, le souci, qui... bon, on, va, on va pas relancer le débat là-dessus. Le souci, c'est pas tant le VAR, c'est le fait qu'il n'y ait pas de gold line Technology tout simplement. Oui, euh... parce que là, tu as gold line Technology euh, qui est la seule technologie appliquée au foot où c'est blanc ou noir. Là, on aurait eu la réponse. On n'aurait pas des débats depuis, une, depuis 15 jours. débats qui se sont un peu euh, wow, on envolés on et qui se rebelleront définitivement quand le Pérou, euh, si le Pérou va en phase de groupe. Mais, enfin, on va en, en phase finale. Mais on n'aurait pas ces débats s'il y avait la Golden Technology avant de mettre le var. Et donc l'Uruguay s'est brillamment qualifié en dernier. en plus son <laughs> dernier match euh, contre le Chili, passant donc à la troisième place euh, derrière le Brésil et l'Argentine ce qui fait toujours plaisir, parce que c'était la première fois en plus dans cette phase de poule euh, intégrale que l'Uruguay se qualifiait avant la dernière journée, même s'ils ont moins de points que les euh, éliminateurs précédents. Et, et voilà, et donc euh, plein d'espoir, comme d'habitude, euh, et, et plein de possibilités dans, dans, dans ce groupe qu'on connaît aussi, comme beaucoup de groupes, j'ai l'impression, à cette Coupe du Monde, qui mmh. est aussi un groupe de vieilles connaissances. Et justement... ils, ont, ils ont recyclé des boules. Ouais, c'est les mêmes en fait. Euh, justement, il y a la question qui est abordée par Spinoza dans le chat, il y a aussi la question de Nostromo à propos de Diego Alonso, on va en parler dans un instant de Diego Alonso, mais avant cela, euh, il y a aussi chose que l'on a beaucoup entendue euh, de cette fameuse génération des papis uruguayens, cette génération vieillissante, euh, où on nous cite systématiquement les Godin, les Suarez, les Cavani. Il euh, y en a même qui, euh, parfois, vont nous citer Martin Caceres, donc bon voilà, bon courage. Ou Mouslera. Non, mais voilà, ça prouve qu'ils ne regardent pas forcément beaucoup les derniers matchs. C'est beau, Ya. Mais, Martin, euh... Et, euh... Martin Caceres est mon Dieu, donc on ne le critique pas. Ouais, mais enfin, oui. tu vois ce que je veux dire. Il euh, y, y, y a cette image d'un Uruguay vieillissant, euh, qui a vachement collé quand même avec aussi, euh, tu évoquais un Tabarès qui a été qui a été viré après, après quatre matchs complètement ratés, mais il y avait aussi cette notion-là de, on sentait cette usure, cette fin de cycle qui avait été au-delà de la fin de cycle. On est toujours dans cette, est, -ce on est toujours dans cette notion de d'équipe vieillissante ou pas vraiment en fait La réponse elle est dans la. Question, beaucoup moins vraiment. depuis quelques matchs. Alors, Tabarès avait déjà aussi fait un peu le travail euh, avec quelques changements, mais encore plus Alonso. Ça s'est fait euh, progressivement, mais il y a beaucoup de postes qui ont été beaucoup d'anciens. Qui ont été mis sur le banc petit à petit, parce qu'on voit que Mouslera est plus titulaire. Hein, C'est Rochette, donc euh, Muslera qui est le deuxième euh, joueur le plus capé de l'histoire. Euh, le gardien est, est passé sur le banc. Euh, ça se passe très bien, parce qu'on l'a vu, euh, notamment lors de, dernier, lors de la qualification contre le Pérou. Mouslera, le premier truc qu'il fait est courir dans les bras de Rochette pour le féliciter euh, à la fin du match. Donc ça se passe plutôt pas mal. Euh, euh, Martin Cacera, ça a été pendant de très nombreuses années le latéral droit euh, de latéral droit pansement qui, qui, qui venait sur le côté de Tabares et il est aussi sur le banc désormais c'est Ajaujo qui, qui a 20, 21 ans de mémoire. Euh, mais, mais qui est titulaire en défense à Barcelone. Le mettre latéral droit est aussi une idée d'Alonso et ça s'est très bien passé sur les matchs euh, euh, qui se sont joués, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, a, sur, les, de, lors des gros matchs, Alonso n'a pas mis Suarez et Cavani en attaque il a gardé Suarez et il a mis Darwin Núñez qui, euh, qui joue à Benfica et qui est aussi extrêmement bon, qui est en quart de finale de Champions League euh, et qui est très coté a priori euh, et qui est aussi extrêmement jeune. Euh, donc au final sur les derniers matchs des vrais briscards comme on dit il reste Godin qui a été plutôt bon euh, dans son rôle euh, capitaine euh, du haut de ses 36 ans il a, il a plutôt été bon et, et Suarez en attaque euh, qui est qui est Suarez euh... <laughs> euh, on ne sait pas euh, s'il joue plus avec ses jambes ou avec son cul mais, euh, que mais ça marche euh, oui ça, et, et, et ça tombe bien puisqu'il va pouvoir euh, avoir l'occasion d'être le gardien du RG euh, voilà avec ses dents et, et l'action la, de, de Suarez sur les dents de, sur, enfin sur l'épaule de Chiellini est la dernière action de l'Italien en Coupe du Monde hein, juste pour, pour rappel <laughs> et... la bise à tous les Italiens qui nous écoutent voilà ils auront bien pris ce soir ils sont, sont <laughs> chargés là et, et donc, non, sur le renouvellement générationnel, je ne me fais pas trop de soucis et c'est plutôt bien qu'il y ait les deux. C'est toujours du mal avec ces équipes dont on parle un peu, comme tu disais, pour, on l'a entendu pour l'Équateur, on l'a aussi un peu entendu pour les équipes nord-américaines. Ces sélections qui disent on prépare pour le futur dans 4 ans, ce n'est pas une critique, mais je me dis, mais comment on peut prévoir quel joueur sera là dans 4 ans, à quel niveau, sachant l'évolution du football de nos jours euh, Disons que la sélection de. de pour l'Uruguay du moins arrive à, à mélanger les deux à avoir euh, des joueurs jeunes euh, un milieu qui a déjà de l'expérience Jiménez euh, qui a 27-28 ans euh, qui, mais qui est déjà très expérimenté et des très vieux joueurs mais qui sont là pour apporter l'expérience il y, y, y a ce bon euh, melting pot Et justement pour reprendre la question de Nostromo alors je ne sais pas si on peut aller jusque là c'est un peu tôt je pense euh, par rapport à Diego Alonso euh, qui a fait ce qu'on lui a enfin tu as dit il fallait qu'il gagne 3 des 4 matchs il a fait mieux euh, mm. Et avec, alors pour le coup, tu vois, en chambre, on s'amuse, machin et tout, euh, le match au Chili est parfaitement géré. Il euh, y a une vraie maîtrise dans le match au Chili, qui était peut-être le match dans l'absolu, qui, enfin, qui était même le match qui comptait le moins. Euh, oui et, et qui au final est peut-être, j'ai presque envie, je sais pas ce que tu en penses, mais qui pour moi est le plus maîtrisé euh, des, des quatre. Euh, il est maîtrisé, mais après, j'ai l'impression quand même sur ce match que... À la, à la mi-temps, ah, c'est mort. Je... Ah, ouais. petit, à petit à petit, les Chiliens le, le savent tous, les speakers le disent, tout le monde a les téléphones. Les... Le c'est pour ça que ce n'est pas un match que je... qui, qui est difficile à juger quoi, sur l'aspect sur footballistique, parce que quand l'équipe d'en face s'arrête un petit peu... Oh, ou commence à, à, à déprimer quoi. Enfin, c'est un peu ça et c'est normal. Donc ouais. je les critique pas. Euh, c'est difficile de voir le niveau, l'Uruguay a maîtrisé parce que c'était assez simple de maîtriser, je pense. Et, et donc je, je, je finis. On est... ben, la question c'est est-ce qu'il a réussi à faire oublier Tabares Bon, déjà on fait pas oublier Tabarès, je pense. <laughs> c'est pas possible en Uruguay. Mais est-ce que, est que... Parce qu'il y avait quand même quelques interrogations sur l'arrivée de Diego Alonso à, à la tête de la Céleste. Est-ce que ça s'est un peu... Je ne vais pas dire en volée, mais en tout cas, est-ce qu'il y a moins de, moins de questions qui sont posées ou est-ce qu'il y a toujours un peu de débat 4 oh ben, quatre matchs, 4 quatre victoires, euh, il y a beaucoup moins de débats forcément, les Uruguayens ont d'ailleurs fait quelque chose de peu commun, ils ont copié, copié les Argentins avec euh, la Scaloneta, ils ont commencé à appeler ça la Lonzoneta, ce qui n'est voilà, pas très glorieux de, 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 de copier les voisins du Sud, mais, euh, mais donc il y a vraiment cet engouement, parce qu'il y a la qualification, donc forcément à partir de ce moment-là, je pense que quand il y a la qualification, il y a un peu avec la manière, il faut le dire quand même, parce que l'Uruguay a quand même joué, notamment contre le Paraguay et le Venezuela, deux très bons matchs, euh, forcément, ça embarque ça embarque tout le monde quoi hein, dans l'affaire. Et il a avec lui quelque chose qui l'a aidé pour être nommé et qui l'aide euh, toujours là, à l'heure actuelle. C'est le, le, son préparateur technique, euh, Ortega, qui est celui de l'Atlético Madrid, qui est très, très coté en Uruguay et qui est très coté parmi les joueurs aussi parce qu'il est forcément très ami avec tous ceux qu'il a, qu a coachés et préparés à l'Atlético Madrid et, et qui, qui est une pièce évidemment maîtresse dans son dispositif. Et par rapport à cette phase finale de Coupe du Monde pour l'Uruguay, on va quand même rappeler que l'Uruguay était la meilleure nation sud-américaine en 2018. Hein je, je... Et en 2010. Et en 2010. Mais bon, c'est vieux 2010. Donc. On parlait des papis tout à l'heure. <laughs> Mais bon, 2018, mine de rien, c'est la meilleure nation sud-américaine au classement, au classement de la Coupe du Monde. Donc là, c'était il y a 4 ans. Hein. C'était, euh, voilà. Euh, on l'aborde comment dans, du côté des, de, 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 de l'Uruguay, cette, cette, ce groupe et cette Coupe du Monde euh, ouais, on l'aborde comment, concrètement Mais Ce qui m'a encore fait, c'est quelque chose qui est très uruguayen, et qui est pareil très opposé à tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, de tous les intervenants, qui est qu'on a donc Rochette, qui est gardien de National, qui, a, qui, est, qui est maintenant continentalement un petit club, comme tous les clubs uruguayens, cest à que et qui arrive à la fin du match en interview, il dit bon bah on va se préparer pour aller gagner la coupe. Hein. Et, <laughs> et je me dis dans n'importe quel autre pays, le mec dit ça, et il se fait désinguer on va lui dire, mais il est fou. Et, et non, après, ils, ils y vont pour jouer, ils savent qu'ils la gagneront forcément sans doute pas, enfin, je dire, on ne va pas se voiler la face, hein. il, y a, il y a quand même assez peu de chances. Euh, mais c'est du football, ça se joue, et, et, et comme on dit aussi en Uruguay, il reste 7 matchs hein, uniquement, hein, c'est pas grand-chose. Il y a quand même l'objectif d'éviter le Brésil en huitième Ou pas oui. Euh, oui, euh, le, 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 Je, je, je l'ai bizarrement assez peu entendu. Il euh, n'y a pas de regard spécifique parce que de toute façon, je pense que... Il faut aussi... Enfin, c'est quelque chose... Alors ça, c'est une opinion plus personnelle que ce qui est dit en Uruguay, mais les, les, ça ne se passe jamais comme prévu en Coupe du Monde. C'est très rare de voir euh, quelque chose qui se passe exactement comme on l'avait prévu. Euh, quand on est en, en Russie le, le, le groupe A était un groupe facile le groupe B était le groupe de Lambor le groupe B était avec l'Espagne et le Portugal à la fin les deux équipes du groupe A ont battu les équipes du groupe B en huitième de finale et en quart de finale c'était des surprises forcément parce que c'était pas ce qui avait été prévu euh, donc il faut relativiser tout ça et, et, et y aller pour gagner ces matchs à partir du moment où les matchs sont gagnés, peu importe l'adversaire hein, ouais. je pense je, je, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une peur. -à, euh, à la limite, si, si ça avait été possible et ça n'a pas été le cas, mais ça aurait été très chiant de jouer le Brésil ou l'Argentine en phase de groupe. À partir du moment où il y a des matchs à, à partir du moment où l'Uruguay passe sa phase de poule, déjà la, la Coupe du monde est plutôt un succès, et la, la, viennent l'adversaire qui viennent et il et, n'y et aura pas trop de soucis de ce côté-là. On sait, ça on sait faire. Ouais, à, à choisir, je pense qu'ils préfèrent euh, éviter le Brésil. Après, s'ils tombent dessus, ils ne vont pas faire une fixette non plus et, et taper le match euh, comme il le faut. Donc, euh, c'est donc un, un petit peu pareil pour, pour pas mal de sélections, euh, une fois qu'on est en, en, en phase, et, en phase euh, à élimination directe, où ça change euh, considérablement les choses. Et, et donc, tu parlais euh, du Brésil, Nico bah, Justement, bah, ils finissent premiers euh, de la zone code mébol euh, assurés tranquillement depuis un moment d'être qualifiés. Et, et il tombe dans, dans le groupe G en compagnie de, de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun. Et, et donc au Brésil, ben, ça réagit comment bah Au Brésil, ce qui est assez rigolo, c'est que je pense que. Voilà, mais ça, Jérôme vient de le dire à l'instant, il y a toujours cette sensation de déjà vu. Bon, ben bah voilà, c'est du déjà vu encore pour le, pour le Brésil. Hein. Suisse et Serbie, ben bah, voilà quoi. <laughs> <On> va... <laughs> ils les avaient il déjà. Cameroun, ils ont déjà pratiqué aussi. Euh. Après, là, on est pareil, euh, on est en train de monter de, 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 de gamme en termes d'ambition. Euh, Jérôme évoquait l'Uruguay qui a toujours des ambitions, mais qui sait rester quand même humble dans le sens où ils n'arrivent jamais. Euh, Ce n'est pas les Argentins dont on va parler tout à l'heure, euh, quel que euh, quelle que soit la sélection qu'ils ont, euh, ils sont toujours le favori numéro un à la compétition. Euh, là, le Brésil est clairement annoncé favori. Le Brésil a survolé les éliminatoires. Je veux dire, tu regardes, on, on disait tout à l'heure qu'ils en ont mis 4 en Uruguay, mais ils ont terminé la campagne en mettant 4-0 à tout le monde. Quoi. Donc. Euh, euh, donc euh, voilà, ils sont même allés gagner 4-0 en Bolivie. Euh, ça peut faire rire de dire euh, ils ont gagné 4-0 en Bolivie, genre c'est facile. Non, c'est pas facile, euh, surtout quand on s'appelle le Brésil. Je crois que ça faisait 26 ans qu'ils n'avaient pas gagné en Bolivie. Donc euh, voilà, ils sont allés gagner 4-0 euh, une équipe sans Neymar. Euh, c'est pas l'équipe euh, qui va faire le plus rêver, ça on le sait en termes de jeu. Bon, ils ont quand même quelques facteurs X. Euh, on en connaît tous un qui joue à Paris. Euh, on verra sera, dans quel état il sera en novembre, mais euh, voilà, normalement. Marquinhos. Oui, voilà, exactement, <laughs> exactement. Euh, non, non, voilà, c'est, euh, oui, c'est. Euh, je ne sais pas si c'est la, la, la meilleure chance, euh, la meilleure chance de la zone euh, pour la, pour la, pour le, pour le, pour le titre. C'est clairement l'une des deux nations de la zone qui affiche clairement ses ambitions de jouer le titre. On l'a déjà expliqué plusieurs fois avec Marcelin dans différents podcasts, dans différents papiers, dans différentes émissions que le Brésil n'existe qu'à travers les coupes du monde. Euh, ça sera la dernière non il n'y a pas de carnaval Chad euh, l'anniversaire de la soeur de Neymar c'est pas en novembre et généralement en novembre il est performant Neymar c'est une bonne idée la coupe du monde en novembre <laughs> donc euh, voilà mais après il est performant en sélection, en sélection brésilienne Neymar donc, euh, donc euh, il y a pas... des boîtes de nuit au Qatar non ouais peut-être euh, voilà je sais pas on verra euh, mais voilà comme dit bah, notre tôt. Comme dit Nostromo dans Après le chat, ce sera la dernière de Titch euh, qui arrive à la fin d'un bilan absolument incroyable avec, euh, avec le Brésil qui arrive avec une sélection où voilà, il a, il a roulé sur l'âme sud. On, on pensait qu'il allait commencer à préparer un petit peu sa Coupe du Monde, qu'il allait injecter des nouveaux joueurs, qu'il allait changer de essayer différents systèmes et tout. Il a un peu changé de trois choses en, Bo en Bolivie par rapport au jeu, mais il s'est adapté à l'altitude. Euh, Peut-être la critique qu'on peut lui faire, c'est que justement, il a pas franchement incorporer deux joueurs différents, il a son équipe, il a son groupe, donc on sait quel groupe va aller à la Coupe du Monde, sauf blessure, machin, on est à huit mois, donc euh, voilà. Oui, le Brésil est la plus solide, vous les avez tous les deux croisés, vous, vous avez vu à quoi ça ressemble. Euh, c'est euh, l'un des favoris de la compétition, quoi, clairement. Après, c'est le favori euh, sud-am le plus crédible en tout cas, celui qui offre le plus de garanties. Sur la régularité, même si tu vois, on va l'aborder dans un instant avec l'Argentine euh, qui on va finir. Il euh, y, a, y, a, y a jamais eu. Euh, Jérôme parlait des hauts et des bas, enfin des bas qui a connu l'Uruguay, qui s'explique sur certaines choses. Tu as évoqué le calendrier, euh, voilà, mais il n'y a pas eu de bas véritable pour le Brésil. Il y a eu un petit moment de fébrilité quand ils ont perdu la Copa América chez eux, là, dans les matchs qui ont suivi la défaite euh, après la Copa América 2021. On a senti qu'il y avait peut-être une légère fébrilité, mais bon, légère fébrilité, elle n'a pas duré longtemps, quoi. Donc euh, voilà, non, c'est oui, tu l'as dit, c'est le candidat le plus crédible, clairement. Est-ce est qu est qu'on peut dire que le Brésil n'a jamais été aussi favori depuis 2014 Je sais pas, si, tu vois, je, je, je sais pas s'il était, tu le dis en rigolant, mais je sais pas s'il était autant favori en 2014. Bon, je le dis très sérieusement. Non, tu le dis pas sérieusement. Je te connais. Je sais que tu ne le dis pas sérieusement, mais je pense qu'il n'était pas aussi favori que cela en 2014. On va rappeler qu'en 2018, il s'est fait éliminer par une Belgique qui n'a fait que défendre euh, contre l'abysse aux amis Belges. On s'est fâché avec les Italiens, on va se fâcher avec les Belges maintenant. Euh... Oui, n'est pas, pas un argument. Le, le Brésil a gagné aussi les Coupes du Monde en jouant Non, mais il, par le voilà, d'accord, mais c'était juste, juste pour mettre une boîte au roi de la possession. Euh, voilà, c'était gratuit. C'est ce qu'on appelle mmh. les, un dommage collatéral. Et euh, voilà, non, non, mais euh, le Brésil était dans les candidats au titre en 2018. Il me semble encore un peu plus fort cette année. Donc il est dans les candidats au titre. Je ne dis pas qu'il sera champion du monde, mais il est dans les candidats très clairement affichés pour le titre. Ouais, puis dans, dans, le, dans le groupe G, il n'y a, y a, a pas forcément d'adversaires de, 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 qui, qui pourraient les effrayer. Après, euh, évidemment, là, bah, tous les matchs sont qui... compliqués, ouais, etc. Il mais... y a des adversaires qu'ils connaissent. Voilà. Euh... Il y a des adversaires qui connaissent. Euh, après, ils se sont fait accrocher. Il me semble qu'en Russie, ils se font accrocher par les Suisses. Donc, euh, bon. Ils oui. battent la Serbie, mais oh, ils ouais. se font accrocher par les Suisses. Donc, bon. Ouais, après, rien ne sera simple. Mais dans l'absolu, quand tu es, es brésilien, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison de, 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 de regarder trop loin, à part regarder euh, sur le huitième, voir euh, sur qui il tombe. Et, et si, je, si les Uruguayens s'en tapent un peu de tomber sur le Brésil, je ne suis pas sûr que les Brésiliens euh, s'en tapent autant de tomber contre les Uruguayens en huitième. On verra. Après, ils leur en ont mis quatre. Ouais, mais... Donc, ils vont s'appuyer là-dessus. Il y a quand même une grande confiance. On est d'accord sur un match et puis un Brésil-Uruguay en Coupe du Monde… Euh... On en a fait quelques-uns euh, dans, dans le cadre de nos, de nos émissions. Euh, voilà, c'est pas forcément toujours, un, toujours quelque chose de, que les Brésiliens a, a, abordent avec grande confiance, on va dire historiquement parlant. Mais bon, écoute, voilà, pour le Brésil, on va on va, on va terminer avec ton Argentine. Euh... On va, enfin, on va, parler de scaloneta. voilà, puisque <laughs> Jérôme a parlé. <laughs> C'est quoi, Alonzo? Ah, C'est ça. Ouais. C'est terrible de voir quand on copie euh, ah, les c Argentins. C'est là qu'on se rend compte que les choses partent à volo. Vous avez préparé la petite image avec le bus et tout. Vous avez quelle image? Ouais, si, oh, C'est si, le bus bah, je... je... Oui, Ouais, ouais, bah oui. Aïe, aïe, aïe. C'est ah, terrible. Bon, je... bah écoute, on va parler de, la va parler de la Scalonetta. Euh, Nico, euh, bon, je le disais tout à l'heure, l'Argentine. Même quand tout le monde sait que ça va être compliqué, ils sont pour eux déjà champions du monde avant de disputer la compétition. On l'a vu en 2018. Euh, J'imagine que là, euh, la réaction au tirage euh, était, euh, était plutôt, euh, comment dirais-je, je ne euh, vais pas dire tout en humilité. Euh... Ça n'existe pas. <laughs> ça n'existe pas. <laughs> ouais, bah, bah, bizarrement, euh, tu vois, en, 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 2000, euh, en 2018. Euh, avec des qualifs euh, chaotiques avec Sampaoli avant de partir en Russie et, et la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait euh, euh, créer Cancha Argentina et finalement euh, qui m'a permis de, de, de te rejoindre sur Lucarno Posé. C'est ce fiasco euh, en termes d'image, en tout cas, euh, en plus, plus que le football. Et, euh, et finalement, à, à cette époque, ils étaient extrêmement confiants et. et et avec toujours beaucoup d'ego et un manque d'humilité totale pensant écraser toutes les nations euh, ben là finalement ça, ça réagit euh, alors sereinement euh, ça se cache pas hein, le, le tirage est, est plutôt confortable et, 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 et sans souci majeur euh, mais ça s'enflamme pas et les, les, les médias comme euh, comme chiquitapia ou, ou Scaloni ça, ça, ça essaie de, de tempérer un petit peu euh, euh, les ambitions en disant euh, en disant justement que le groupe est abordable mais que chaque match euh, finalement euh, sera compliqué malgré tout et, et que rien ne sera fait. Il euh, n'y a pas d'objectif de, de, annoncé. Euh, on la gagne, on y va et, et c'est plutôt surprenant pour une édition pour, pour cette édition quoi. On n'est on est pas franchement habitué à ça. Après quand on quand on voit le tirage. Bon ben on, on voit les Mexicains, donc forcément, désolé Diego, mais, mais ça fait penser à 2010 et, et à 2006. Donc euh... Ah oui, c'est une bête Avec... noire l'Argentine pour le Mexique. Ouais, ouais, ouais c'est une, une vraie bête noire, par exemple. L'Argentine en est une. <laughs> Ouais, avec en, en 2010, euh, avec Maradona comme, euh, comme sélectionneur et, et une victoire 3-1 avec un doublé de Tevez, donc un, un but euh, dont on parlait en début d'émission, un but hors-jeu de 2 de, de mètres ou ouais. 3 mètres. C'est juste avant de se prendre une volée face aux Allemands, hein, c'est ça hein. ouais, c'est ça. 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 Derrière, ouais, ils prennent un, un 4-0. Ouais, euh, et, et Maradona qui, qui finit un petit peu… Euh, fâché avec euh, Maradona qui finit fâché pardon <laughs> euh, qui finit fâché avec euh, avec l'Argentine et, et qui euh, qui s'estime trahi par Bilardo donc euh, donc ouais ouais donc euh, tout, tout Plein de souvenirs qui sont, qui sont remis un peu au goût du jour par la presse. Euh, et forcément, ce, ce, ce but de Maxi Rodriguez avec, avec l'Argentine contre le Mexique, où derrière aussi, ils seront taper par l'Allemagne. Et d'ailleurs, sur ce match, Scaloni était titulaire. Donc, euh, donc, ouais, donc le, le Mexique, c'est un, un ennemi qu'on aime bien. Et qui n'effraie pas, surtout en ce moment vu vu les prestations. Qui qui c'est peut-être justement ça qui va être dangereux pour les Argentins, c'est qu'ils ne les redoutent pas spécialement. Euh, L'Arabie Saoudite, bon, euh, ouais, je pense voilà. qu'ils connaissent pas. <rire> <rire> ouais, non, ils n'ont aucune idée. Voilà. Ils n'ont aucune idée. Et, et je me souviens plus. C'est le premier match. Donc euh, bah voilà, ils vont découvrir, hein, ça fera, ils sont en galère de, de matchs amicaux, donc ça fera un match amical de plus pour eux, qui se sloupé, hein, parce que c'est le risque aussi à payer. Euh, et, et derrière, par contre, ouais, il y a la, la confrontation avec Lewandowski et ça parle surtout de ça, de Messi et Lewandowski euh, qui, qui s'affrontent sur un match, même si pour les Argentins, euh, bah, voilà, là, y a Lewandowski, euh, bon, est, il est gentil, mais euh, voilà, voilà par rapport à Messi, c'est c'est pas grand-chose forcément, quoi et justement chat dit ça dans le chat sur euh, évoquer le niveau de Messi à Paris euh, je pense que les, jardins, les Argentins euh, ne regardent pas franchement le niveau de Messi à Paris ils regardent le niveau de Messi avec l'Albi céleste tout simplement euh, qui, est, ah. <laughs> qui, est, euh, qui est Messi quoi et, et ce, qui est, ce qui est frappant c'est que, que ce soit de, du point de vue des médias comme de, de, de Tapia ou de Scaloni ou de ses coéquipiers, la, la, la seule chose qui importe, c'est que, que Messi soit heureux. Et vraiment, c'est ce qui revient tout le temps. Et, et l'idée de, de, de le faire venir, même sur des matchs qui sont pas indispensables sur les éliminatoires en, en fin de parcours, c'est vraiment ça. C'est qu'ils reviennent et qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se marrent. Il y a. Donc on parle de la scalonetta, mais il y a surtout une, une, une ambiance dans cette équipe où ben j'ai rarement vu ça vraiment, où il y a, y a, y a des, des joueurs blessés qui viennent exprès euh, faire, faire le rassemblement en Argentine, qui traversent, euh, qui, qui, qui prennent des, des, des heures d'avion dans les dents, du, des décalages horaires, et qui, et qui vont juste parce que ben voilà, ils, sont, ils retrouvent les copains, et c'est vraiment cet esprit-là qui prédomine, et, euh, et on voit cette ambiance qui, euh, qui, est, qui est vraiment, qui fait plaisir à voir et qui rassure beaucoup. Euh, J'ai n'ai pas souvenir d'avoir euh, une sérénité dans, dans une sélection argentine euh, depuis un paquet d'éditions de enfin, de Vraiment, je n'arrive pas à remonter pour voir eu, eu, une sérénité comme ça dans, dans l'effectif de Scaloni. donc c'est apporté par, par la série de victoires. Donc, 31 victoires, non, 31, euh, pardon, matchs sans 31 matchs sans défaite. Ouais, en défaite. <laughs> je m'enflamme un peu. Il y a, il y a que y 20 pas l'humilité. Ouais. <laughs> non, mais tu vois, ça, 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 ça va être tapé au premier tour. Ça, <rire> <rire> ça va perdre 2-0 contre l'Arabie Saoudite en ouverture, <laughs> mais carrément. Mais, mais, mais le pire, c'est que c'est possible. C'est hein, ouais. ils, ils, ils peuvent tout faire ouais, bah, après. Après, 30, 31 matchs hein, sans, sans perdre, ça donne une, une certaine sécurité, euh, une sérénité, comme j'ai dit. Euh, la qualification qui, euh, qui est acquise aussi depuis, euh, depuis un petit moment. C'est dans le, dans le passé récent, c'est euh, quand même nouveau pour la sélection. Et, euh, et, ouais, et c est, c est cette ambiance qui, qui prédomine dans le groupe euh, de, donne le, le, le sentiment que la sélection, que l'Argentine, que la Scaloneta, avec son joli bus... Va pouvoir bon. <laughs> rouler un, un, un long moment euh, au Qatar. Et, et, et justement, tu évoquais euh, Messi. C'est vrai que c'était. Je ne sais pas toi de ton côté, mais c'est vrai que par exemple, c'était une surprise de le voir en Équateur. Euh, typiquement, le match où on se disait, il ne va pas y aller, on ne va pas s'emmerder à les jouer en Équateur. Euh, bon, ben bah, voilà. Euh, et. Il y a aussi, et c'est un élément important, je pense, peut-être le plus important, on va parler un petit peu du jeu, euh, des certitudes, parce qu'on parlait du Brésil, qui, on connaît le 11 du Brésil, enfin on connaît le groupe du Brésil, on peut dire la même chose de l'Argentine, on sait comment elle va jouer. Clairement. Il y a, a peut-être des points, entre guillemets, de faiblesse, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, que ce soit sur le site ou un petit peu ailleurs, avec euh, les couloirs en défense et tout et tout, mais on sait comment va jouer l'Argentine, on sait qui va jouer dans cette sélection, il n'y a aucune interrogation. Alors après, c'est pareil, on est à 8 mois de la Coupe du Monde, hein, en as un qui peut se blesser, etc. etc. Mais si on démarrait demain, euh, on sait qui joue, on sait qui sera convoqué. La force de, de Scaloni, indépendamment du, du, du système aussi, tu le disais, c'est d'avoir un groupe, mais d'avoir aussi ramené le peuple derrière sa sélection. J'ai fait un petit peu l'autre jour dans, dans une émission le parallèle avec ce qu'a fait Deschamps en équipe de France, où il a ramené le peuple français derrière l'équipe de France. J'ai la sensation que Scaloni a fait pareil avec le peuple argentin derrière sa sélection. Il n'y a plus de critiques, Et même avant qu'il se mette à gagner la Copa América, il n'y a plus de critique sur cette sélection. Ouais. Et, et tu, tu as raison, euh, même à sa nomination où il est juste intérimaire après Sampaoli, euh, il, est, il est là pour euh, on ne sait pas combien de temps. Et le premier, je pense qu'il va faire euh, trois mois qu'il va être dégagé comme, euh, comme l'Argentine faisait, enfin, euh, a toujours fait. Donc euh, je ne le voyais pas s'installer, surtout avec ce statut d'intérimaire. Et bah, voilà, à part, à part dans les, les équipes jeunes de, de l'Argentine, il n'avait pas fait grand-chose pour, pour mériter cette place, entre guillemets. Et, et finalement ben comme il n'y avait pas franchement d'attente euh, avec cette équipe après Paoli, où il, enfin il prend l'équipe après un, après un chaos euh, sportif moral mental une dynamique euh, horrible et, et des médias qui sont qui font feu de tout bois à ce moment là donc lui il arrive derrière et, et c'est bizarrement comme il n'y a pas d'attente ça repart vraiment d'une page blanche et, euh, et finalement il a pu bénéficier d'un certain temps pour mettre en place ses idées et son équipe et, euh, et pendant longtemps bon on s'est posé pas mal de questions sur ce qu'il voulait, Mais aujourd'hui, euh, force est de constater que ça, ça, ça a fonctionné, ça a pris. Et, euh, et, et tu dis, c'est même pas... Enfin, euh, il faut se souvenir des dernières qualifs et de la, des, des derniers mondiaux. C'est euh, Messi et, euh, et, les, et dix autres joueurs. Quoi. Là, là c'est franchement pas le cas. Il y a un vrai groupe. Il y a, il y a, même quand Messi n'est pas là, ça tourne bien, ce qui, est assez, ce qui était assez rare. Et, euh, et donc, non, il y, y a vraiment cette, cette notion de groupe, euh, de, de stabilité dans le 11 avec, euh, avec des joueurs qui, qui communiquent beaucoup, qui, qui, qui s'entendent extrêmement bien, qui passent beaucoup de temps, qui, euh, qui, enfin, qui, qui se fréquentent énormément dès qu'ils peuvent. Et, et donc, non, non, c'est franchement intéressant. Et son 11, ouais, il est connu. Là, on peut. Le, fin, c sans, sans blessure ou sans euh, oui, un, joueur, un joueur qui sort de nulle part et qui flambe et euh, qui du coup deviendrait indispensable mais, euh, mais, mais là, son 11 est connu pour le premier match contre l'Arabie Saoudite là. Ah oui, oui c'est ça, on pourrait, on pourrait le donner euh, s'il n'y avait pas de blessure, Voilà. Ça, ça permet de répondre en partie à la question de, de Nostromo hein, sur euh, les arguments de l'Albi Céleste pour éviter un remake de la catastrophe de 2018, on est très très loin du contexte de 2018 bah, C'est l'opposé, on, euh... on est à l'opposé et, et même... Et même d'un point de vue médiatique, enfin, euh, je fais le parallèle avec euh, avec Maradona au Mexique, euh, euh, c'est euh, la Coupe du Monde au Mexique. C'est c'est avant la Coupe du Monde, avant le début de la Coupe du Monde. C'est il y, y a une haine envers la sélection, envers, euh, en, en, envers sa propre équipe. Là c'est là c'est l'inverse, la haine qu'il y avait même pour pour l'équipe de Paoli au moment où on y allait, enfin au, au moment du du Mondial en Russie. À part les, les Inchas qui, qui avaient fait le déplacement et qui poussaient euh, comme pas possible. Sinon, au pays, il y avait une, 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 vraie, une vraie haine, même une vraie honte de voir le cinéma de San Paoli, euh, ce qu'il faisait, etc. Alors, c'est sa faute, pas sa faute, c'est un autre débat. Mais en, en, en tout cas, y y il avait, y avait vraiment une, une, une fracture entre les Argentins et la sélection. Et là, ben, c'est totalement l'inverse qui se produit et elle se rend au Qatar avec énormément de certitudes qui ne suffiront peut-être pas en fonction de l'adversaire plus tard, mais en tout cas ils partent avec des garanties de jeu, de mentalité, de, de, de solidité et, et donc, donc oui, donc forcément tous les Argentins ont dans leur coin de la tête cette, cette Coupe du Monde qui pourrait être une merveilleuse apothéose pour, pour Messi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ce que, sur quoi j'allais conclure. Euh, c'est la der, hein, de Messi, c'est pas un secret. De hein. euh, toute façon, je pense qu'on peut même dire la même chose pour. On peut même dire la même chose pour, euh, même la même chose pour le, la der de Suarez au, à l'Uruguay euh, la der de Neymar euh, au Brésil. Euh, c'est la der pour l'Argentine, c'est l'ultime chance et on a presque la sensation, on va leur porter la poisse en disant ça, que c'est peut-être celle qu'ils ont au, au moment du coup d'envoi, peut-être le plus de chances d'aller peut-être aller chercher ouais je, je... c'est compliqué, compliqué hein. de, de comparer et de, et de se projeter sur euh, des rivaux qui, euh, qui vont évoluer aussi d'ici là Exactement. et qui seront sur d'autres dynamiques et donc alors oui ils sont dans des dans des très, dans de très bonnes dispositions est-ce que ça sera suffisant je l'espère euh, maintenant euh, c'est tu c'est compliqué là euh... Ils tombent contre un Européen. Ben voilà, ils n'ont pas joué beaucoup d'Européens. Là, ils sont en galère pour faire des, pour monter des matchs amicaux. Ils devaient jouer le Mexique. Ben, ils tombent dans le même groupe. Euh, derrière, ils vont au tirage à la, à la, au, au Qatar. Euh, Chiqui Tapia qui, euh, qui discute avec les dirigeants d'Arabie Saoudite et puis le dirigeant l'Arabie Saoudite qui souhaite mettre en place un, un match amical. Derrière, ils, ils jouent l'un contre l'autre. En, en, ils se serrent la main en disant ben finalement on va faire ce match mais pour des points. Euh, du coup, maintenant ben voilà, faut trouver faut trouver des, des matchs amicaux et, et pas simple. Donc, on sait que il devrait y avoir un, un adversaire de la Concacaf. Euh, euh, je crois qu'il parlait de Costa Rica ou, ou États-Unis ou Canada, un des trois euh, qu'ils essayaient de faire. Et, euh, et, et certainement un, un adversaire de la Conmebol qui serait Équateur. De ce qui, de, de ce qui se réfléchit, euh, les Européens sont pas disponibles. Et, euh, et Scaloni avait dit en, là dans ces derniers jours en conférence de presse. Euh, que de toute façon il avait déjà énormément de certitude que son groupe était n'allait pas bouger que son effectif euh, était déjà connu et que son 11 aussi quasiment donc euh, même s'il y avait peu de matchs amicaux et, euh, et s'il fallait jouer contre des équipes inférieures du standing des, des adversaires de la Coupe du monde bah, finalement ça, ça lui poserait pas forcément problème parce que parce que son équipe et lui ont, ont, ont suffisamment de, de certitudes okay. Un peu de match amico, ça rappellera l'Uruguay de Tabarès, hein, qui en faisait pas beaucoup, hein Jérôme. <laughs> qui en faisait pas beaucoup et qui en faisait souvent un à domicile, même si c'était contre une petite équipe, mais au moins ça permettait de faire le point avec les photos avec la famille, les enfants, le public du pays dans le stade. Et mine de rien, parce que tu disais à l'instant en disant, bon, finalement, ils vont peut-être trouver un match amical contre les États-Unis. J'ai un peu peur, j'en sais rien, j'ai absolument pas analysé la situation, j'ai peur que s'ils aillent faire un match amical à Orlando contre les États-Unis, ce sera pour le blé plus que pour autre chose. Tu sais, ils parlent de faire le Brésil-Argentine en Australie. Mmh. Et, et, et ça fait un match amical de plus, ça. Exactement. Mais bon, ouais, celui-là, il, il est euh, amical, mais officiel. Donc là, celui-là, mais voilà. Ouais. Mais oui, bah, celui-là, il va faire mal au Tibia, surtout. <laughs> oui, mais. Mais, oh, mais bon, pourquoi les. Faire, le Chili oui. Sont oui. <laughs> oui, mais on, ouais, on cherche. Vrai, les... hein. Je suis pas sûr qu'ils aient envie. On... Je suis, pas sûr. On... Et je suis pas sûr que l'Argentine ait envie d'un match amical face aux Chiliens un peu en colère à euh, quelques mois d'une du Monde. Qui leur casse tous leurs jours. Voilà, c'est ça. Là, Charpouro Vidal dans le milieu argentin sur un amical à un mois de la Coupe du Monde. Et puis, ben voilà. Puis on, on a dit qu'on en cherchait un adversaire crédible pour ah, le Un adversaire a, crédible, <laughs> exactement. Du haut niveau. Le euh, Panama. Euh, euh, bravo, ça finit là-dessus. Pourquoi pas euh... <laughs> Bravo messieurs, je ne sais pas si je dois vous féliciter. Je savais que le Chili a... allait en prendre une. Je pensais, je pensais que Jérôme en mettre une plus grande. On peut dire uh, deux mots quand même sur la magnifique mascotte de la Coupe du Monde ah, qui fera oui, plaisir tiens. à, tout, à chaque supporter de Boca. Attends, je, je vais ah, la montrer. Ouais. Attends, voilà. Euh, ah non, c'est pas ça. <rire> <rire> voilà, je me suis amusé. Voilà, c'est le fantôme de la l'Abbé, hein, Boca River 2015. Ça rappellera des souvenirs ouais. aux amateurs de gaz. Euh, voilà non la mascotte la voici magnifique mascotte je sais pas ce que vous en pensez messieurs je sais pas comment elle a été elle a été analysée dans vos pays euh, les gars bah moi On je te, te dis pour Fantasma de la B hein. bah oui c'est ça ça a pas été ah, sorti ça euh... non non je ne sais pas à qui tu qui était ah, la question. Deux, euh, bah, en Argentine ils ont tout de suite sorti tous les montages avec les fantômes de la ah. B euh, vous vous y avez pas eu droit quoi non bon faut dire qu'il y a plus de B en Au Mexique non plus donc <laughs> donc voilà ça exactement... résout le problème ça résout le problème et eh ben, eh ben voilà on va en rester là pour euh, justement pour, euh, bah, pour cette grosse page coupe du monde euh, on avait dit hein, que l'émission serait plus longue on le savait euh, on un poil plus long que prévu 2,47 c'est pas mal on est bien euh, je pensais qu'on ferait ouais franchement je pensais qu'on ferait 2,15 de... 2, 2, de 20 hein, franchement donc ça va je suis à peu près dans les temps euh, dans les temps que je pensais voilà on va on va <laughs> Oh, va, je moi je suis dans les temps j'avais mes paris dans la tête je, je, je pensais faire 1h15 j'ai fait 3h20 je suis dans les temps non 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 non, oui. non parce que quand on est censé faire une émission d'une heure et quart elle dure 1h40 euh, les dernières émissions où il y avait moins de choses à dire elle faisait 1h50 elle pouvait pas faire moins de 2h20 celle-là donc euh, voilà c'était voilà bref voilà on va conclure là-dessus on va passer au dernier petit bonbon on va quand même se faire un petit peu plaisir avant d'y aller et parce qu'il y, y a aussi des, 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 votes, à, des votes à lancer on va déjà commencer par regarder le, le résultat euh, du, euh, du dernier euh, Golasso Hello hein, euh, qui a été gagné avec une grosse majorité par Tepei Yashida, le joueur de Toshigi. Il est pas mal son enchaînement, euh, il est plutôt sympa. Euh, donc, c'est lui qui, euh, qui s'impose et qui est donc, et qui devient donc, euh, le quatrième euh, nommé pour le Golasso Hello du mois. Eh bien, vous savez quoi On va se regarder les trois autres histoire de se rafraîchir la mémoire. ఆ quatre nommés pour le golasso Hello du mois. Vous allez avoir euh, bah, une semaine pour élire euh, le vainqueur. Euh, C'était euh, génial, hein, si j'ai bonne mémoire, sur le mois dernier. Ouais. Euh, ah, pas sûr, j'ai un doute. Sur le mois dernier Ouais, j'ai un doute, je ne sais plus. Euh, il me semble, j'ai un doute. J'ai un doute. c'est pas grave. Euh, vous allez avoir un mois, un mois, euh, une semaine pour, pour élire le, le golasso Hello du mois. Ça va se passer sur le compte Twitter de Lucarno Posé. Vous avez vu qu'il y a deux Mexicains. Euh, voilà. Est-ce que les Mexicains eh, vont continuer à, <laughs> à nous mettre des ciseaux toutes les semaines Il n'y en a pas eu trop là. Ouais. Euh, voilà. euh, vous allez avoir une semaine pour élire cela. Le vote sera lancé sur le compte Twitter de Lucarno Posé à la fin de cette émission. Il y aura un deuxième vote. Ça sera pour euh, démarrer le mois d'avril. Et donc on va, bah on va découvrir tout de suite les nommés pour le Golasso Hello euh, de la semaine. Voilà, même procédure, on, euh, le vote sera lancé à la fin de l'émission sur, euh, sur le compte Twitter de Lucarne Opposé. Vous aurez un sondage auquel il faudra répondre. Vous aurez une semaine pour élire le Golasso Hello de la semaine, premier candidat pour être celui du mois d'avril. Voilà, on va arriver au bout de cette émission, messieurs. Merci d'avoir été avec moi euh, jusqu'au bout. Euh, ça a été déjà, ouais, euh, ah, on merci. commençait juste, hein, mais non, voilà. Donc, euh, merci, euh, merci à vous d'avoir été, été là, les gars. On va, on va vous donner des rendez-vous. Enfin, il y a des, quelques rendez-vous cette semaine. On ne les a pas. On ne on va, va pas faire la rubrique rendez-vous habituelle. Il euh, y a de la Libertadores qui démarre, de la Sudamericana qui démarre. Euh, ça démarre la nuit prochaine pour la Sudamericana, je crois. La nuit d'après pour la Libertadores. Euh, ma, nuit de mardi à mercredi et nuit de mercredi à jeudi. Donc, euh, voilà, regardez, suivez sur les réseaux. On, on vous tiendra au courant de tout cela. On va vous remercier d'avoir été présents euh, dans le chat. Euh, même si, comme le disait Chad, les Italiens sont partis depuis longtemps. c'est pas grave. Euh, on n'a pas été sympa avec eux. On va vous inviter à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Euh, Twitter, euh, Facebook, euh, à nous rejoindre sur nos, les différentes plateformes. À, à nous suivre hein, sur, euh, sur Twitch, à nous suivre sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast où cette émission sera à nouveau di sera disponible en replay. Et puis, on va vous inviter à nous rejoindre sur notre Discord. Voilà. Et on va surtout, surtout... Vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour une émission plus courte. Là, c'est sûr, il y aura moins de moins de contenu et moins de choses à parcourir. On ne parcourira pas toute la planète Hello comme on l'a fait aujourd'hui. Et on va vous souhaiter donc une bonne semaine. Et donc vous rendez-vous, vous donner rendez-vous. Je le disais, lundi prochain, 21 h Bonne semaine à tous.